Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live du Vortex. Je suis vraiment ravi de vous accueillir au mois de juillet pour ce nouveau live. On a mis un petit peu de temps à le construire, mais vous allez comprendre pourquoi. Je suis accompagné ce soir de Gilles de la chaîne Eureka. Comment ça va ça va très bien, merci. Là, on arrive un peu à se détendre malgré euh, un peu la pression là, qui monte de, ouais, du la live. qui monte, mais ça va, ça va. Ça va, et eh ben c'est super. Euh, live qu'on a mis du temps à construire, mais vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce qu'on a eu des grandes questions auxquelles c'était soumis des gros problèmes, on va dire. Ouais, c'était pas donc, facile. C'était pas facile, et donc on espère vraiment ce soir que vous allez apprendre des choses, découvrir des trucs. Si vous connaissez déjà la chaîne de Rika, je pense que ça va vous rappeler plein de choses. Mais si vous ne la connaissez pas, eh bien je vais le présenter, ne vous inquiétez pas. Euh, parce que ce soir, on a un live assez incroyable. On va vous parler de un peu de, de la transition énergétique de la transition écologique que l'on va devoir faire de toute façon et de comment la finance comment l'économie va essayer de répondre euh, où on va essayer de, de réagir en tout cas euh, à ces grands euh, ces grands changements qui, qui vont arriver et qui vont forcément être à prendre en compte dans, dans notre économie dans, dans la finance et de voir un petit peu déjà quelle est éventuellement la réponse de nos institutions de la finance actuellement et quelles peut- être être les autres solutions les autres alternatives que l'on pourrait Éventuellement euh, projeté aussi pour euh, trouver des solutions et répondre aux défis qui nous attendent euh, dans les 30 prochaines années. Vous allez voir que c'est pas petit, c'est pas petit. <laughs> c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, non, mais... Euh, toi Gilles, donc tu as une, une chaîne euh, qui est dédiée à l'économie et à la finance euh, que tu as depuis six ans maintenant sur YouTube. Euh, tu t'es vraiment spécialisé dans un domaine de la vulgarisation un peu à la dure entre guillemets, c'est-à-dire que on a souvent tendance et en particulier, je trouve dans les médias euh, justement type télévision, à résumer euh, l'économie à des choses très euh, très simples en fait ou à dire c'est trop compliqué, donc on va pas l'aborder ou ça on va vraiment le résumer à quelque chose de d'assez euh, Simpliste en fin de compte. Toi, tu as pris un peu la démarche un peu opposée, de faire des vidéos assez longues, assez denses, assez complètes en fin de compte, euh, pour essayer de vulgariser au mieux, pour le grand public, les fonctionnements et les mécaniques à la fois de la finance internationale, de l'économie, euh, de, de, de l'Union européenne. Tout ça, ça fait vraiment partie de, de, de ton du cœur de ce que toi, tu souhaitais faire sur ta chaîne. Ouais, c'est ça. Le but, c'était d'essayer de bah, de déconstruire en fait, parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, bon, déjà, on comprend pas forcément, mais aussi euh, on a l'impression que ça a toujours fonctionné comme ça ou que ça devra toujours fonctionner comme ça, alors que pas forcément. Et donc, euh, bah voilà, c'est important de comprendre euh, je sais pas moi, comment fonctionnent les institutions, pourquoi il y a certains mécanismes qui marchent comme ça, parce que c'est les institutions qui sont organisées comme ça. Et du coup, si on les organisait différemment, bah, ça marcherait aussi différemment. Il y a des, des choses qu'on mentionne comme étant des lois, un petit peu comme si c'était des lois physiques. En fait, ce pas des lois physiques, hein, c'est euh, une construction faite par nous. Il y a beaucoup de choses qui sont des constructions faites par nous. Donc,. Euh, donc voilà, c'est pas toujours évident de faire le, la distinction entre euh, le technique et le politique, surtout en économie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de On va en parler en ce soir, hein, de toute façon, vous en doutez. Euh, je vais revenir rapidement aussi sur ton parcours, parce que je trouve qu'il est intéressant de le préciser d'un petit peu d'où tu arrives pour nous raconter tout ça, parce que t'es pas. Euh, je ne dirais pas que c'est atypique, mais tu as un genre de repenti, on va dire ça comme ça. Euh, toi, tu as fait une grande école de commerce, tu es parti ensuite aux États-Unis, euh, euh, vraiment en mode traders à l'américaine, un peu dans le fantasme, peut-être que l'on peut avoir. Euh, complètement, complètement dans le, complètement le fantasme, dans le fantasme ouais. avec plein d'écrans, euh, en train d'envoyer, euh, <laughs> d'acheter des trucs et de vendre des machins que tu ne comprends pas forcément, mais en tout cas, ça marchait pas mal. Et puis derrière, euh, tu es revenu à, la, à Londres euh, pour travailler toujours dans la finance. Et puis, il y a eu un genre de processus ton, dans Ton activité qui a fait qu'au bout d'un moment, tu t'es posé un peu la question du sens de tout ça ou de la pertinence de ce que tu faisais ou de la compréhension de ce que tu faisais, c'est ça Oui, alors le, le truc, c'était euh, normalement, quand on. En fait, le métier de, de trader dans, dans les salles des marchés en, en, de manière générale, c'est des métiers qui sont très techniques et en fait, on nous demande d'être de, spécialiste et d'être toujours plus spécialiste de notre sujet. Chose que bah, j'ai faite pendant une partie de ce début de carrière en, en finance. Mais il y a eu un, quand même un moment donné où j'avais envie de bah, plutôt de dézoomer au lieu de constamment zoomer pour voir encore plus le détail. Donc savoir ce que faisaient les gens autour de moi, comprendre comment fonctionne une. Une banque d'investissement, une banque de manière générale, euh, la banque centrale, la finance en général, et puis du coup, comment c'est connecté à l'économie, quelles sont les règles de l'économie. Truc important à savoir, Alors, attends, les financiers sont pas des que, économistes. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ouais. que c'est un métier que tu as exercé, tu as fait des études spécifiques là-dessus, et tu ne savais pas comment fonctionnait l'économie ni non, la finance euh, Non, c'est ça, ouais. Tu as des études où en fait, tu, on va t'apprendre euh, ce que c'est qu'une option et comment on trouve le prix d'une option, mais on ne te dit pas à quoi ça sert. Euh, on à dit quoi pas ça que, correspond dans la réalité Comment, comment fonctionnerait le monde sans ces produits dérivés-là euh, Donc non, tu, tu vas direct dans l'efficacité. C'est-à-dire que le but, c'est que quand tu sors de l'école, tu sois euh, vendable entre guillemets pour avoir pour, 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 pour les entreprises quoi, pour, pour trouver un job. Mais tu, tu, tu comprends même pas ce dans quoi on t'envoie. Et donc bref, moi en comprenant, euh, bah, je me suis rendu compte que je voulais absolument pas faire ça. Je voulais pas participer à ça. J'étais pas d'accord avec ce que faisaient les banques. Euh, et, et, et donc j'avais besoin d'en sortir, quoi. Voilà. Et donc tu t'es dit pourquoi ne pas En fait, si j'ai bien compris, tu apprenais en parallèle de ton travail plein de choses, et tu t'es dit à un moment bah, que tu allais arrêter ce travail-là pour te consacrer à la vulgarisation et à la, au partage de, du, du savoir que tu apprenais en parallèle, quoi. Voilà, avec avec un espèce de parti pris, même si ça, ça a un peu évolué, qui était de dire. Ok, moi, je me suis rendu compte que je voulais pas participer à ce que faisaient les banques, mais d'un autre côté, c'est mon jugement à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. C'est chacun, chacun, son avis. Mais moi, j'aimerais bien que chacun puisse se faire son avis. Donc, pour faire ça, il faut expliquer comment fonctionnent les banques, et puis après, tout le monde pourra, chacun pourra décider. Et donc, c'était ça l'idée de la chaîne. D'accord, ok. Ben en tout cas, moi je trouve ça très réussi, c'est pour ça qu'on t'invite ce soir Gilles, on va t'appeler Gilles, on ne va pas t'appeler Eureka, non, ça ne s'embête pas toute la soirée euh, On va démarrer assez vite, mais tout d'abord on va avoir, vous le savez, on a les traditionnels, je passe le coucou bien sûr à Prosper à la réalisation Et Oname qui est dans le chat à vous modérer avec le Vortex et qui va aussi nous faire les Stropoles, et puis vous le savez, il est là le gros toutou qui va nous accompagner aussi tout au long de cette soirée. On a des stropoles un peu particuliers pour ce live. Ce sera plutôt des sondages. Pour... On va vous demander votre avis. On en a fait moins aussi parce que vous allez voir que ça... Écoutez, donne-moi la, donne la caméra Prosper. Donne-moi la caméra Prosper. Il faut qu'on parle ce soir. Vous le savez, les lives du Vortex, ils étaient conçus pour durer deux heures. Vous le savez, les lives du Vortex n'ont jamais duré deux heures. Vous le savez, les lives du Vortex, ils ont duré des fois trois heures. Et c'était long. On va tout faire pour que ce soir, il fasse moins de trois heures. Mais je ne peux véritablement pas vous le garantir. Donc j'en suis désolé. Mais ça va être bien. Ça va être intéressant. On va découvrir plein de trucs. Donc restez. Je sais que c'est compliqué, mais c'est bien. En attendant, on va revenir sur, euh, sur cette caméra. On va faire un Stropole. Un Stropole, c'est simple. Un petit sondage. Vous allez pouvoir voter tout le long de la première partie qui va être justement d'expliquer le mé mé les mécaniques de la finance verte. On va dire ça, ouais. la mécanique de la finance verte. Euh, premier stropole, et puis ensuite, euh, on démarre la présentation. Et à la fin de cette première partie, on vous fera la réponse du stropole. Enfin, on regardera le sondage, on commentera éventuellement le, le sondage. Petite pause, et puis on repartira euh, sur euh, la deuxième partie qui sera plutôt euh, sur la décroissance en elle-même. Et on finira encore avec un deuxième stropole, vous verrez. Donc voilà, c'est un peu le programme de, de la soirée. Est-ce que, est que ça fonctionne à la régie Oui. Alors, est-ce qu'il s'affiche le, le, le questionnaire Ah, parfait À partir de quel moment euh, sommes-nous riches Vraie question. Hein. Quand on a un million d'euros, quand on a trouvé l'amour, quand on a un CDI ou quand on peut reprendre du fromage euh, Les vraies questions ce soir hein, qu'on aborde avec Gilles. Euh, on vous laisse voter, éliminer. On revient dessus dans, dans, dans le temps, un parti nécessaire à la première présentation, la présentation. De, de Gilles. Euh, je t'en prie, on va pouvoir y aller. Okay. Euh, on on t'écoute et puis euh, j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors, Alors. c'est parti. Ok, donc la finance verte. Euh, ah bah ça bon, commence bien. Je démarre avec la finance verte n'existe pas. Donc, ça c'est un premier truc. On entend beaucoup parler de ces histoires de finance verte. Euh, moi je pense que la finance verte n'existe pas. Pourquoi Parce que euh, la finance en fait c'est. Euh, proposer comme contrainte prioritaire qu'il euh, faut avoir de la rentabilité. Donc là, c'est mon petit podium. En fait, l'objectif numéro un des financiers, c'est faire de l'argent. L'objectif numéro deux, c'est faire de l'argent. Et l'objectif numéro trois, à la limite, ça peut être une contrainte sociale ou une contrainte environnementale. Mais dans le cadre actuel, l'objectif sera toujours de faire de l'argent. Et euh, pour moi, il me semble que la finance verte, c'est au contraire de pouvoir passer au-dessus de cet objectif de rentabilité pour pouvoir mettre des contraintes qui sont environnementales, sociales, et à la fin seulement s'intéresser à la rentabilité. Donc l'idée c'est de se dire que si on a deux projets, qu'on a un projet qui rapporte 10% mais qui n'est pas vert, alors on va revenir sur le vert, peut-être plutôt il faudrait que je dise... Euh, bas carbone à la limite. Mais bon, je vais, je vais garder le terme de vert parce que c'est vraiment les termes ça qui fait sont partis. Voilà, c'est les termes que utilise la, la, banque, la, la Banque Centrale Européenne, la, les, voilà. les institutions utilisent ce terme-là. C'est pour ça qu'on l'utilise voilà. nous, même si on n'est pas forcément d'accord hum. avec le terme en lui-même. Donc, l'idée d'une finance verte, ce serait vraiment de dire bah voilà, j'ai une rentabilité à 10%, mais le projet n'est pas vert, donc du coup, j'en ai un autre qui a une rentabilité à 5% uniquement il est toujours pas vert et j'en ai encore un autre qui a une rentabilité à 0,5% mais il est vert et ben voilà je choisis celui-là sciemment j'ai beau être financier je choisis le projet qui rapporte presque rien parce que oui il est vert et donc c'est là qu'on veut aller clairement les financiers feront jamais ça à moins que tu les contraignes que tu leur interdises d'aller chercher le 5% ou le 10% sinon ils iront forcément chercher le 5% ou le 10% donc la finance ne peut pas être verte euh, telle qu'elle est organisée actuellement, parce qu'il faudrait, c'est ça, euh, descendre l'objectif de rentabilité. Pour le moment, c'est juste pas possible. Et en fait, la contrainte, elle est assez profonde. Elle est dans l'idéologie, mais elle est aussi dans le fonctionnement des institutions. Donc, clairement, tant qu'on ne change pas tout ça, euh, la finance sera pas verte. Alors, il y, y a un exemple qu'on peut donner qui, euh, donc, qui, est, qui est dans un bouquin qui s'appelle L'illusion de la finance verte qui est aussi dans une étude euh, sur les obligations vertes. Alors, je vais essayer de résumer un peu le, alors le. propos du livre. Il se trouve que le livre, euh, je l'ai pas lu, mais je sais que c'est tiré notamment de cette étude, euh, comment, sur euh, théorie, enfin l'obligation verte, la théorie contre la réalité. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, il existe aujourd'hui des produits financiers qui s'appellent des obligations vertes. Donc, qu'est-ce que c'est C'est des entreprises qui vont se financer sur les marchés financiers, qui voilà, qui demandent des sous. Et euh, au lieu d'émettre une obligation classique, qui est de la dette, donc euh, on prête à l'entreprise et l'entreprise doit rembourser avec un taux d'intérêt, eh bien ils émettent une obligation dite verte pour, pour financer un projet normalement vert. Et donc là c'est la même chose, c'est une dette, euh, on rembourse avec un taux d'intérêt. Et l'idée c'est de se dire, en fait la finance normale, elle va toujours financer le truc qui est le plus rentable. Okay donc quelque part si... Euh, euh, décarboner l'économie, c'est rentable. En fait, il n'y a pas besoin d'obligations vertes. La, ça la, va finance, se faire naturellement. Voilà, la finance va le faire tout seul. Si c'est ça le plus rentable, elle va y aller. C'est ce qu'elle fait en fait en temps normal. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, si les obligations sont réellement vertes, elles sont forcément moins rentables que les autres obligations, celles qui sont pas vertes. Sinon, c'est juste des obligations normales qui financent des trucs normaux avec pas moins de rentabilité. Et donc L'exercice a été fait, de savoir, ben voilà, est-ce que ces obligations vertes sont effectivement moins rentables que les autres Et la réponse est non, elles sont tout aussi rentables. Donc c'est du greenwashing. Alors c'est, voilà, il y a, a, a peut-être des nuances à apporter, mais enfin, je pense que dans l'ensemble, la conclusion est, est correcte, c'est du greenwashing. Voilà. Donc la finance verte, non, non. voilà. Alors tout, tout l'enjeu du coup. Alors, voilà. Tout l'enjeu, du coup, ça devient. Ce n'est pas une question de verdir la finance, c'est plutôt une, une question d'orienter les flux financiers vers ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse de faire, c'est-à-dire décarboner l'économie. Alors, euh, la question de décarboner la société, euh, en fait, avant de, de rentrer dans le détail, j'aimerais essayer de cadrer un peu les choses. Donc, on va essayer d'expliquer comment fonctionne la société ou l'économie. Et puis, on va aussi parler d'idéologie. cest à à la fois comment, et comment fonctionne la société, c'est le côté un petit peu euh, qu'est-ce qui est connecté avec quoi. Okay et puis ensuite, il y a euh, les gens qui sont à la tête des différents éléments du schéma, comment ils pensent. On a besoin des deux pour, pour comprendre le sujet. Donc décarboner la société, déjà, la société, c'est une société de marché, capitaliste et consumériste. Alors, société de marché, ce que ça veut dire, c'est que tout est organisé autour d'un marché. Donc, les entreprises sont en concurrence, les consommateurs sont aussi en concurrence. Ah, ça, c'est plus surprenant. Ouais, ouais donc euh, on se fait la guerre entre nous pour acheter des produits et euh, les entreprises se font la guerre entre elles pour fabriquer les produits. Et donc, cette, cette concurrence euh, de partout est supposée générer une espèce de d'équilibre, est supposée générer des espèces de prix justes. On en parlera un petit peu plus tard. Les meilleurs prix possibles. Et puis ensuite. La production est organisée de façon capitaliste. Donc ça, ça veut dire que euh, si j'ai un marteau et que je plante un clou, euh, la planche avec le clou dedans ne m'appartient pas à moi. Elle appartient à celui qui est propriétaire du marteau. Voilà. On pourrait dire que non. On pourrait dire différemment. Mais il se trouve que c'est organisé comme ça. Ce qui sort des usines, ça appartient à celui qui est propriétaire de l'usine et pas aux gens qui ont actionné les leviers ou qui ont travaillé dans l'usine. Bon, donc ça c'est le système de production qui est capitaliste et ensuite c'est consumériste parce que derrière tout ce qui est produit même s'il y a aussi de l'investissement ça sert enfin ça doit être consommé par la population. D'accord, et on cherche à produire toujours plus et donc à consommer toujours plus. Alors, se représenter l'économie. Se représenter l'économie. Donc ça va. Pour l'instant, c'est simple, je démarre avec le schéma de base de, des économistes les économistes ils disent, il y a des intrants, des inputs, donc il y a des trucs qui rentrent dans un système de production, qui est représenté par le rectangle, et ensuite il y a des sortants. Et le sortant, c'est quoi C'est le PIB, c'est mesuré par le PIB. Donc ce qui sort du système de production pour les économistes, c'est le PIB. Le PIB qui se mesure en euros. Si on complexifie un peu le schéma, ça ressemble à ça. Euh, en fait, ce qui rentre au niveau des intrants, c'est du capital et du travail. Alors le travail... Bon, ça c'est facile, c'est des heures de travail, ça se compte en heures. Et le capital, qu'est-ce que c'est C'est tout le reste. Tout ce dont tu as besoin pour fabriquer quelque chose et qui n'est pas une heure de travail, c'est du capital. Donc tes matières premières, c'est du capital. Le terrain dont tu as besoin, c'est du capital. Je ne sais pas moi, les euros dont tu as besoin pour investir, c'est du capital. Les machines, c'est du capital. Tout est du capital. Du manque, c'est pas du travail. Ça rentre dans un système de production, il en sort du PIB, donc c'est-à-dire qu'il en sort des euros, encore une fois, d'accord une partie de ces euros servent à la consommation, une partie de ces, ouais, ces produits servent à la consommation, donc la consommation se mesure aussi en euros, okay et le reste sert à l'investissement, c'est-à-dire à venir faire grossir le capital, pour pouvoir ensuite réinjecter tout ça dans le système de production, et en produire encore plus l'année suivante. Okay et le PIB est supposé grossir comme ça d'année en année. Alors, pour une vision un petit peu plus réaliste des choses, moi je le mettrais comme ça. Donc on a une usine de production avec toutes les machines dedans. Donc ça c'est le capital qui va produire euh, ben des objets, on va dire. Alors normalement c'est des biens et des services. Ici j'ai représenté des cartons donc plutôt des objets, mais faut bien garder à l'esprit que c'est des biens et des services. Il y en a une partie qui sert à la consommation, qui va donc vers la population. Il y en a une autre partie qui, qui réinvestit dans l'usine pour l'agrandir en fait, pour la rendre plus efficace ou pour, pour qu'elle soit capable de produire plus l'année suivante. La consommation, bah c'est consommé par la population. La population elle est divisée en deux. Il y a les travailleurs d'un côté qui travaillent dans l'usine. Okay l'usine ne pourrait pas fonctionner sans eux. Et puis on a aussi les capitalistes qui, eux, sont propriétaires de l'usine. Okay ils ont accès à la consommation. Et puis on a une partie de la population qui est exclue. Il y a les exclus. Eux, ils sont ni capitalistes ni travailleurs. Et donc, du coup, ils n'ont pas accès à la fois à l'usine. Ils ne participent pas au, au, à la production. Et d'un autre côté, ils n'ont pas accès non plus à ce qui est produit. Ce qui évidemment pose un problème. Donc, on a ce système-là. Et si on... On essaye de complexifier un peu plus. Alors là, on sort de ce que les économistes nous disent, normalement. Hein. Les économistes déjà. Euh, on, ils... on quitte déjà la doxa officielle. Enfin, en fait, ouais, voilà. déjà avec mon schéma, là, de, depuis le début, en fait, on quitte la doxa officielle. <laughs> le, le vrai schéma, c'est... Le vrai schéma, ouais, c'était ça. Ça, c'est ce qu'on apprend encore, euh, d'ailleurs, au collège ou au lycée. Ouais, ouais, quand on débute un petit peu l'économie, on s'arrête à, ce... à cet endroit-là. D'accord. Ouais. malheureusement. Donc du coup, ici pour que l'usine tourne, on rajoute que il ben, y, y a besoin d'autres intrants que juste euh, du capital euh, qui a été produit euh, l'année d'avant. Il faut quand même des matières premières qui sont extraites de l'environnement, et il faut de l'énergie qui est aussi extraite de l'environnement. Et même, pour faire encore un peu plus détaillé, euh, les matières premières elles arrivent directement dans l'usine de production, mais en vrai, euh, l'énergie elle passe par des convertisseurs, Donc, on peut s'imaginer que c'est d'autres formes d'usines des convertisseurs qui vont convertir l'énergie naturelle qui vient, bah, je sais pas moi, du soleil, qui vient de des énergies fossiles, pour ensuite pouvoir injecter ça dans l'usine sous forme d'énergie euh, utilisable quoi. Mmh. Et là, si on regarde, c'est là où on a un problème. Euh, si on regarde au niveau de nos convertisseurs, il se trouve que il y en a grosso modo 85% d'entre eux qui, sont, qui fonctionnent à l'énergie fossile, donc qui brûlent du pétrole, du charbon, du gaz. Et 15% qui sont bas carbone, donc ça va être quoi Ça va être des barrages, ça va être du nucléaire, ça va être les, les panneaux solaires, les éoliennes, voilà. géothermie, ce genre de choses. Euh, si on regarde en quantité, on a 143 000 TWh dans le monde. C'est l'échelle mondiale. Ça, c'est un vrai chiffre de l'échelle mondiale de la consommation ouais, je énergétique je crois... mondiale. Je crois que les, les... ça date de 2016, ce chiffre. Mais ça euh, si légère. Si je ne me suis augmenté, pas trompé. Euh... Ouais. 143 000 térawattheures, 143 térawattheures de fossiles et 25 000 térawattheures de, je vais dire bas carbone. Okay, sinon, je vais me faire taper dessus. Il ne faut pas dire vert. Oui. on va arrêter avec le vert parce que c ça fait, c en fait c le terme en lui-même c'est greenwashing disons que c'est ouais, compliqué, je suis pas assez expert dans ce domaine là pour, pour avoir enfin, un avis, revenir donc, euh, que je vais... le réveilleur hein. voilà. ensuite le problème c'est que donc, notre usine pollue donc on a une flèche qui va directement sur la, la planète pour dire que bah, il voilà, y a une pollution et puis on a les convertisseurs qui polluent aussi et donc tout, tout, le, tout ce qu'on aimerait faire c'est faire un truc comme ça, c'est à dire que euh, là, si je vois, on voit ma souris. Non, on ne la voit pas. On a donc deux flèches au niveau, de, euh, comment, au niveau des, des consommations énergétiques. Là. On voudrait réduire euh, les 143 000 TWh de fossiles. Il en faut de moins en moins. Il faut, il faut stopper les usines euh, à charbon. Il faut, euh, il faut plus de voitures euh, à pétrole. Il faut plus de bateaux à pétrole. Il faut plus d'avions à pétrole. Tout ça, il faut que ça soit mis à la casse, quelque part. Et il faut augmenter la quantité d'énergie produite verte ou bas carbone pour alimenter l'usine de production. Donc ça, c'est le projet. C'est le projet, projet qu'on doit mettre en place absolument pour réussir la transition énergétique d'un point de vue économique. C'est ça. Donc ça, c'est le, le projet. Et le truc, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est... alors ah, dernier truc, il euh, y a évidemment un flux d'investissement qui va aussi vers les convertisseurs. C'est-à-dire que quand on produit quelque chose, quand l'usine sort quelque chose, par exemple du, je sais pas moi, du métal, on peut utiliser ce métal pour agrandir l'usine de production ou alors pour fabriquer des éoliennes. Voilà. Et donc du coup, euh, tu, soit tu le mets dans l'usine, soit tu le mets dans tes, converti dans tes convertisseurs. Et le truc, c'est que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est ça, c'est-à-dire que malgré le fait que euh, on sait qu'il faut arrêter de poser des convertisseurs fossiles bah on continue d'en poser j'avais regardé entre 2015 et 2019 euh, je crois que c'est un truc comme 65% de toute l'énergie enfin de tous les nouveaux convertisseurs à énergie qu'on a rajouté sont fossiles, sont fossiles. Ouais. voilà et seulement on a, plus on a plus vite fait grossir le fossile que le verre si je ne me trompe pas. que le verre voilà c'est ça alors que le but c'est de le poser le but ce serait de poser que du verre et en plus de, de détruire, retirer du fossile de retirer du fossile chose qu'on arrive pas du tout à faire en fait et, et on n'y arrive pas parce que l'usine est beaucoup beaucoup trop gourmande en énergie euh, pour y arriver sachant que on veut faire en sorte que l'usine euh, continue de produire et continue mmh. même d'augmenter la production c'est l'idée de la croissance verte alors justement euh, alors avant de parler de croissance verte maintenant que j'ai présenté euh, donc le, le schéma de fonctionnement de, de l'économie je voudrais présenter quand même la, la doctrine politique qui, euh, qui est associé euh, à ces idées-là Voilà, c'est ça. Euh, toute cette organisation, en fait, elle fonctionne avec une idéologie politique. Les gens se représentent les choses d'une certaine manière et vont prendre des décisions en fonction euh, d'une certaine euh, doctrine politique, d'une certaine idéologie. Et en fait, c'est vachement important de comprendre ça parce que sinon, parfois, on ne comprend pas certaines décisions. On se dit, mais pourtant, ce serait ça le plus efficace pour réduire le. Mais il y a un cadre de pensée, en fait. Et ce cadre de pensée, il est important à comprendre, donc c'est le néolibéralisme. Et alors moi, j'aime bien me servir euh, comment, de la, la description du, né, du néolibéralisme faite par un économiste français qui s'appelle David Cayla, dans un bouquin qui s'appelle Populisme et néolibéralisme. Et donc du coup, lui, il dessine ce qu'il appelle le temple du néolibéralisme. C'est joli, hein c'est <laughs> <C 'est> grec <laughs> et tout, c'est hein, bien fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc du coup, il nous dit, euh, le néolibéralisme, c'est quoi Eh bien, c'est d'abord et avant tout un système de prix de marché en concurrence donc en gros le néolibéralisme c'est le marché voilà, le, le marché est au cœur du système et on veut organiser toute la société autour de ce marché on est vraiment persuadé que c'est le marché qui va amener le bonheur de l'humanité d'accord et pour que ce marché fonctionne on a besoin de quatre piliers pour, pour le soutenir et pour être sûr qu'il reste bien au centre il euh, y a deux piliers extérieurs qui sont le libre échange et la stabilité des prix. Alors le libre échange, c'est l'idée de dire il faut pas entraver le marché, il faut pas entraver son extension, d'accord. Donc déjà on ouvre les frontières pour pouvoir commercer avec tout le monde, pour étendre le marché au monde entier, mais il faut aussi l'étendre à l'intérieur euh, des pays. Il ne faut pas hésiter à euh, donc typiquement quand il y a du service public, il ne faut pas hésiter à le rendre privé, par exemple. Comme ça, ça... ça rentre dans le marché comme ça. Voilà, ça. Parce que tu considères que le public, ce n'est pas dans le marché. Ah non, non, ce n'est pas le marché. Pour le marché, il faut vraiment des entreprises en concurrence et des consommateurs en concurrence pour avoir accès au service. Ou à la richesse qui est produite, enfin au bien qui est produit. Donc euh, voilà, et alors donc ça, ça, ça marche aussi par le fait de, par exemple, euh, euh, tu vois euh, bah c'est toujours l'exemple que je donne tu t'occupes de tes enfants c'est pas dans le marché parce qu'il n'y a pas de transaction financière sauf aussi mais... me paye voilà mais mes enfants me payent pas voilà, donc... donc mais tu peux faire venir quelqu'un pour s'occuper de tes enfants là tu vas devoir ah, le oui, payer et là hop le marché a capturé euh, un, un service en fait un service quelque chose qui un service qui n'était pas jusqu'à ce moment-là et à ce moment-là, ils rentre dans le PIB, c'est ça qui est bien. Voilà, il rentre dans le PIB, il rentre dans la croissance économique et il devient plus efficace. Il y a cette logique, ah, oui, il y a cette logique ça, ça que, que pas comme ça. Quoi. Donc, ça, alors on est d'accord qu'on parle de doctrine politique. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire non, non, ou que, ok, c'est vraiment une idéologie. Donc, euh, alors, le deuxième pilier important, c'est, euh, qu'est-ce que j'ai dit Donc, euh, libre-échange d'un côté et stabilité des prix. Alors, ça, c'est l'idée de l'inflation. Il ne faut surtout pas d'inflation. Il faut une stabilité des prix parce que l'idée. C'est que les prix sont des espèces d'informations de, qui vont aider les gens à prendre les bonnes décisions. Alors, si les prix se mettent à bouger dans tous les sens, bah, les gens ne peuvent plus se représenter correctement ce qui se passe et donc ils ne peuvent plus prendre de bonnes décisions. Alors, pour que tout fonctionne bien, il faut une stabilité des prix. Alors, là encore, ce n'est pas démontré ou quoi que ce soit, c'est une croyance qu'il faut des prix stables. Et donc, on va avoir des institutions qui vont être dédiées dans un système néolibéral à maintenir cette stabilité des prix coûte que coûte. Ça va notamment être le rôle de la Banque Centrale. On en parlera plus tard. Ensuite, on a deux piliers internes. Les deux piliers internes, c'est le rôle de l'État. Euh, c'est les piliers dont, voilà, qui sont associés au rôle de l'État. Donc le premier, c'est la concurrence. Alors ça peut paraître étrange, mais en vrai, le rôle de l'État, c'est d'assurer la concurrence. C'est de faire en ah, sorte. De sauvegarder la concurrence. C'est ça. De faire en sorte qu'il y ait des règles du jeu qui soient bien claires et qui permettent aux entreprises de se faire la guerre et aussi aux consommateurs de se faire la guerre. Et donc en gros, l'État le, le, est l'arbitre de ce qui doit se passer. Et il doit construire un cadre comme ça qui doit être aussi stable. Il y a aussi une idée très forte de hiérarchie des normes, c'est-à-dire de dire, il y a certaines règles du jeu qui sont plutôt en bas de la hiérarchie des normes, donc potentiellement ces règles du jeu pourront changer au fil du temps, peut-être que la culture fera que. Par contre, il y a des règles beaucoup plus importantes qu'on met au sommet de la pyramide, c'est-à-dire dans la Constitution. Non comme oui. ça, on est sûr que ça ne change pas. Et donc, il y a pas mal de théoriciens néolibéraux qui ont dit ah, ben bah, le libre échange, par exemple, faudra le mettre dans la constitution. Ou alors, euh, l'inflation, la, la lutte contre l'inflation, faudrait le mettre carrément dans la constitution. Comme ça, on est sûr que on, les politiques pourront jamais modifier ça. Plutôt que les droits de l'homme, quoi. En un sens, je... <laughs> voilà. le droit de propriété privée, pas dans la constitution. Au-dessus, voilà, voilà ce genre de choses. Donc, ça, c'est un des piliers. Puis, alors, le deuxième pilier interne, euh, c'est euh, l'ordre social. Alors, l'ordre social, euh, ou aussi la paix sociale, c'est le fait de dire. Euh, en fait, l'idéologie néolibérale, c'est un truc qui, qui est théorisé dans les années 30, au moment où il y a la montée du fascisme et on a déjà euh, la, comment, euh, les bolcheviks euh, en, en Russie. Et donc, du coup. Les libéraux de l'époque, qui deviennent les néolibéraux, se disent en fait le marché, mettre le marché au cœur de l'économie, c'est pas un truc naturel. Visiblement, il peut se passer des choses. Le, les peuples peuvent se révolter et mettre autre chose à la place du marché au centre. Et donc, euh, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait pas de révolution, que les peuples ne se révoltent pas. Et donc, pour faire ça, eh ben, on va on va concéder que ok, il peut y avoir une protection sociale publique. Ok, il peut y avoir euh, euh, L'éducation euh, pour tous, euh, public. Donc il peut y avoir des services comme ça rendus par l'État. C'est juste pour éviter la révolution, quoi. C'est ça. Normalement, c'est le cadre. Voilà, la police, évidemment, faut que ce soit public, la justice, etc. Machin. Donc ça, c'est le, le côté euh, régalien. Mmh. Mais on va accepter d'aller au-delà de ça, justement, pour maintenir cet ordre social. Et l'idée, c'est que si on peut retirer du service public sans que ce soit la révolution, faut le faire. Parce que le marché est toujours mieux. Mais si ça commence à aller mal, alors OK, on remet un peu de service public. Donc ça, c'est vraiment un cadre de pensée. C'est important de comprendre qu'il euh, y a des degrés et il n'y a aucun pays qui, euh, qui organise exactement de, de cette manière-là. Il y a des nuances un peu partout, mais enfin, l'idée générale… C'est l'idéologie euh, dominante quand même du système financier dans lequel on vit. Oui. Voilà, c'est ça. Pas, même, tout n'a pas même... été appliqué d'une manière aussi, euh, aussi nette. stricte et carrée que ça, mais globalement, c'est vers ça qu'on tend quand on, quand on vit dans, 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 dans l'Occident, on va dire. C'est ça. Et donc c'est intéressant de toujours avoir ça en tête pour comprendre pourquoi telle, 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 telle ou telle décision sont prises. Mmh. Voilà. Non, c'est bien, c'est mmh. de... un... Une bonne visibilité des, des grands des grands piliers. J'aime bien cette image quand même de, de du bâtiment construit comme ça solidement sur des, des bons piliers bien solides. <laughs> euh, ouais. Alors il faut voir aussi que cette idéologie néolibérale, je l'ai pas dit, mais euh, donc elle est née dans les années 30, elle est mise en application plutôt dans la fin des années 70, début des années 80. Thatcher, on, on, Reagan, voilà, c'est toujours ça. Thatcher, Reagan, c'est le moment où le néolibéralisme, euh, comment, euh, devient euh, l'idéologie dominante. Et pour fun fact ou anecdote, Milton Friedman, qui est un des penseurs, qui a, il, est, euh, il a écrit d'ailleurs sur euh, sur, un des... sur le temple, ouais, c'est Walter Ruckman, Friedman et Hayek, et donc Friedman avait dit, euh, en fait, le job, euh, notre job à nous économistes, c'est de garder des idées qui sont des idées pas dominantes dans l'air du temps jusqu'au jour où il y a un genre de, de crise. Et à ce moment-là, ah, euh, tu lèves le panneau. Moi, j'ai voilà, la solution. Voilà. Quoi, hein. Moi, j'ai la solution. C'est mon idée qui est la meilleure. Maintenant qu'il y a une crise, venez écouter ce que j'ai à dire. Et tac, on remplace l'idéologie dominante. Donc, c'est un truc qui a été pensé. Et donc, c'est uniquement dans les années fin des années 70-80 que le néolibéralisme devient. Dominante. Et après avoir eu un prix Nobel d'économie, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, ouais, prix Nobel d'économie Friedman. Ouais. Si je ne me trompe pas non plus, d'ailleurs, non, je pense pas que je me trompe. Au pire, le Tchad va nous le dire et, euh, et le Namek euh, nous, le re, nous, nous le dira. Ne t'inquiète pas si on dit des bêtises. Ok. Alors, revenons à notre problème climatique de gaz à effet de serre, parce que voilà. tout, le, le nœud du problème est par là. Voilà un chart qui montre. Alors un ici... graphique. Hein. Ah, pardon, ah pardon je je un parler. graphique. Oui, oui, je as, traduis. T'as raison, t'as raison. As non, mais, as mais, t as t as raison. mais ça fait quelques années que tu vis à Londres, donc c'est normal. C'est très mal. <laughs> euh, D'ailleurs, tu vois, j'ai pris ça sur Our World in Data et c'est en anglais. Donc, c'est les, les émissions annuelles de CO2 dans le monde. Et donc, on voit. L'objectif, c'est d'arriver vers zéro en 2050. Ça te montre l'ampleur de la chose. Il y a un truc que j'ai fait, c'est faire une petite symétrie comme ça pour essayer de se rendre compte de la vitesse à laquelle il faut descendre. Donc on se rend compte que euh, à partir de voilà, ah c'est à partir de 1900 que j'ai fait OK, bon, bah disons que il y, y a un bouquin de Mathieu Ozano qui s'appelle Hors Noir, la grande histoire du pétrole, je recommande énormément, euh, où la, la thèse euh, développée dans le bouquin, c'est de dire en gros, on a, on a utilisé le pétrole parce que c'était la pente de moindre, de moindre résistance. C'était vraiment le truc le plus facile à utiliser. Ça marche super bien, c'est hyper concentré en énergie, c'est super malléable, on peut en faire plein de choses. Et, euh, et donc on l'a développé et utilisé à une vitesse folle. Et c'est ça qui a nourri l'explosion de croissance qu'on a connue au XXe siècle. Et là, le truc, c'est que maintenant, on en est rendu à ne plus devoir utiliser ce fameux pétrole et toutes les autres énergies fossiles. Et il faut arrêter de les utiliser à un rythme encore plus élevé que ce qu'on a fait. Sachant que ce qu'on a fait, c'était le facile. Donc, a priori, on l'a fait le plus vite possible. Et là, il faut aller encore plus vite. Et pour le coup, c'est vraiment difficile. Donc, ça te donne une idée de... de non mais c'est toujours rassurant ce genre de graphes, c'est bah, ça qui est bien. Ouais, de, de l'enjeu, de la difficulté euh, de, du truc. Alors, maintenant, la notion de croissance verte. Donc clairement aujourd'hui, euh, ce que les politiques essayent d'organiser, c'est de la croissance verte. D'accord. Donc c'est l'idée de dire, je veux que mon usine de production continue de produire, je n'abandonne pas le, le, le PIB qui doit augmenter tous les ans. Par contre, je veux réduire les émissions de CO2 d'ici 2050, comme on a montré là. Enfin, les, les émissions de gaz à effet de serre, de manière générale, mais... Donc là, si je prends euh, mon schéma, c'est bien ça que je veux faire. Je veux réduire la colonne euh, carbonée, là, les 143 000 TWh, augmenter à fond les ballons euh, le 25 000 TWh de verre et continuer, faire en sorte que l'usine continue de produire toujours plus tous les ans. Alors, pour faire ça, on a trois gros leviers, d'accord Levier numéro 1, donc développer le verre. Levier numéro 2 et... C'est le seul truc, c'est le seul levier qui s'adresse au climat, c'est réduire la quantité d'énergie fossile brûlée. Et puis, toujours pour la croissance, on peut euh, aller chercher le levier de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, bah, mon usine, je lui donne à manger, je sais pas moi, 100 unités d'énergie pour produire un euro de PIB. Bah, Peut-être que je peux réussir à lui donner que 80 unités d'énergie pour toujours un euro de PIB. Puis 70, puis 60, etc. En bon, sachant qu'évidemment, cette efficacité énergétique, elle peut pas croître à l'infini. Elle peut pas. Voilà, il y a un moment donné, on est au max de ce que la physique nous, nous permet de faire. Donc, euh, bah donc, c'est pas forcément évident. Euh, alors, on peut regarder ce qui, si ça, si ça s'est déjà passé. Alors là, c'est une liste de pays qui ont réussi à faire croître leur PIB par habitant. Donc, c'est la, la richesse produite tous les ans par l'économie divisée par la population. Donc le va là. Ah bah voilà. Alors ça a l'air d'aller bien. Effectivement, on peut regarder le cas du Royaume-Uni notamment, euh, où ils ont fait plus 48% de PIB par habitant entre 1990 et 2018, et pourtant ils ont fait moins 46% euh, d'émissions euh, de CO2. Je crois que c'est que le CO2 là qui est pris en compte. Ce n'est pas tous les gaz à effet de serre, que le CO2. Donc on pourrait se dire, bah, ça a l'air possible. On peut continuer de produire plus tout en émettant moins de gaz à effet de serre. D'accord Alors le truc, c'est que. Euh, on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que euh, faire plus 48% en 28 ans, c'est plus 1,4% de croissance par an. D'accord Ça, c'est la croissance moyenne qu'il y a eu en Angleterre sur, sur cette durée-là. Voilà, exactement. Et euh, pour la diminution des émissions de CO2, c'est moins 2,2% euh, en 28 ans. Alors. Le truc, c'est que déjà, c'est de la croissance par personne. Mais en vrai, euh, si on regarde la population euh, du Royaume-Uni, elle a augmenté de 0,5% euh, par an. Donc, donc si on prenait toute la population, ce serait sûrement pas de moins 2,2%, mais genre euh, 1,5-6%. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Donc, et aussi, ça ne répond pas vraiment à l'enjeu, parce que l'enjeu, si on veut réussir à être à zéro en 2050, il faut faire un truc comme c'est moins 7,5%, moins 8%. Donc c'est 4 fois plus ou 5 fois plus que ce qu'on a réalisé dans ces années-là. Alors sachant voilà. que bon, la conscience écologique, d'ailleurs, ça se voit dans les graphes. Ça démarre plutôt dans les années 2000 que les années 90, mm -hmm. qui sont quasiment stables, avec un PIB augmentant et après ça commence à baisser. J'ai l'impression. Alors que pour même. pour le pour, pour l'Angleterre, l'Angleterre, ouais. Si tu la, la France, c'est un peu aussi, différent. Pour le Danemark, ça a l'air d'être un peu plus un peu plus constant. Mais effectivement, tu pourrais te dire ça, mais il y a donc il y a une grosse, grosse accélération à faire quand même. Hein ah oui. On n'y est pas. Et maintenant, il y a un autre truc aussi, c'est que voilà le graphe mondial. Parce que c'est bien de s'intéresser au pays, mais enfin, ce qu'il nous faut, c'est une, une diminution mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ici, ce qu'on voit sur l'échelle des, des ordonnées, donc vers le haut, on a euh, la quantité de gaz à effet de serre en milliards de tonnes. Donc, euh, ouais, c'est bien en milliards de tonnes. OK, donc on est rendu à pas loin de 50 milliards de tonnes. Euh, on doit y être euh, en 2021. Tous les Parce ans. Ça continue de monter, on est d'accord. Ça continue de monter. Ça a peut-être été réduit à cause de, du Covid. Ouais, ce sera... Je ne sais pas, pas, petit pas allé... à coup. Mais euh... je vais allé jusqu'à 2018 pour, pour les chiffres, je n'ai pas, pas trouvé mieux. Et sinon, sur l'axe des abscisses, on a le PIB mondial, en milliards d'euros. Euh, enfin, milliards d'euros de 2011, donc ça veut dire qu'on a retiré l'inflation. Le... On voit le PIB augmenter, mais ce n'est pas lié à l'inflation. On a retiré l'effet de l'inflation. Et donc, on voit qu'on est rendu à peu près en 2018 un peu plus de 80 000 milliards de dollars de PIB. Euh, 80 000 milliards de dollars, c'est le PIB mondial, c'est l'argent la, généré par le monde en un an euh, C'est ça, c'est le PIB, tu peux le voir comme, euh, alors on, on dit parfois la quantité de richesses créées, on peut dire aussi la quantité de revenus distribués sur l'année 2018 dans le monde. D'accord, 80 000 okay. milliards. Et euh, Donc ça c'est bien, ça monte tout le temps aussi, il y a toujours plus d'argent Il y a toujours plus d'argent, il y a toujours plus de revenus distribués voilà. C'est mmh. pas forcément lié à la quantité de monnaie Oui mais si pas, je suis d'accord, c'est pas la quantité de monnaie mais c'est du pouvoir d'achat distribué dans le monde entier un peu euh, Ouais, ouais, tu peux, tu peux le voir comme ça D'accord, alors, les petites bandes noires que j'ai mises, c'est pour les crises économiques, le moment où il y a des crises économiques. Et alors, le truc à bien noter, c'est que nous, enfin, on voit bien qu'entre 1950 et 1979, ça monte de manière assez verticale. C'est-à-dire en gros, on s'en fout des gaz à effet de serre, on en émet un max, et en fait, le PIB grandit pas trop vite. Et puis, à partir de 1979, donc les années 70, c'est les chocs pétroliers, hein, 73 et 79, on voit qu'il y a un point d'inflexion, ça diminue un peu, il se passe un truc, et la courbe se met à, à grandir plus vite du côté du PIB que des émissions de gaz à effet de serre. C'est le moment où on se dit on va peut-être arrêter de tout faire euh, au fioul, euh, notamment l'électricité. On va essayer de générer ouais, l'électricité. C'est là où un on commence à créer notre parc nucléaire en France, voilà. Euh, voilà. ce genre d'initiative. Électronucléaire, hein, bien sûr. Et donc, euh, bah, le truc, c'est que nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est euh, ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire que euh, quand, quand, quand le PIB augmente, enfin, quand le PIB augmente de plus en plus vite par rapport à la quantité d'énergie, c'est ce qu'on appelle un découplage partiel. Donc c'est l'idée de dire j'ai mis 1 kg de CO2 dans l'atmosphère pour 1 dollar de PIB, puis j'ai mis que 800 g, donc moins toujours pour toujours 1 dollar. dollar de PIB. Puis 600 g pour toujours 1 dollar. Là on est dans du découplage partiel. J'émets toujours plus de CO2 mais J'en ai même <laughs> Tant moins par mo rapport à, ouais. à toujours un dollar, tu vois. Oui, je produis toujours un dollar de PIB, mais ça, ça me coûte un kilo de CO2, puis 800 grammes, puis 600 grammes, donc de moins en moins. Ça me coûte de moins en moins de CO2. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est un découplage total. C'est-à-dire que pour un dollar de PIB en plus, en fait, euh, je me retrouve à émettre moins de CO2, d'accord Donc, et il faut diminuer les émissions de CO2 tout en augmentant la quantité de PIB donc le truc c'est que on le voit sur la courbe ça s'est jamais produit il faut ça a l'air la relativement corrélé en fait c'est à dire que plus on émet de CO2 plus on a de la croissance bah c'est ça en fait Et comme d'où comme... dire je trouve ça surprenant de vouloir découpler, de dire ⁇ Ouais, ça va bien se passer ⁇ bah, Comme ton usine fonctionne à 85% au fossile pour le moment, bah, dès que tu veux accélérer ton usine, bah oui, tu es obligé d'avoir plus de, de fossiles. Oui. Sauf si tu arrives à mettre que du verre pour la nourrir. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Euh, Puisque on a dit que euh, 65% de la puissance installée euh, sur les 4 dernières années, euh, c'était du fossile. Euh, donc euh, il faudrait que ce soit 100% du vert. Donc tu vois, la, la, la courbe, la blanche, c'est ce qu'il faut faire, c'est l'objectif. Donc là, on est sur un objectif de 2% de croissance mondiale tous les ans jusqu'en 2050, ce qui nous amène à autour de 150 000 milliards de dollars euh, de PIB en 2050. On pourra pour... le fêter, hein, parce que c'est un beau palier à passer. Hein. Ouais. <laughs> pour donc quasiment plus. Euh, D'émissions de gaz à effet de serre. Truc qui s'est donc jamais, jamais produit. produit. Voilà, on l'a jamais vu. vu. Pendant les crises euh, pétrolières, même pendant les crises financières, parce que les deux autres crises que l'on voit, il euh, y a la crise de la bulle internet, la crise de 2008, des subprimes, et avant, c'est la crise asiatique. Ouais. Et toutes ces crises-là n'ont eu aucun impact sur les, les, les émissions de gaz à effet de serre. bah Tu vois, en 1970, 19, on a un léger impact sur le PIB mondial, mais ouais. en fait, c'est presque invisible dans le PIB mondial, comme ça ouais. ralentit l'accélération. C'est ça l'idée c'est qu'il faut que ce soit un découplage total et il faut que ce soit dans, dans le long terme. Quoi. Il faut que ça dure longtemps, il faut que ça dure 30 ans. 30 ans de découplage. Nous, ce qu'on a vu, c'est des, des blips, des moments de crise économique où les gens vont pas bien du tout euh, et où on arrive pendant un ou deux ans à, euh, à découpler. Mais un ou deux ans, c'est clairement pas suffisant. Il nous faut 30 ans de ça et à un rythme très, très, très soutenu de euh, 7,5% par an. Et donc rien à voir avec ce qu'on observe, euh, ce, ce qu on observe euh, quand on regarde le Royaume-Uni par exemple, qui fait du moins 1,5% et c'est que le Royaume-Uni. Et ils ne sont pas à 2% de croissance, ils sont à 1,4%. Tu 1, disais qu'il fallait 2% de croissance. Alors, 2% mondiale, de croissance parce en... qu'en en, en général on fait, on fait une moyenne, on sait que les, les pays les plus riches ne vont pas croître à, à 2%, par contre c'est les pays développés qui doivent rattraper et qui... Euh... Alors en voie de développement qui doivent aller chercher les... ça. D'accord. C'est eux qui ont tendance à avoir des croissances plus fortes forcément. Alors, du coup, euh, si on revient sur, euh, sur notre schéma, euh, qu'est-ce que je voulais raconter Ah oui, alors, la, la question c'est donc, du coup, de quoi on a besoin pour réussir ça Alors, on va parler de la taxe carbone, évidemment. Les, économistes, les économistes mentionnent beaucoup cette idée de, de taxe carbone, mais moi, je pense que euh, avant d'en parler, il faut parler du rôle de l'État. Alors, je, je, tu vas voir pourquoi après, mais clairement, moi, je pense. Que, il faut mentionner cette idée de politique industrielle. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une politique industrielle C'est l'État qui dit euh, y, on a besoin de grandes infrastructures euh, pour réaliser cette transition énergétique. Euh, notamment, il va falloir qu'on change nos modes de vie, il va falloir qu'on change nos modes de déplacement, il va falloir qu'on change nos modes de production. Il va falloir Tout ça, ce sont des infrastructures qui sont extrêmement lourdes, très très difficiles à, à, à rendre rentables ou on alors rentable quoi, là, euh, sur un très très long terme. c'est genre euh, je sais pas si on transforme une ville et qu'on la met intégralement en piste cyclable pour il euh, faut refaire toutes les routes, euh, euh, il, ouais, faut, euh, il faut démolir les parkings et euh, il faut que tu développes les services publics il parce faut que faire tout des monde trains peut pas prendre le vélo, il faut que tu fasses du train partout, il faut que tu euh... Donc ça c'est des investissements sur du très long terme et extrêmement coûteux. Voilà, et, et surtout en énergie aussi. Alors, et tu vas é... émettre du carbone peut-être en les posant, tu vois. C'est ça, c'est ça en fait le truc, c'est que tu, tu vas émettre du carbone en les posant, mais quelque sur part c'est un, un investissement sur voilà, c'est un investissement sur tes émissions totales de carbone, et donc tu as, as besoin de grandes politiques industrielles comme ça parce qu'en fait tu vas attirer les entreprises privées derrière toi, c'est-à-dire que euh, si tu dis aux entreprises privées, bah allez-y, faites des vélos, faites des vélos, euh, ou faites des locomotives, euh, les entreprises vont te dire, bah ouais, mais faire des locomotives, euh, ouais, c'est déjà plein. Enfin, je sais pas, le réseau, il est déjà bien, euh, bien irrigué avec des locomotives. Puis les vélos, euh, ça se vend pas mal, mais enfin, il n'y a pas énormément d'infrastructures. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, l'État dit, vous savez quoi, dans les 30 prochaines années, euh, moi, je veux multiplier le nombre de vélos en utilisation par, je ne sais pas, un facteur combien. Et donc, je vais investir à mort. Pour développer ces infrastructures. Et donc derrière, vous les entreprises, si vous voulez gagner des sous, bah, vendez des vélos. Le parce marché aura, sera là-bas, il voilà, y en aura plein. Et pareil pour euh, les voies de chemin de fer, par exemple, de dire, bah, je vais développer mes voies de chemin de fer. Donc, euh, allez-y, faites-moi des, faites des, trains, quoi. Je vais en avoir besoin. Euh, quand on a une initiative claire comme ça de de l'État, bah, c'est sûr que les entreprises se rallient derrière parce que il bah, y, y aura de l'argent à se faire, quoi. Donc ça, as besoin de ça. C'est un peu l'idée de te dire, t'imagines un, un, un champ de hautes herbes. Et en fait, c'est l'État qui commence à marcher vers une certaine direction et les entreprises qui vont suivre derrière. Ils euh, tracent la route, quoi. Voilà. L'État trace la Ouvre route. Ouvre le les chemin. Entreprises suivent derrière. Donc l'idée, c'est pas de planifier non plus complètement l'économie, parce que c'est très, très difficile à faire. C'est pas forcément ce qu'on veut faire, ni ce qui serait le plus efficace. Mais par contre, c'est clairement de montrer un chemin. Un peu comme euh, bah, le moment où on développe les centrales nucléaires en France et on dit, bah... Il ouais, bon, y a, y a on un, un partir, gros problème. On ne on... va pas attendre que ce soit le marché qui nous construise des centrales nucléaires, parce que de toute façon, c'est des investissements absolument énormes. A, on ne sait même pas privé. si c'est rentable ou pas. Ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie, ça c'est sûr. Bon, C'était euh, à l'époque vendu comme de l'autonomie. Euh... Euh, énergétique de la France euh, et mo moindre dépendance à d'autres pays, en fait, parce que nous ne produisons pas beaucoup de pétrole sur notre terre, sur notre idée. territoire. Donc, euh, effectivement, c'était toute l'idée du parc électronucléaire français, c'était pas du tout à la base pour décarboner l'économie. Non, 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 on non, l'a ouais. fait pour une indépendance énergétique. Il s'avère que l'effet secondaire était que c'était une, une, une énergie assez enfin, décarboné à l'origine, on a eu de la chance, entre guillemets, ce n'est pas la volonté politique d'origine. Non, 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 effectivement, ça a Mais c'est ce genre d'échelle, on se rend compte du problème qu'est notre parc nucléaire, si tu veux, en termes de, 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 de défis industriels, de ce qu'il a fallu mettre en place à l'époque pour réussir ce, 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 cette transformation énergétique de, de la France. C'est à la fois un bon exemple parce qu'on a réussi. En 10 à 20 ans, je crois qu'on construisait énormément de centrales. Je crois que c'est plus d'une centrale par an à un moment qui, quand même, devait popper de, de, de terre instantanément. Donc, il y a eu quand même... On est un des rares pays, peut-être, à avoir fait une transition énergétique avant même d'avoir besoin d'avoir fait une transition énergétique pas complète. Au du moins, sur la production électrique, on a exécuté ce genre de, 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 de retournement de situation alors que quasiment personne nous a suivis dans cette voie-là. Ouais ouais. Alors, je ne suis pas du tout expert de cette période, mais... Je te crois. D'accord, <laughs> je ne sais pas. Mais euh, ouais, ouais sûrement, il y a un autre truc qu'on peut citer, c'est... Mais l'investissement ma était ma massif, un hein. mauvais souvenir. C'est les histoires de, de, de guerre, quoi. À un moment donné, euh, l'État arrive et il dit, euh, je ne vais pas attendre que ce soit le marché qui me fabrique des chars d'assaut ou des je ne sais pas quoi, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Donc c'est si pas... il dit, quoi. on va faire la guerre et qu'il me faut des armes, il y a des industriels derrière pour les fabriquer. Mais voilà. Ça, c'est jamais le souci, quoi. Euh, c'est pas, pas ce qui est, est souhaitable, un... hein, mais euh... c'est important d'avoir... Euh, un... En fait, tu as, 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 as besoin de tout le monde. Euh, T'as besoin que tout le monde s'y mette. Et clairement, l'État a une force de frappe énorme. Euh, et ce, ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Oui. Il faut, il faut... C'est un pouvoir fort. quoi. Alors, par contre, le problème qu'on a, c'est que qu'on l'a dit dans l'idéologie euh, néolibérale on veut que l'État organise le marché, fixe les règles, mais on ne veut pas qu'il intervienne dans le marché. Et il est neutre. voilà. Or, dans le marché, qu'est-ce qu'on a On a, a l'offre et la demande. On a la production. Et la consommation. On ne veut pas d'un État consommateur et on ne veut pas non plus d'un État euh, producteur. Tu vois. On va la faire revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé <laughs> Ça s'est cassé. Elle s'est mise en veille parce qu'elle ne nous aime pas. Ouais, mais je ne sais pas où la commence, est la télécommande, c'est pas grave. On va, on va la ramener tout à l'heure, c'est pas grave. Vas-y, continue, je, je m'en occupe. Euh, alors, qu'est-ce que. Je... Oui, alors donc, politique industrielle. Deuxième truc. Euh, c'est des contraintes. Alors là, l'idée, c'est pas terrible de dire ça, mais pour garder cette image de, du champ de hautes herbes, euh, avec euh, l'État qui va tracer le chemin, le rôle de l'État, c'est aussi probablement de euh, mettre des barrières à certains endroits euh, pour que les entreprises n'y aillent pas. Voilà, donc c'est à la fois montrer le chemin pour que les entreprises accompagnent derrière, et aussi euh, mettre des barrières à certains endroits, mettre des contraintes à certains endroits pour que le marché n'y aille pas. Tout va bien, c'est bon, c'est revenu. Tout va bien, bien, bien. C'est revenu, ok. Euh, donc, du coup, maintenant que j'ai mentionné ces deux points-là, d'ailleurs, on va, faire, on va faire un peu de pub, c'est pas grave. Ah oui, on a fait un peu de pub. <laughs> la marque de on essaie de cacher Vous les marques. Vu. Personne, personne, personne ne l'a vu. <laughs> personne vu. Euh, ensuite, le, le truc d'après, c'est, et ça, les économistes n'arrêtent pas de parler de ça, c'est de mettre un prix au CO2. Donc, c'est l'idée d'une taxe carbone ou de quotas euh, carbone. Donc, nous en Europe, on a déjà un système de quotas. Euh, alors, c'est toujours l'œuf ou la poule en fait. Hein. Soit tu mets un prix du carbone, et ça va déterminer les quantités. L'idée, c'est que si tu mets un prix très élevé du carbone, les entreprises vont se détourner des moyens de production carbonés. Euh, une autre façon, c'est de fixer des quantités euh, de carbone maximales qu'on peut émettre. Et du coup, les entreprises, tu donnes des quotas carbone, tu donnes des quantités de carbone, des, des droits à polluer. Et ensuite, les entreprises vont s'acheter et vendre des droits à polluer entre elles. Ça, c'est ce qui existe actuellement. C'est ce qui existe actuellement. Donc, en gros, le, le prix du carbone découle euh, des quantités que tu as distribuées, des quotas que tu as distribués. D'accord Tu crées un marché. Euh, alors que. Euh, c'est mais... pour euh, stimuler un, un marché qui n'existerait pas sans ça. Oui, c'est ça, ouais. As pas, y... En fait, pour qu'un marché existe, il faut qu'il y ait des, un prix ou des quantités. Sauf que des quantités de carbone limité, tu vois, il te faut, il te faut un truc limité. Mmh. Euh, sauf que euh, comment tu limites la, tu vois, les, la, 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 la quantité de carbone à émettre Donc tu, tu le fixes légalement, tu dis, bah voilà, je, je distribue des droits à polluer à toutes les entreprises, celles qui polluent pas beaucoup, bah, elles auront trop de droits à polluer, donc elles vont les vendre, à celles qui polluent plus. Et comme ça, tu vas fabriquer un prix du carbone. Nous, okay. nous c'est ce qu'on fait. Et euh, une autre façon de faire, c'est de mettre une, une taxe, de mettre un prix sur le carbone directement. Et là, du coup, à chaque fois qu'une entreprise euh, pollue, et ben, on compte la quantité de CO2 émis et hop, il faut payer une taxe en rapport avec ça. Euh, alors, cette solution-là, qui est la solution préférée des économistes, parce que pour les économistes, un marché, ça s'équilibre tout seul, euh, tout ça, c est, c est, tout marche très bien sans qu'on ait pas grand-chose à faire. Il euh, y, a, y a quand même des, des problèmes dans l'établissement d'une taxe carbone. Alors. Les inconvénients d'une taxe carbone, c'est que la première chose, c'est que ça fonctionne pas sans une politique industrielle. Donc là, l'idée, c'est de se rappeler des gilets jaunes et de se dire, bah, en fait, on a essayé de mettre une taxe carbone, enfin, en tout cas, de l'augmenter, et ça a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Alors pourquoi ça déclenche le mouvement des gilets jaunes Même si évidemment, le mouvement est plus large après et que c'est pas uniquement oui. le prix de l'essence. C'est presque le symbole. Voilà, c'est probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais donc le vase était plein d'autres choses avant. Euh, c'est euh, bah, quelque part, ok, j'augmente le prix, mais derrière, je dois proposer des solutions. Tout va bien. C'est-à-dire que le, le, problème du, le, le, le problème ici de la taxe carbone, c'est qu'on a des gens qui sont complètement dépendants de leur véhicule, leur véhicule qui consomme bah, de l'essence, et on ne leur donne pas d'alternative, en fait. Et l'idée, c'est que normalement, le marché va leur donner des alternatives plus tard, le temps que... Mais ça ne fonctionne pas. On, on... Les, les gens, ils n'ont pas le temps qu'on... On leur donne des alternatives plus tard. Il leur faut des alternatives maintenant. Oui, ils doivent aller travailler. D'accord Donc, dans, dans une théorie économique... On Change les prix et pouf, comme ça la production s'ajuste, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça met ça des années pas à s'ajuster. Ça, trois, ça, voilà. trois semaines, ouais. c est, c est... donc l'idée c'est que avant de monter les prix et de mettre une taxe carbone, il faut que l'état ait prévu le coût à l'avance. Et c'est là où le marché peut pas le faire et où l'état peut le faire c'est prévoir le coût à l'avance, développer les infrastructures en même temps pour dire bah oui, le prix de l'essence augmente d'un côté, mais regardez, vous avez d'autres moyens maintenant qui sont pratiques. Et, et On vous qui a mis sont... plus de trains, plus voilà. de vélos, plus de pistes cyclables, plus de tout ça et grâce à tout ça vous allez dû normalement vous avez l'infrastructure nécessaire pour abandonner votre voiture thermique ou du moins moins l'utiliser ouais. et donc le prix du pétrole augmente mais vu que vous utilisez moins votre voiture on s'y retrouve et vous avez quand même euh, les activités qui sont liées à votre euh, à votre vie de tous les jours qui sont assurées quoi voilà et euh... il faut faire ça dans cet ordre là il faut d'abord offrir le service avant de le supprimer à un autre quoi tu veux ouais, avoir ça. la solution de remplacement avant de supprimer le, 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 le moteur du système quoi bah ouais c'est ça alors le, le, en plus, enfin bon, moi, ouais, je vais pas rentrer trop dans le détail. On va pas réussir à avancer. vas-y, vas-y. L'autre truc, c'est, euh, alors, le schéma que j'ai là, euh, c'est l'idée de se dire, en fait, si je monte le prix euh, du CO2 ou le prix des gaz à effet de serre, je vais faire monter le prix du pétrole. Alors, ça, c'est un truc euh, qui, en gros, le pétrole, c'est le centre de l'économie. On est dans un monde qui est mondialisé et euh, on se rend compte que euh, tes chaînes logistiques qui sont très longues elles peuvent pas fonctionner sans des moyens de transport or aujourd'hui tous les moyens de transport ça fonctionne carboné. au pétrole ouais. si tu montes le prix du pétrole et c'est en fait c'est ce qui s'est passé aussi bah, pendant le, le choc pétrolier même si pendant le choc pétrolier on n'avait pas que le transport qui marchait au pétrole on avait aussi la génération euh, une partie de la génération d'électricité mais du coup quand tu te retrouves avec un, un truc essentiel au fonctionnement de ton usine qui prend de la valeur bah du coup tu déclenches une espèce de, de, de vague d'instabilité dans tout le reste de ton économie. Donc là l'idée c'est de dire, imagine tu es une entreprise et tu vois ton coût de la logistique augmenter parce qu'il y a une taxe carbone et que bah, malheureusement tu n'as pas le choix que d'utiliser des transports qui fonctionnent au carbone, et ben bah, tu as plusieurs options. Soit tu te dis ok, mes coûts augmentent, mais je ne vais pas monter mon prix de vente parce que sinon je risque de perdre des consommateurs. Donc du coup je vais resserrer les marges. Okay mais si je resserre les marges, les actionnaires ne sont pas contents et potentiellement ils arrêtent d'investir. Or, l'investissement, c'est une partie de la demande d'accord dans ton économie. Donc, ça provoque un ralentissement économique. Tu as moins de demandes, et donc, du coup, si tu as moins de demandes, il y a, y, a, y a moins de demandes pour faire tourner l'usine. Donc, tu, tu provoques un ralentissement économique. Un autre truc que tu peux faire, c'est tu peux te peux dire, OK, j'ai mes coûts qui augmentent, donc j'ai mes coûts qui augmentent du côté de, du pétrole, donc il faut que je les réduise ailleurs pour maintenir mes marges, et aussi maintenir mes prix. Je ne veux pas monter mes prix. Bon, alors si je fais ça, bah, je coupe dans les salaires. Je vais baisser les salaires, donc baisse du pouvoir d'achat. Mais si j'ai une baisse du pouvoir d'achat, j'ai aussi une baisse de la demande. Les gens vont aller moins consommer si tu leur donnes moins de salaire. Donc du coup, encore une fois, tu te retrouves avec un ralentissement de ton usine. L'usine, elle peut produire 100, mais les gens ils ne peuvent pas. acheter que 90. Donc ils achètent 90 et tu en as 10 de trop et ça se vend pas, c'est tout. Donc tu es obligé de ralentir ton, ton, ta machine économique. Et l'autre truc, c'est Ok, bah, j'ai mes coûts qui augmentent, je ne bouge pas mes salaires, je ne veux pas toucher à mes marges, donc je monte mes prix. Et là, c'est de l'inflation. D'accord Alors, tout ça, euh, on l'a dit, avec euh, les marges et le pouvoir d'achat, ça peut provoquer une baisse de l'investissement, de la consommation. Mais aussi, s'il y a de l'inflation, et en fait, c'est probable que tu es un, un peu un mélange des, des trois. Quoi, hein. oui, oui, bien sûr. Quant à de l'inflation, euh, là, aujourd'hui, on a des banques centrales qui sont des institutions à qui on a dit, surtout, surtout, les gars, dès qu'il y a de l'inflation, euh, c'est le, le mal absolu. Et donc, tout ce que, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le frein de l'économie pour la ralentir. Parce que l'idée, c'est que il n'y a de l'inflation que quand l'économie accélère. Et que quand elle ralentit, il ne peut pas y avoir d'inflation. Sauf que là, si tu montes le prix du pétrole, tu peux te retrouver dans une situation où l'économie ralentit et, et fait, a de l fait de l'inflation. Et donc et là, c'est banques... pas anticipé, on va dire. C'est un, un truc qui s'est passé dans les années 70 déjà, mais que la théorie néolibérale était supposée résoudre. C'est un problème que la théorie néolibérale était supposée résoudre. Parce que, en fait, personne n'avait vu que ça pouvait être dû à la hausse du prix du pétrole. C'était pas était interprété quoi, de cette manière-là. C'était quoi C'était un problème politique. Comment tu Alors as... l'idée de l'époque, c'était de dire en fait, pendant toute la période de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusque ouais, dans les années 70, euh, on était en mode keynésianisme, donc état providence. L'idée, c'était de dire bah il y a un peu de privé dans l'économie, mais il y a aussi un peu de public. Donc l'État euh, il peut faire accélérer l'économie par la dépense publique. Donc l'État investit, l'État politique industriel, ce genre de trucs, c'était déjà le cas dans les années. Euh, bah c'est ça, c'est les 30 glorieuses, en fait. Tout toute fait. la période de reconstruction après-guerre. Après, -guerre. après la, la Seconde Guerre mondiale, oui. Et donc, euh, y a, il en était ressorti, alors c'est un peu compliqué, je rentre pas dans tous les trucs, mais il en était ressorti qu'en gros, on pouvait manipuler l'économie par le, par le déficit public euh, on, et, et, et en fait par l'inflation. Donc euh, l'idée, c'était de dire, on augmente le déficit public, ça augmente les prix, d'accord Donc ça provoque de l'inflation, mais ça diminue le chômage. Et inversement, quand on se retrouve à avoir beaucoup, beaucoup trop d'inflation, on limite le déficit public. Du coup l'inflation réduit mais par contre le chômage réaugmente un peu. D'accord Donc c'était toujours un équilibre chômage euh... et inflation bougent dans les dans des sens opposés. D'accord. Et à partir des années 70, on se rend compte que chômage y a de l'inflation donc plus d'inflation. Non, il y, y a de l'inflation et il y a du chômage en plus. Ah oui, il y a les deux en même temps. Voilà, il y a deux en même temps. Ah. Et donc là tout le monde dit ah bah regardez l'état providence, le keynésianisme, ça fonctionne plus, il nous faut un autre une autre vision de ce qui se passe. Et là hop, le néolibéralisme arrive qui était tout près. Qui était tout près et qui dit Ah, mais en fait, c'est des effets de long terme. En vrai, vous n'avez jamais, manipu... vous avez... vous jamais pu manipuler le chômage par la dépense publique parce qu'il existe un taux de chômage naturel autour duquel l'économie retourne toujours. Et donc là, ce que vous observez, c'est Ok, vous avez eu 20, 25 ans de réussite, mais ça y est, on est rendu dans le long terme. Et maintenant, vous ne pouvez plus manipuler comme ça le, le chômage par la dépense publique. Donc, il faut, venir, il faut faire le néolibéralisme, c'est-à-dire minimiser l'inflation quoi qu'il arrive voilà et euh, donc là on pourrait se retrouver de nouveau dans cette, dans cette euh, comment dans cette situation là où on a une crise économique et de l'inflation en même temps et comme on a des banques centrales à qui on a dit surtout surtout vous combattez l'inflation c'est ça votre job bah, et que comment elles font ça en mettant un gros coup de frein dans l'économie donc par la hausse des taux d'intérêt notamment eh ben, on pourrait se retrouver dans une situation où, avec le ralentissement économique causé par ça, on pourrait avoir les banques centrales qui disent Ok, je monte les taux d'intérêt. Donc je ralentis encore plus l'économie. Donc je provoque une crise encore euh, pire. Oui, Et le problème là-dedans, crise économique dit moins de production de l'usine moins de production de l'usine dit moins de production de Là, il y a le cercle, le moins, le cercle de vicieux de. de... Non, ce n'est pas forcément ça. Ah, tiens, ça a encore. Oui, parce qu'en fait, elle n'aime pas quand on sur des images fixes. C'est Moins, moins de production de l'usine veut dire euh, euh, comment euh, ralentissement des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ça dans le, pour le climat, ça va dans le sens euh, escompté. Mais le problème, c'est que c'est un ralentissement absolument pas contrôlé. Donc si c'est pas contrôlé, euh, tu te retrouves avec en fait le, le problème d'une crise, c'est qu'elle n'est pas homogène. Si tu perds 10% du PIB, c'est pas tout le monde qui perd 10% de son revenu. C'est il y en a qui gardent leur job et il y en a qui le perdent complètement. Ouais, Donc il y en a qui gardent leur revenu, il y en a d'autres qui n'en ont plus du tout. Et c'est ça le problème d'une crise. Tu contrôles pas ce qui, ce qui t'arrive, et c'est pas du tout homogène partout. Donc c'est probablement, donc cette histoire de taxe carbone pourrait en fait, par l'augmentation des prix du pétrole et parce que on est dépendant du pétrole, euh, provoquer un ralentissement économique, pas contrôlé. C'est ça en fait depuis le début, on va dire qu'on essaye d'éviter, c'est de bah contrôler ça. le dérapage. C'est pour ça que derrière ton idée de politique industrielle, ton idée de mettre des règlements, etc., pour essayer d'orienter au mieux l'économie, c'est important. Tu peux pas laisser juste le marché. Euh, aux commandes parce que euh, c'est trop sérieux là quelque part <laughs> le, marché, le marché aux commandes euh, c'est pas un truc d'ingénieur le marché aux commandes c'est un truc de politologue c'est un truc d'idéologue d'accord c'est un truc de presque de philosophe quoi mais dans la réalité vraie le marché aux commandes quand l'économie ralentit c'est le bordel c'est pas du tout homogène c'est euh, on contrôle rien donc euh, je reviens sur mon schéma l'autre euh, problème que tu vas avoir, c'est euh, alors, il y a un truc dans la théorie économique, c'est que, enfin, dans, dans la théorie financière, c'est que, euh, tu vois, le pétrole, par exemple, et toutes les matières premières sont échangées sur les marchés financiers. Et une idée des, des, des idéologues du marché, donc des néolibéraux, c'est de dire, en fait, le marché, c'est génial parce que ça permet aux gens de faire des projets sur le long terme. Ça permet de générer des prix qui sont des prix justes. Alors, tout le monde a ce qu'il mérite. Et donc, tout ça, c'est théorisé. Oui, oui, oui. Et aussi. Parce qu'il n'y a pas d'inflation et que tout est stable, les gens peuvent faire des projets comme ça sur le long terme et, euh, et c'est super efficace et super bien. Et alors pour faire des projets sur le long terme, il faut avoir une idée de là où les prix vont. Tu vois alors le prix du pain, on peut se dire, bah, l'inflation est maîtrisée, alors c'est stable. Mais par exemple le prix du pétrole, qui est une, une énergie dont on va manquer, tu il y en aura de moins en moins, on peut se dire, bah, le prix va monter tu vois, au fil du temps. Et donc si moi je suis responsable d'une entreprise qui euh, récupère son énergie sous forme de pétrole eh ben je vais me dire ah bah attention il faut que je me projette dans l'avenir je vois bien que du pétrole on va en manquer le prix est en train de monter donc je me dis que dans 30 ans le prix du pétrole aura peut-être fait x deux tu vois je prolonge les cours mmh. je prolonge les tendances et du coup comme ça je me projette et je me dis bah ouais, il faut que j'investisse dans autre chose tu vois il faut que je fasse la transition il faut que j'investisse dans le verre un machin un truc sauf qu'en vrai on n'observe pas ça. La meilleure théorie financière qui décrit les marchés, c'est une théorie qui dit on ne peut pas prolonger les tendances. Il n'existe pas de tendance. Tous les prix sont aléatoires, tout le temps. Et du coup, le, le, le fait de mettre une taxe carbone, si tu commences à dire aux financiers, euh, OK, je vais mettre une taxe carbone et elle va monter de 10% tous les ans, les financiers, le, le prix du pétrole risque de grimper de ouf. Parce qu'en fait... Si on sait que le prix du pétrole sera à 150 dans trois ans, alors dans ce cas, le mec qui te vend le baril de pétrole aujourd'hui à 50 dollars, il est débile. Tu vois ah, Il faut qu'il l'attende. Bah, il le garde. Non, en fait, il va le vendre tout de suite 150. Bah, c'est ça. Il va le vendre tout de suite 150 pour pas perdre d'argent. Et donc, du coup, ton prix du pétrole, il va pas gentiment grimper comme ça pour suivre ta taxe carbone. Les financiers vont tout de suite pas faire sauter Ils le prix. Ils vont anticiper, en fait. Et voilà. Et, et donc, du coup, c'est l'idée de dire que… Si on est tout, sûr que ça arrive, va prix, autant dire que ça arrive. C'est ça. Il n'y a pas de pigeons sur les marchés. Tout le monde est smart. Donc, si on euh. sait que ça va monter à 50, personne ne va te le vendre à moins que ce prix-là. Sinon, ce serait sinon c'est qu'il y a des pigeons partout. Or, sur les marchés financiers, c'est des professionnels qui regardent tout. Et donc, non, ils vont pas se faire avoir. Donc, tu ne vas jamais avoir une hausse comme ça, graduelle d'un prix, avec euh, petit à petit un mouvement comme ça. Non, ça va être brusque. Si tu laisses les marchés faire, ça va être brusque, toujours. Très, très brusque et violent. Et, et, et donc... Ça, 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 ça dit encore que on a besoin de l'État qui fasse du petit à petit, qui fasse du, euh, tu vois, et pas du brusque comme ça. Quand tes prix passent du jour au lendemain de 50 à 150 dollars le, le baril, bah c'est juste tes, usines, tes, tes entreprises qui du jour au lendemain font je bah, je peux plus rien faire en fait. OK, c'est hmm. off." <laughs> je fais si je faillite, travaille, je perds de l'argent. Salut, quoi. Donc j'arrête. Voilà. Donc c'est. Tu vois, tu as besoin d'une certaine donc, forme gros de... gros ralentissement économique et ainsi de suite. Tu as besoin que ce soit un minimum graduel pour que ce soit possible. Quoi. Tu ne peux pas faire des transformations comme ça, physiques, d'infrastructures, du jour au lendemain. Et donc, tu as besoin des prix qui évoluent lentement. Mais, mais avec les marchés, tu ne peux pas avoir ça. Donc, bref, euh, j'espère que c'est suffisamment clair. Sinon, j'ai toute une série de vidéos sur le pétrole. Vous irez à, voir, voilà, vous vous irez irez voir chaîne. la chaîne de RECA si jamais vous n'avez euh, pas. Ok, le dernier truc dont on a besoin, c'est de financement. Donc, j'ai dit, hein, c'est euh, politique industrielle, contraintes euh, réglementaires fortes. Ok, probablement. Alors, l'histoire de la taxe carbone, il euh, faut faire gaffe à tout ce qui est coté sur les marchés financiers. Voilà, les prix ne vont pas évoluer gentiment. Et euh, financement. Alors. Financement, euh, c'est là où on a des choses un petit peu. Euh, comment on fait pour financer les infrastructures, financer peut-être les dépenses publiques si on fait des politiques industrielles, euh, financer même les besoins des entreprises pour qu'elles transitent, qu'elles transforment leurs infrastructures, etc. Comment on fait ça Alors là, il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, la première chose à dire, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Il faut bien comprendre que le, le système monétaire, c'est un truc que nous avons inventé. La monnaie, c'est une convention sociale. Euh, les règles comptables, c'est nous qu'on les a inventées. Et puis, si qu'on veut les changer, on peut les changer. Enfin, tu vois, tout ça, c'est malléable, transformable. Il y a une espèce de plomberie financière qu'on peut transformer un peu à l'infini. Donc, il y a une infinité de solutions. Mais dans les trucs qui sont discutés à l'heure actuelle, la première chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Alors, la taxonomie verte, qui va arriver normalement en 2023. Euh, comment en Europe, la taxonomie verte, c'est je fais la liste de toutes les activités économiques que je considère comme vertes, bas carbone, qui vont dans le sens de la transition écologique. Euh, voilà, et je, je fais la liste comme ça. Euh, les entreprises peuvent dire et vont être obligées de dire, et eh ben moi j'ai X de mon chiffre d'affaires qui correspond euh, aux activités listées dans la taxonomie. Et le reste, non. Et comme ça, ça, de, ça devrait permettre d'orienter les flux financiers. Tu vois, Les financiers, ils vont pouvoir dire, bah moi, j'ai un fonds d'investissement vert. J'investis que dans des entreprises qui sont alignées plus ou moins à plus de, je ne sais pas quoi, x% sur la taxonomie verte. Donc ça, c'est bien parce que ça emmène les flux financiers vers le développement des convertisseurs énergétiques qui sont verts. Mais le problème, c'est que ça ne décarbone pas l'économie parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est foutre à la casse. Et ça n'enlève pas ce qui existe déjà. Voilà. Ça, ça. pousse ce qui n'existe pas. Ça pousse ce qui n'existe pas, mais ça enlève pas ce qui existe déjà, et surtout ça empêche pas la construction de nouveaux convertisseurs ah oui, tu fossiles. Ça. Tu vois, oui, il, faut, oui, oui. il faudrait enlever. C'est une incitation, mais ça veut pas dire que tu peux voilà. pas faire autrement si tu n'as pas envie de, de passer ça. par ce mode-là, quoi. C'est ça. Et donc là, pour pour avoir cette incitation à ne pas ajouter des convertisseurs fossiles, il te faudrait aussi la liste de ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire la liste de, euh, de toutes les activités qu'on ne veut pas financer. On n'en veut pas plus parce qu'on en veut moins. Et donc ça, malheureusement, cette liste, on l'a pas. Ce serait la taxonomie carbonée, mais pour l'instant, elle n'est pas euh, commandée. Donc ça te montre aussi, hmm. le, tu vois, l'idéologie encore une fois, c'est, c'est plus la croissance. Oui, parce qu'on n'a pas créé la décroissance à travers la, les, les, la taxe sur les, les, enfin, ou empêcher le financement des, des industries carbonées. Voilà, c'est ça. Qui serait décroissant, en fait. Qui serait organisé la décroissance de, de secteurs. Voilà, c'est ça. Et ouais. ça. C'est non pour bah Ça, c'est non parce que tu vois, ça dépend. Ça, ça on ne peut pas dire, emplois, désolé, vous n'allez un... pas investir. Ça, vous allez, je sais pas, je prends ouais. un cas un peu théorique. Je suis un investisseur et j'ai envie de fabriquer une magnifique centrale à charbon. Je pourrais aller sur le, le, le marché financier, voir ma banque et me dire, non, désolé, je ne peux pas. À aucun moment, vous n'aurez l'occasion d'avoir du financement pour fabriquer votre voilà. usine. Ce serait ça lié. Se Par contre, que... ça, on peut le faire encore. C'est juste que ce, mon taux d'intérêt, je pense, serait plus élevé que si je me dis, je vais faire un parc d'éoliennes. Non, pas forcément. Mais... Pas forcément. Non, pas forcément, parce que ça dépendrait de ton, ton risque financier. La boîte dirait, ok, euh, est-ce que quelqu'un va vous acheter votre énergie produite par le charbon Oui, bon, bah, du coup, c'est rentable, je vous prête à pas beaucoup, pas de problème. Mais le, là, là, en l'occurrence, pour le charbon, c'est un petit peu difficile, parce que tout le monde a bien identifié que le charbon, c'était caca, et que euh, en fait, on pouvait faire avec ah. du gaz et tout. Et donc, du coup, les, les banques sont en train d'en sortir, de dire que, ok, le charbon, vraiment, il finance moins. Donc là, là-dessus, a priori, au moins en Europe... Euh, ça va plutôt dans le bon sens. D'accord. Mais, euh, Central à gaz, vas-y. Hein, voilà, le, le gaz, c'est limite vert. Quoi, donc, euh... <laughs> Alors. Ouais. Du coup. Euh, Je ne sais pas que Rodolphe euh, t'entende euh, quand tu dis ça. Ouais, mais donc, pour les financiers, tu vois, il euh, y a eu un débat est-ce qu'on met le gaz ou pas dans la taxonomie verte Je crois qu'il n'y est pas. Mais. Euh... Bref. Donc, du coup, sinon, on a aussi euh, les, les autres trucs qu'on peut faire, c'est euh, agir au, au niveau des banques. Alors, là, l'idée, euh, ça, c'est un truc qui est proposé par une ONG qui s'appelle Finance Watch, euh, qui est de dire on pourrait augmenter les ratios de solvabilité des banques euh, sur certains ce types d'entreprises. De de on va banque. essayer de faire simple c'est dans mes dernières vidéos, mais je vais essayer de faire simple. En gros, les banques, elles gagnent de l'argent via un, un, un mécanisme qui s'appelle l'effet de levier. Alors, l'idée de l'effet de levier, c'est plus j'ai de l'effet de levier, plus je peux utiliser la création monétaire euh, pour, pour, prêter à des, pour prêter à des entreprises ou à des gens. J'ai Mais c'est l'histoire de. la faut qu'elle ait des fonds propres pour créer de l'argent. C'est ça. Je n'ai pas besoin de demander trop de sous à mes actionnaires. En fait, je fais tout avec ma planche à billets. Parce que les banques ont des planches à billets, les banques privées ont des planches à billets. Ce n'est pas que la banque centrale. Et donc du coup, euh, quand j'ai un grand effet de levier, j'utilise beaucoup, beaucoup ma planche à billets et pas beaucoup l'argent de mes actionnaires. Et du coup, comme ça, en fait, j'augmente la, la, la rentabilité. Parce que je touche 3% de 100 euros. Mais en fait, sur les 100 euros, les actionnaires, ils n'ont donné que 1 euro. Donc 3% de 100 euros, je touche 3, les actionnaires ont donné 1. Il me reste 2, c'est trop cool. Non mais tu, tu touches 3 alors que tu as donné 1, ça te fait un super rendement, t as t 3 fois, tu récupères trois fois la mise. Donc c'est énorme. Donc ça, ça c'est l'effet de levier. Et l'idée c'est de dire, aujourd'hui on a des, des réglementations qui disent bah, les banques doivent avoir un certain effet de levier. Si on regarde la totalité des financements effectués, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Dans les, pour les différentes entreprises, parfois beaucoup d'effets de levier, parfois pas beaucoup, elles font comme elles veulent, mais au global, en moyenne, il faut qu'il y ait un certain niveau d'effet de levier, parce que plus l'effet de levier est grand, plus c'est cool quand ça marche, mais plus ça fait mal quand ça marche pas. Et là, tu te retrouves avec des banques qui font faillite si jamais il y a un peu des remous dans les marchés financiers. Hashtag Lehman Brothers, hashtag 2008, crise des subprimes, tout ça. Donc maintenant, on a des, des réglementations où on dit, bon, les banques, votre effet de levier, c'est cool, vous gagnez de l'argent quand ça va mal, mais quand ça va bien, mais quand ça ne va pas, c'est les gouvernements qui viennent vous sauver. Alors maintenant, vous allez nous mettre un effet de levier pas trop gros, et voilà, mais en moyenne. Bah là, l'idée, c'est de dire, en fait, non, euh, on va aller regarder dans le détail. Si vous financez des entreprises vertes, on vous laisse l'effet de levier normal actuel. Par contre, si vous commencez à financer des entreprises carbonées, alors là, on vous diminue votre effet de levier, donc on vous diminue votre levier de rentabilité, si bien que à ce moment-là, ça devient plus rentable de prêter euh, à des entreprises, même si, même si ça rapporte 10% une entreprise carbonée, avec un effet de levier moisi, ça rapportera moins pour les actionnaires que une entreprise verte qui rapporte que 3%. Tu vois. Donc okay. ça, c'est l'idée de l'effet de levier. Le deuxième truc, c'est la transparence, c'est-à-dire de dire aux banques vous allez me faire la liste de tout ce que vous possédez et je veux savoir si c'est vert ou si c'est carboné à chaque fois. Donc devant ouais, ça chaque... permet d'ailleurs de, de faire ce ratio de solvabilité euh, au cas par cas. Alors. Exactement. Ouais, Parce ouais. que si tu n'as pas la transparence, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu pourrais avoir une transparence au niveau du régulateur et pas au niveau public. C'est transparent parce que la banque centrale va aller checker et donc euh, tu dois donner ah, les infos oui, à la banque centrale. Pas, pas mais le journaliste, il n'a pas le droit de voir. Okay. Euh, tu vois Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est vraiment quand même que ce soit ouvert au grand public et que voilà. tout le monde puisse aller regarder euh, tous les actifs de telle banque et dire euh, tiens, elle, elle, elle possède de l'argent voilà. de euh, chez Total, de l'argent chez machin et chez machin et dire bah disons euh, quand on regarde le Total, c'est pas ouf. Vous avez quand même beaucoup encore de carbone dans, dans, dans vos investisseurs. C'est ça. Et là, du coup, ça c'est cool parce que les banques, elles adorent faire de la com en disant oh, regardez, regardez, on est, on, est vert, vert, en... on vous fait une carte. Et on a mis un en... arbre dans la pub voilà où on vous fait une carte de crédit en carton recyclé je sais pas quoi et derrière c'est euh, tellement de et, et derrière on, on sait que j'ai coupé l'eau quand je me brosse les dents hein. oui voilà ouais, c'est ça bon, pipi, sous douche, euh, pipi sous etc. la douche etc ouais. donc donc ça ça c'est un truc qui, que les banques détestent parce que euh, bah parce que ça, ça ruine tout leur plan de com quoi elles n'ont pas envie de te dire euh, comment elles gèrent leur business et ce qu'elles veulent financer ce qu'elles ont envie de financer elles veulent pas être transparentes comme ça donc c'est un, un risque de euh, euh, comment on appelle ça de réputation, voilà. C'est le fameux risque de réputation. Donc les banques détestent que avoir un gros risque de réputation. Ils ont déjà pas Et plus, très bonne réputation. Plus alors... elles sont transparentes, plus le risque de réputation est élevé. Donc euh, voilà. Mais donc cette transparence est probablement nécessaire aussi pour que les gens puissent savoir, bah, euh, tu vois, potentiellement changer de banque. Donc, tu te dis, mince, mais sous, ils sont chez BNP, euh, c'est là, c'est maintenant qu'ils ont publié. En fait, ils financent vachement de carbonés, ça ne me va pas. Je préfère le mettre dans la banque ou qui qu finance. Éclairer les... le consommateur, en fait, en voilà. lui disant, euh, faites un choix euh, citoyen ou un mm. choix pour le climat et allez plutôt vers cette banque qui a l'air de faire des investissements de meilleure qualité pour la transition énergétique que celle-ci. Ça, voilà. c'est marrant qu'ils enfin, qu empêchent. En fait, pour moi, ça me paraît bizarre qu'ils aient déjà la Alors, possibilité d'avoir caché ça. Là, là le truc, c'est que, ouais, c'est ça. En fait, ils sont obligés de donner des informations qui sont des informations financières, c'est-à-dire sur le risque de faillite de la banque. Donc en gros, tout est tout est prévu pour que euh, l'actionnaire puisse juger de la qualité financière de la banque. Donc on est toujours sur cette idée de ce qui compte, c'est la rentabilité. Voilà. Mmh. Et après la verdure ou pas, euh, on s'en fout. Et donc maintenant qu'on commence à s'y intéresser, eh ben les banques évidemment freinent en disant non 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 mais attendez, laissez-nous faire notre business. Euh, on n'a rien à vous dire. <laughs> bon. C'est pas très joyeux de ce côté-là, mais malheureusement, c'est ce qui. Alors, nous, on a essayé de. Par exemple, j'ai participé à l'élaboration d'un rapport où ce qu'on a essayé de faire, c'est ça. On a essayé de regarder dans les bilans des banques et de dire bon, ça c'est vert, ça c'est vert, ça c'est pas vert, ça c'est pas vert, etc. Vraiment pointer du doigt. Sachant que nous, le but, c'est d'aller chercher le carboné du carboné, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'extraction, exploitation des énergies fossiles. On a essayé de compter combien il y en avait dans les bilans des banques. Le but, c'est d'essayer bah, déjà d'avoir une idée et puis aussi de, de, de faire dire aux banques euh, « bah, Non, c'est faux. Ah, bah, »« D'accord, alors allez-y, montrez-moi où c'est faux. » Donc, de pousser à la transparence, tu vois. Mais donc, pour avoir ça, il te faut une taxonomie verte pour faire la liste du vert. Et il te faut aussi ta taxonomie carbonée pour être capable de faire la liste aussi du carboné. Je vois. Alors ensuite, euh, on a tout le levier euh, banque centrale. Alors là, c'est la grande banque qui donne voilà. de l'argent aux petites banques. C'est ça. ça. C'est ça. La banque centrale, c'est la banque des banques. Voilà. Donc euh, elle, elle fabrique une monnaie spéciale qui n'est utilisable que par les banques euh, et, euh, et elle est indispensable pour que les banques fonctionnent. Voilà. Alors, pareil, j'ai plein de vidéos pour essayer de, pour, pour expliquer ça. C'est un, un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, un truc que fait la Banque Centrale, c'est que euh, depuis 2015 en Europe, elle fabrique de la monnaie qu'elle injecte sur les marchés financiers. Alors, c'est un, un jeu de billard à, à une bande. C'est-à-dire qu'elle vise, par exemple, toi, qui as des produits financiers, et elle va donner de l'argent à ta banque pour que ta banque te donne de l'argent, pour que derrière, tu donnes le produit financier à la Banque Centrale. Est-ce que tu vois ce que je veux dire oui, que tu vois le jeu Donc, la banque centrale donne à ta banque. Elle pourrait me donner de l'argent à moi directement Non, elle ne pourrait pas ah, parce que tu pas... pas de compte chez elle. Ah, j'ai pas de compte à la voilà, banque as centrale à, européenne. Tu pas de compte à la banque centrale, donc ne peut pas te donner à toi directement. Donc, elle est obligée de donner à ta banque. Elle crédite le compte de ta banque. Derrière, ta banque crédite ton compte à toi. D'accord. Et ensuite, hop, toi, tu lui, tu, okay. lui, tu lui refiles le produit financier. Et donc, la banque centrale fait ça et elle a injecté dans l'économie. On va le voir. tac, voilà, Ça, c'est la quantité de monnaie injectée par la banque centrale dans l'économie. Alors, via ce jeu de billard à une bande, parce qu'elle ne peut pas directement injecter de la monnaie dans l'économie, elle passe par les banques. Elle depuis... en Il y a envoyé un paquet là. Fin 2014, donc là on est en millions d'euros, donc on n'est pas loin de 4 000, 4 000 milliards, voilà, en zone euro. 4 000 milliards en zone donc euro. Donc si on regarde un petit peu le noir, c'est le Covered Bunch Purchase Program, ça c'est <laughs> par rapport au, au Subprime. Ouais, en fait, c'est les, les types de produits financiers qu'elle achète, voilà. Donc le, le truc le plus important, c'est le public Sector Purchase Program. Donc ça, c'est elle achète des, de la dette française oui, là c'est énorme en fait. Ouais c'est le plus gros. C'est le plus gros, D'accord. Elle achète essentiellement de la dette publique. Et le Covid, c'est le gris, Et ce qu'elle fait avec le Covid, c'est le gris, sachant que dans le Covid, il y a encore une grande majorité qui est encore de la dette publique. Oui, c'est toujours de la dette publique. C'est juste que c'est de la dette publique qu'on a nommé Covid histoire de savoir les séparer. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est des programmes de rachat et il se trouve que c'est un programme spécial. ça va, elle, parce que c'est, enfin, moi j'ai vu tes vidéos, je sais, mais là quand même, ça lui coûte cher. Ça lui coûte rien. Ça lui coûte rien parce qu'elle fabrique cette monnaie, tu vois. Elle a besoin de l'emprunter nulle part. Elle a besoin de la prendre à personne. Elle juste, elle appuie sur un bouton et pouf, ça, ça apparaît. Donc, euh, Toujours voilà. déstabilisant ça, comme concept. Oui, je oui, te crois, il, faut, il faut, bien qu'il y ait de l'injection monétaire quelque part, tu vois. La, la, si tu regardes la quantité de monnaie en circulation dans la zone euro, tu te rends compte que je, je, je crois que j'avais fait le, ça a été multiplié par 7 entre 2000 et maintenant. Il y a 7 fois plus de monnaie en circulation en zone euro entre le début de la zone euro et maintenant. Alors que pourtant les prix, ils ont été multipliés par un truc comme 1,5. Donc clairement... Il y a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monnaie. Voilà, il y a beaucoup plus de monnaie. Ça sert notamment à la croissance économique, ça sert à, ouais. à ce que les gens puissent épargner, ça sert à ce que... Euh, mmh. Tous ces trucs-là. D'accord. Donc cette banque centrale, elle injecte de la monnaie, mais... Donc on a vu une grande partie, c'est de la dette publique. Donc ça, on va dire, c'est ni vert, ni oui. carboné, ni rien du tout. Parce que euh, c'est voilà. une idée. Par contre, non, mais c'est quelque part, les budgets de l'État, euh, ça sert à quoi Ça sert à la production sociale, ça sert aux services publics, ça sert à. Voilà. Et donc, on n'est pas dans le secteur énergétique, on n'est pas où, où, Parce que. C'est pas concerné par, par les taxonomies. Voilà. Quelque part, en fait, c'est la, la conséquence de ta, de ta politique néolibérale. Tu as retiré l'État de l'économie, tu as retiré l'État de le marché. Le marché n'est pas producteur. L'État n'est pas producteur de rien. n'est pas. Tu vois L'État est juste là pour faire un peu de services publics. Euh, et et, et c'est tout. Mais après, les, ceux qui produisent les choses, euh, ceux qui font tourner l'usine, c'est le secteur privé. Donc c'est eux qui sont euh, carbonés ouverts, essentiellement. Et là, il y a une partie du quantitative easing qui est adressée euh, aux entreprises. Donc ils achètent des dettes d'entreprise. Et là, pour le coup, ils achètent des dettes d'entreprise en fonction de la rentabilité financière de l'entreprise. Si c'est très rentable, ils en achètent beaucoup. Enfin, si c'est très sécurisé, si, si l'entreprise est très rentable et, c est, et très sûre, il y a peu de chances qu'elle ne rembourse pas, ils en achètent plein. Si l'entreprise est pas très sûre, peut-être qu'elle va faire faillite, ils en achètent pas beaucoup. Okay Mais donc, toutes les entreprises carbonées, euh, pétrole et compagnie, bah, c'est très rentable. Donc c'est très sûr, donc on en achète beaucoup. <laughs> et donc, quelque part, on soutient le secteur. Et alors, une des, des, des volontés, c'est de dire bah, arrêtez de soutenir le secteur. Euh, introduisez des, des éléments de est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert. Une nouvelle façon de juger voilà. le, un produit pas financier. Que le risque fait. financier. Quoi. Aussi euh, les, les histoires de climat. Ok. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle le Green TLTRO. Alors, pareil, je vais essayer d'aller vite. Le Green TLTRO, c'est euh, euh, la banque centrale prête aux banques normales. Voilà. D'habitude, elle prête sans condition. Enfin, voilà. À peu près sans condition. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, euh, on pourrait prêter avec conditions. On dit, bah voilà, euh, je te prête, mais tu m'injectes de la monnaie dans l'économie réelle. Et en plus, je veux que ce soit pour financer des projets verts. Donc là, ça existe déjà. Le TLTRO, c'est un truc qui existe où la banque centrale prête aux banques normales en disant, tu dois d'abord me prouver que tu vas prêter à l'économie réelle. Et si je constate que c'est vrai, alors je veux bien te prêter. D'accord Donc, pas de spéculation. Interdit de, de, de financer des entreprises financières qui vont des hedge funds ou des trucs comme ça. Et interdit aussi d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est super spéculatif. Donc, interdit de faire ça. Par contre, si je constate que c'est ni l'un ni l'autre, alors dans ce cas, OK. Et bien là, tu pourrais rajouter que en plus de ça, je veux que ce soit des entreprises qui participent euh, à décarboner l'économie. OK. Donc, ça, c'est le Green TLTRO. Ensuite, il y a les histoires de financement direct. Tu pourrais tout à fait imaginer que la banque centrale te prête. Directement à toi. Alors, ce serait par l'intermédiaire de ta banque, encore. Oui, même, je ouais. crédite le compte de ta banque, la banque te. Mais derrière, tu aurais une obligation de rembourser à la banque centrale, euh, toujours en passant par ta banque. Tu l'argent à ta banque et après, la banque, ta banque envoie l'argent à la banque centrale. Tu vois, par exemple. On pourrait aussi imaginer un système où tu pourrais avoir un compte à la banque centrale directement. Comme ça, tu peux hmm. discuter directement mais avec mais la banque par centrale. contre, par exemple, la banque centrale, elle dirait euh, on vous prête de l'argent, mais que si vous faites, je sais pas, une rénovation voilà. énergétique de votre voilà. maison. Et elle pourrait le faire à taux. À taux... Très avantageux, voire même Voir négatif. négatif ouais. Voire négatif. Elle pourrait te dire bah écoutez, si moi je vous prête tant, ouais. et euh, je vous prête, je ne sais pas, moi, 20 000 euros pour remettre euh, une pompe à chaleur chez vous à la place euh, de votre euh, usine à gaz qui vous fait euh, du voilà, chauffage, voilà. Euh, je vous donne 20 000 euros et vous allez me rembourser 17 000. Ouais, ça. Et euh, vous aurez une machine à gaz remplacée par une pompe à chaleur et on ouais. est tout, tout le monde est content. Voilà. Et ça ça, 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 ça. paraît juste inenvisageable. Alors là absolument. il faut voir que aujourd'hui la banque centrale prête à taux négatif aux banques. Mais les banques elles nous prêtent pas à taux négatif à nous. Non mais tu vois elles, elles sont prêtes à financer les banques avec un taux négatif alors pourquoi pas directement bah, les, les, les les particuliers voire même des entreprises tu vois. Si la BCE m'appelle et me propose ce genre de deal je vous alors, écoute. Donc, y a, y a, y a, tu vois, il y a, y a des solutions possibles. Là encore, on sort. Pourquoi on ne ferait pas ça bah Parce que, idéologie néolibérale, euh, la Banque centrale, alors déjà... Elle n'a pas le droit de déjà prêter aux États, alors si en plus, elle nous prête à nous directement. Alors, elle n'a pas le droit de prêter aux États, mais ça, elle n'a pas le droit de prêter aux États, c'est marqué dans les règles. C'est marqué dans un traité européen, tu vois, c'est la hiérarchie des normes dont je te parlais. On a mis dans les traités européens que la Banque centrale n'avait pas le droit de prêter aux États. Donc, comme ça, c'est difficile de revenir sur cette règle-là. Ça, ça fait partie de ah, la règle la... qui dit qu'elle n'a pas le droit de me prêter à moi. Non. Il n'y a, a, a pas de règle de ça. Alors, techniquement, ce n'est pas possible parce que tu n'as pas de compte oui, chez elle. Pas de compte où, où voilà, c'est un peu... Euh, mais ça, ça pourrait tout à fait se faire. Mais là, il y a un autre truc qui rentre en jeu. C'est c'est le marché qui doit tout décider. Le marché est au cœur du système. La banque centrale, elle fabrique la monnaie. Elle ne peut jamais faire faillite. Elle n'est pas en concurrence. Elle ne fait pas partie du marché. Donc, elle doit faire le minimum. Elle ne doit pas intervenir dans l'économie. Elle doit intervenir le minimum du minimum. Et donc, on n'aime pas augmenter les prérogatives de la Banque centrale. Ça veut dire qu'on diminue celles du marché. Or, dans l'idéologie néolibérale, c'est le marché, le marché, le marché au cœur de tout. Bon, il y a encore même d'autres trucs encore plus euh, intéressants. Donc elle pourrait être prêtée à toi, elle pourrait être prêtée à des entreprises, elle pourrait même donner de l'argent. C'est l'idée de l'hélicoptère money. Donc là, c'est la banque centrale qui te donne des sous. Et, et on pourrait dire, ah mais comment c'est possible bah, Elle les fabrique. Elle fabrique des sous, et te les donne. Et après tu par contre elle, elle peut te les donner sous condition par exemple en disant attention c'est pour acheter une pompe à chaleur ou pour voilà n'importe oui, quoi qu'elle considère comme la seule chose que tu peux acheter avec truc ça encore... fait une monnaie parallèle quasiment mais... truc encore plus de fou ah non c'est pas une monnaie parallèle ce serait vraiment la monnaie euh, normale mais mais, mais vu tu... Te, tu peux pas tout acheter avec Ok, effectivement, ouais, ouais. C est, c est, elle te donne euh, sous, sous condition, effectivement. Et sinon, mais après, une fois que toi, tu as fait ta dépense, elle arrive dans le compte de, de celui qui t'a vendu à pompe à chaleur et lui, il fait ce que tu veux. Ah oui, à de partir mode. de ce moment-là, voilà, voilà et ça retourne dans l'économie, euh, vivre sa vie. Un autre truc aussi, c'est qu'elle pourrait très bien donner aux États. Alors, c'est marqué dans les règles interdiction de prêter aux États. <laughs> C'est pas ah, marqué. C'est pas marqué. On peut donner. donner. Mais vous avez pas empêché les dons. Voilà. T'as un Utip d'ailleurs un tipi. On va. Ouais, n'hésitez <laughs> pas à donner l'argent. <laughs> mais donc, tu vois, c ce serait pas. C est, c est, alors c'est évidemment, c on rigole. Mais, c non, non, c mais Si demain Christine Lagarde commence à dire ça, alors là, je tombe de ma chaise. <laughs> mais mais tu vois, c'est pas inenvisageable. D'accord, c'est pas interdit, c'est pas illégal, c'est ça qui est important. Euh, c'est pas interdit. Ouais. Donc, euh, bon, il y a d'autres limitations qui sont des limitations euh, d'ordre comptable, mais ça, c'est pareil. Le, la croyance en la comptabilité, c'est un truc idéologique. Euh, ok, il y a encore un autre truc, c'est l'annulation de la dette. Donc, ça, c'est la même chose qu'un don, en fait. Hein. Annuler la dette, c'est je t'ai prêté de l'argent, tu dois me le rendre. Ben, en fait, non, tu dois pas me le rendre, donc c'est comme si je te l'avais donné. Bon, et alors ça, l'annulation de la dette, euh, euh, évidemment... Il y a toute une vidéo sur ta chaîne aussi là-dessus. Voilà. Là évidemment, si c'est moi qui t'ai filé 100 euros et que tu me rembourses pas, les 100 euros, je ne les récupère pas. Parce que moi, je suis pas assis sur une planche à billets. Donc 100 euros en moins, c'est chiant. Mais pour la Banque Centrale, 100 euros en moins, elle s'en fout. Elle en imprime autant qu'elle veut. Dès qu'elle a une dépense, elle fabrique de la monnaie. Donc si tu lui rembourses pas, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est exactement ça. Ok, donc euh, j'avance. Vas-y, vas-y. J'avance et on passe. Donc on a fait un peu le tour de ces histoires de, de, de croissance verte et on a décrit notamment ce qui était en cours ou potentiellement possible pour ces histoires de croissance verte. Et maintenant, l'autre euh, paradigme, mais là vraiment c'est un changement de société qu'on pourrait envisager, c'est une histoire de décroissance, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre par le biais d'une réduction de la production en fait. Ton, ton, ton usine-monde produit de moins en moins chaque année Non. Voilà. Prêt. Voilà. Fin voilà. du live. <laughs> La réponse est non. Alors, euh, on va euh, faire une petite pause par ici. Mais on est pas mal. On a mis que une grosse heure, je pense, une heure et quart à peu près sur cette partie-là. Non, mais c'était très intéressant. C'était passionnant. Non, non. Franchement, même, tu en connaissant le sujet, j'avais encore de nouvelles questions et je, je trouve ça vraiment très, très intéressant de, de voir ce qui est déjà en place, de comment on aborde le problème d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique dans ce qui existe déjà. Parce que, ben, bah, il faut quand même fasse. Qu avec ce qui déjà, on va pas juste péter tout le système économique et prier pour que le nouveau marche mieux. Marche mieux, pardon. Euh, on va euh, prendre la réponse du Stropole, enfin du, du petit, euh, du petit sondage. Il est temps de regarder un peu. Et c'est ce le fromage qui gagne. Quelle surprise. C'était sûr. Attends, quand on part prendre du fromage. Et c'est le CDI qui est derrière l'amour. Non, quand on. Le CDI ah, est quand... dernier. Ah ouais, le CDI est dernier. Comme quoi Donc euh, avoir un CDI, c'est pas être si riche que ça. Okay. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement... Euh, C'est surprenant comme résultat. En tout cas, on sait que les Français, euh, vous n'avez pas besoin d'un PEL, vous avez besoin de plus de brie et de camembert. Et ça, euh, ça, ça fait plaisir. Donc, si jamais il y a un retour des Gilets jaunes, on pourra peut-être faire un petit billet en disant lancez-leur du fromage, ça devrait aller. Euh, tout ça pour dire quoi, faire une courte pause. Merci pour ce superbe. Vraiment, c'était toujours bien. Est-ce qu'on pose tout de suite la prochaine pour que vous ayez quelque chose à faire pendant la pause et après on passe à la, à la décroissance Et vous pourrez bien sûr à la Fin de ce live, on prendra vos questions avec un petit système point d'exclamation, question. Vous mettez votre question et on pourra l'afficher ici directement pour Gilles. Euh, donc je vous propose euh, est-ce qu'on pose la question maintenant, le, le Namek Ouais, on la pose maintenant. Allez, on pose la question maintenant. C'est quoi le bonheur euh, C'est quand on est riche. Ah, il y a déjà des réponses. C'est quand on est épanoui. C'est quand on est entouré de ses amis. C'est quand on a une PS5. Euh, des, des, des réponses, une fois de plus, de qualité. Vous le savez, on aime vous poser des questions importantes et faire des choses extrêmement sérieuses. Donc voilà, je vous laisse méditer sur c'est quoi le bonheur. Euh, et nous, on fait une courte pause et on revient dans, dans cinq minutes pour continuer euh, sur la décroissance et euh, l'alternative proposée peut-être par, euh, par Gilles un petit peu, non Pas que toi, mais... Euh... Oui, oui, on va voir. On, on va, va voir. voir, on va voir. Allez, à tout de suite. De retour, bien sûr, au vortex avec Gilles de la chaîne Eureka. Euh, on a vécu une heure et demie de belles aventures dans le monde de l'économie et de la finance dite verte. On a découvert un peu les différentes mécaniques qui avaient été mises en place par nos institutions, par les banques, par la BCE, par le, le tissu économique un petit peu européen pour essayer de verdir notre notre modèle industriel et avec le constat un peu mitigé que ça a l'air un peu étrange idéologiquement et un petit peu pas vraiment appliqué techniquement. Ouais, alors. J'essaye je, je, de, de modérer le, mes propos. Hein, le truc hein. sur lequel on a touché au départ, et en fait on est parti après dans cette histoire de, de croissance verte, c'est l'ampleur de la tâche. En fait. Oui, c'est ça. C'est que, que l'échelle, e qu ce n'est pas du tout celle qu'on est en train de mettre en place. Quoi. Voilà, pas du tout. Il faut vraiment que ça aille très, très vite, très, très fort. Et donc ici, l'idée de la décroissance. Il est, il est double, quelque part. Il est de dire un, est-ce que finalement, d'ailleurs, ça va être plus facile avec le schéma, est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser un levier supplémentaire C'est-à-dire de se dire, OK, on peut toucher à la quantité d'énergie verte qu'on va fabriquer, qu'on va produire, OK, on peut réduire la quantité d'énergie carbonée qu'on émet, il faut le réduire, il faut aller vers zéro, OK, on peut jouer sur le levier de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire rendre nos usines toujours plus efficaces, donc qui consomment de moins en moins d'énergie alors qu'elles produisent la même chose, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi ralentir la production Produire moins Et ça, puisque le PIB mesure la production, bah, moins de PIB chaque année, ça, c est, c est, ça provoque la décroissance. Ça provoque la mort. Ça provoque la mort par la décroissance. <laughs> Alors, l'autre idée de la décroissance, et je l'ai mis sur le schéma, c'est qu'on ne cherche plus à produire pour générer du PIB ou pour en générer moins. On se, on se pose la question de ce qu'il faut produire. En gros, on se dit, en fait, tout ça, c'est pour la population. On ne met pas en place des systèmes énergétiques pour... Pour nourrir l'usine, en fait, on veut nourrir l'humanité. Le but, c'est de produire des choses qui sont utiles, dont on a vraiment besoin. Qui un gros permettent, changement de paradigme. Voilà, qui permet de nous épanouir. C'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, on est bloqué sur cet indicateur du PIB, qui est l'alpha et l'oméga de, euh, de, de nos objectifs, alors que quelque part, le PIB, c'est un outil pour mesurer ce qui sort de l'usine. Et qui en plus le mesure mal, puisque ça mesure que des euros, mais on ne sait pas combien on fait de tonnes de nourriture, comment elle est répartie, de tonnes de ceci, de tonnes de cela. On ne demande pas non plus aux gens ce dont ils ont besoin. On suppose que, au travers du marché, ils sont capables de nous le dire. Mais encore une fois, ça n'est pas démontré par personne. C'est une idéologie politique, tu vois. Donc là, l'idée de la décroissance, c'est de réinterroger ce qu'on produit et de dire, euh, bah, en fait, on va prendre tout ce qui n'est pas nécessaire et on va arrêter de le produire. Comme ça, ce sera encore plus facile de décarboner. Okay. Voilà. Vu l'ampleur la, de la tâche, juste ce qu'on avait mis en place, ça suffira pas. La prochaine étape, c'est la décroissance. Voilà. Et en plus, ça permet de et de changer la société aussi. De, voilà, de, de s'interroger sur ce qu'on produit et de comment on le répartit. Donc, euh, l'idée, c'est de reprendre ce schéma euh, là. Celui qu'on a vu tout à l'heure, voilà, donc ça c'est l'idéologie croissance verte. Voilà, l'idéologie croissance verte. Et en fait, l'idéologie croissance verte, donc c'est la courbe en pointillé blanc, là, qui doit décroître très très vite tout en continuant de faire grimper le PIB qui est sur l'axe euh, horizontal et de le transformer en ça. Voilà. Donc on passe de ça à ça. Alors. Et on peut décroître plus ou moins, quoi. Là, il n'y a pas d'objectif. Oui, oui. Moi, je l'ai fait, je l'ai mis... C'est l'arbitraire, là. Voilà, je l'ai mis à 60 000 milliards. Ça peut être euh, moins que ça ou ça peut être différent. Mais enfin, l'idée, c'est ça. On repart dans l'autre sens. Alors Alors ça... ouais, Débrouille-toi. Alors le, le, le... Je vais, je, vais commenter... je pense que ça parle de lui. -même. Je vais commencer par euh, la partie réinter... réinterroger l'objectif de la société. cest à Outre ces histoires de ça moins, moins de gaz à effet de serre, la question, c'est euh, pourquoi, ce, pourquoi il faudrait arrêter de vouloir faire croître le PIB comme ça Donc, il euh, y, y a une raison qui, est, qui va au-delà de ces histoires de gaz à effet de serre. Euh, en fait, le PIB, c'est quoi C'est le revenu moyen par personne. d'accord D'ailleurs, le, le vrai indicateur qu'on devrait suivre, c'est le PIB par personne. On a tendance à regarder le PIB le P... tout court. Oui, national voilà, mais en fait, c'est le revenu moyen par personne, d'accord euh, Donc, c'est un revenu moyen. Donc, ça ne tient pas compte des inégalités, d'accord La personne moyenne, elle n'existe pas. ok Donc, si demain, on, on, on a, euh, je ne sais pas moi, 1000 milliards en plus, mais que c'est tout dans la poche de Bernard Arnault, bah, le PIB, il dira, ouais, ouais, bien joué, vous avez fait plus X%, euh, c'est le plus que vous ayez jamais fait. Bah, ouais, mais c'est tout dans la poche de Bernard Arnault, tu vois. Donc, quelque part... Euh, ouais, c'est ça, ça ne tient pas compte de la répartition, ça ne tient pas compte des inégalités. Ensuite, euh, c est, c est, ça nous force à aller vers la maximisation plutôt que de nous interroger sur des histoires de minimisation. J'ai choisi les termes de maximisation et minimisation parce que c'est en lien avec la théorie économique. Dans la théorie économique, ce qu'on cherche, c'est maximiser des trucs. On veut maximiser des fonctions, on veut maximiser des bidules. Donc, c'est l'idée que tout le monde a les yeux rivés vers le ciel et se dit Ah là là, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller, il n'y a pas de limite, il faut que j'aille le plus haut possible. Mmh. Mais quelque part, on pourrait très bien avoir des objectifs de société qui soient basés sur de la minimisation. Par exemple, on se dit Il bah, y a des gens qui dorment dehors, on veut qu'il n'y en ait plus. C'est ça l'objectif. On se met un nouvel objectif qui est ça. Et. Tu vois bien que c'est différent, ça te force à regarder en dessous de toi et à te dire attention, il y a, il y a des gens qui sont en dessous, je vais peut-être essayer de les aider à monter. Avant de que, monter, moi. plutôt que de me soucier de mon propre sort et d'aller le plus haut possible. Euh, donc ça, cette histoire de minimisation, c'est important même au sein de la démocratie quelque part, parce que tu vois quand tu quand on quand on réfléchit à la démocratie, on se dit ben bah, on voudrait un système de vote où on peut trouver euh, la, la, le, on veut trouver le plus large consensus possible euh, sur une opinion. Mais en fait, on pourrait chercher, plutôt qu'à maximiser le nombre de gens d'accord, à minimiser le nombre de gens pas d'accord. Et ça, c'est pas pareil. Alors, je te mmh. donne un exemple. Euh, c'est l'exemple que je te euh, tu, tu, tu discutes avec... Euh, on est une dizaine de potes et on se demande si on fait plutôt pizza ou, euh, je sais pas, kebab. D'accord Et le, il y en a... Euh, tout le monde dit euh, vote kebab. On en est huit est à voter kebab et il y en a deux qui sont pas d'accord. Sauf que ces deux-là, ils sont allergiques. Ils peuvent pas manger. Si on va chez, au kebab, ils ne mangent rien. D'accord Ça n'y pas contre... qu'à être allergique. Hein. Alors, par contre, si on va à la pizza, bah certes... Il euh, y en a 8, c'est pas leur premier choix, mais en vrai, ce deuxième choix du kebab, il est combien de pourcents en dessous de la pizza tu vois oui. Il est combien de pourcents en dessous du, du kebab Ça se trouve, c'est pas grand-chose. Mmh. En fait, ce sacrifice par les 8, le choix numéro 2, il n'est pas si dégueu, et surtout, ça permet à, aux deux personnes de manger. Et en fait, que en pas dégradant mieux légèrement la qualité de quelques-uns, on peut monter grandement la qualité de tes de, voilà, autres. Quoi. Voilà. Et donc, est-ce que quelque part, tu veux pas chercher à minimiser le nombre de gens pas d'accord avec une décision, plutôt que de maximiser le consensus bah ça, c'est une question politique. Euh, les maths peuvent, vont, vont te répondre l'un ou l'autre en, en fonction des cas. Nous, on, est tout le temps, on regarde tout le temps l'idée de la maximisation, mais pourquoi pas aussi la, la minimisation Ensuite, il y a un autre Truc, c'est aujourd'hui le prix est lié à l'utilité sociale. C'est-à-dire que quelque part, le PIB est aveugle à euh, une bombe qui coûte un million et, euh, je sais pas moi, le salaire d'un grand médecin-chirurgien qui va être de un million aussi euh, par an. Tu vois et du coup, entre bah, une infirmière par exemple qui est payée vachement moins que ça et une bombe qui fait un million, bah clairement, mieux vaut mieux fabriquer des bombes, des bombes. Voilà. pour le PIB. Voilà, tu sais plus. plus c'est plus intéressant de fabriquer plus, des bombes que des infirmières. Tu feras plus de croissance. Donc quelque part, ça, n'a pas de sens. Sans compter le fait que euh, fabriquer la bombe va peut-être euh, re, euh, relâcher des produits chimiques euh, oui, bien sûr. Que, que tu comptes même pas dans l'équation parce que tu, ne euh, les vois pas du tout. On calcule rarement la pollution aussi dedans. Ouais. Voilà, c'est tout le problème des externalités, tout ce que tu calcules pas et qui rentre pas dans le marché et et en fait, c'est pas possible de faire rentrer, le, de détendre de, le marché à tout. Et c'est même pas forcément souhaitable. Et on, on va en parler un peu plus loin. Euh, L'autre point, je ne pas de, de le, 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 le maximum d'utilité, c'est le maximum de consommation. Mais est-ce que le maximum de consommation, c'est forcément le mieux? Tu vois, c'est l'idée de dire, euh, OK, si, si je veux, je peux manger euh, genre trois pizzas à chaque repas. Et est-ce que finalement, ça va pas euh, me rendre totalement euh, misérable, écourter mon espérance de vie parce que je vais devenir obèse, euh, etc. etc. Est-ce que le mieux, le plus, c'est forcément le mieux Donc, pas forcément. Et, et pourtant, avec le PIB, c'est ce qu'on suppose. Hmm. Euh, enfin, ça ne prend pas en compte, euh, en tout cas, l'importance c'est la quantité de pizzas ingérées. C'est pas si cette pizza elle est nutritivement intéressante et si voilà, elle est équilibrée est pour ton la, corps. La, quoi. la qualité aussi potentiellement. Ouais, oui, la est qualité pas, aussi ne, ne rentre pas dedans. Oui. Et ensuite, le maximum de PIB, c'est le maximum de marchandisation, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire essayer d'étendre le marché coûte que coûte. Donc quelque part, c'est aussi l'idée de euh, bah, tu t'occupes de tes. C'est ce que je disais en, en, en début de, de stream, enfin de live, euh, tu t'occupes de tes enfants. C'est pas dans le PIB parce que tu, tu vois, tu payes personne. Tu fais venir une jeune fille au père pour qu'il s'en occupe, pour qu'elle s'en occupe, et bah du coup euh, ça, ça rentre dans le PIB. Donc du coup le, le marché grignote sur des choses qu'on qu fait dans la vie de tous les jours, mais qui ne nécessite pas une transaction marchande. Et ça, ça fait de la croissance. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut, tu vois mmh. je veux dire. Euh, alors pour pour aller même plus loin, je pense que c'est après que j'introduis ça, voilà. Donc là c'est l'idée de dire. Euh, tu vois, il y a des propositions qui sont faites par exemple pour dire bah, finalement, on ne sait pas comment on entretient une réserve naturelle parce que ça coûte des sous, mais on ne sait pas comment financer ça. Alors qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va prendre un couple de rhinocéros euh, et on va le faire chasser par un riche milliardaire qui va payer euh, X millions pour tuer les rhinocéros. Mais du coup, avec cet argent, on va pouvoir faire naître 4 euh, rhinocéros en captivité. Donc on aura perdu 2, mais on aura gagné 4. Hyper rentable. Voilà. Faisons ça. Mais tu vois, il y a. Y a euh... Le problème, c'est que plus tu de rhinocéros, moins ils ont de valeur. Et donc après. Si tu... Alors, le, le, le problème, pour moi, il est plus large que ça. Oui, c'est le problème de tout vouloir résoudre par, par le marché. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc qui a été théorisé notamment par Karl Polanyi, euh, qui est un penseur du début du XXe siècle, et qui disait, en gros, il y a. Alors, je, je résume énormément, mais en gros, tu as trois sphères. Tu as le marché. Alors, si on peut remettre le, le, le graphe, voilà, tu le marché, donc c'est là où tu as des prix, donc c'est le cercle blanc. Autour de ça, tu as le social, c'est le cercle vert, donc c'est la sphère sociale, tu vois, tu t'occupes de tes enfants, c'est pas une relation de marché. Euh, tu tu, tu es avec tes potes, vous discutez, etc. Tu n'es pas en train de payer comme un psy où tu dois le payer 100 euros pour venir discuter avec lui. Non, là, c'est une relation sociale et c'est en dehors de la sphère de marché. Et ensuite, tu as l'environnement. Encore plus large que la sphère, la sphère sociale parce que tu as tous les animaux, tous les écosystèmes, etc. qui sont là-dedans. Et ce que Polanyi euh, disait, c'est attention à pas se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire dans la situation où la sphère des prix se met à tout englober. Donc toutes les relations sociales sont gérées par des échanges de monétaires, et également on a donné un prix à tout l'environnement et alors potentiellement le dernier couple d'éléphants je sais pas quoi si tu as un millionnaire qui est prêt à mettre la somme et ben il les achète il, il a le droit de terminer l'espèce euh, voilà, voilà c'est un bel achievement de, de vie ça je pense donc ce que Polanyi disait lui c'est euh, lui disait si on fait ça si on étend comme ça la, la sphère marchande à tout euh, l'homme résiste parce que il euh, y a des choses qui ne sont pas des marchandises qui peuvent pas être des marchandises alors lui il en donnait trois il disait le travail n'est pas une marchandise si vous faites un marché du travail les gens vont vont vraiment pas apprécier parce que le travail n'est pas un truc qui se fabrique en usine l'homme ne fabrique pas le travail l'homme est son Lait, travail, travail en quelque ouais. sorte et, et donc du coup ça ne peut pas se traiter comme une marchandise froidement comme ça avec des prix sur un marché euh... c'est complètement le monde dans lequel on vit on est d'accord ah oui, oui, oui complètement le, le deuxième truc c'est la, la nature n'est pas non plus une marchandise tu fabriques pas de la terre tu fabriques pas euh, je sais pas quoi des poissons en usine tu fabriques pas ça ça marche pas comme ça la nature n'est pas une marchandise donc tu peux pas la traiter comme ça et aussi la monnaie la monnaie n'est pas une marchandise. Tu ne peux pas faire l'offre et la demande de la monnaie, je sais pas quoi, les histoires de taux d'intérêt comme ça, qui réagiraient par le marché. La monnaie, c'est une convention sociale, c'est de la confiance. Tu ne peux pas traiter ça comme une marchandise. Si tu fais ça, si tu traites ces trois trucs comme une marchandise, les gens vont se rebeller. Et lui, il, il voyait la, la naissance, euh, notamment du fascisme, dans le fait que le marché grignotait comme ça, sans arrêt, toutes les sphères, euh, et que du coup, les gens se révoltaient contre ça. Donc. Euh, donc, attention à vouloir mettre du marché partout. Moi, je pense que euh, ce serait pas débile de relire euh, Polanyi. Ça date de quand, ça euh, C'est les années 30, je crois, qu'il écrit euh, ou peut-être 40. Je crois qu'il écrit ça pendant la guerre, pendant la seconde guerre mondiale. Euh, ensuite, on si a. S'il savait ce qu'on a fait Ouais, je sais plus quand est-ce qu'il est mort, Polanyi, je crois. C'est dans les années 70, je suis, pas, je suis pas sûr. Alors, un autre truc, là, ça, c'est des trucs qu'on connaît, hein, mais. Euh, on a ici des études sur, on demande aux gens, euh, c'est quoi votre satisfaction dans la vie entre une note, donner une note entre 1 et 10, entre 0 et 10 Manger du fromage et en, tout en haut de la courbe. Voilà, ouais, manger du fromage, c'est 12, 12, 12 <laughs> sur 10. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que euh, plus on augmente le PIB par habitant, moins on obtient de rendement en termes de euh, qualité de vie, quoi. On atteint un genre de, de, de plafond corps. où la qualité ça. de vie est suffisante sans qu'on ait besoin d'augmenter le, le PIB par habitant. Voilà, c'est ça. Alors, c'est essentiellement dû au fait que, bah, effectivement, quand tu n'as pas de logement ou pas sûr, quand tu n'as pas de bouffe ou pas sûr, quand tu pas de. Voilà, il euh, y a vraiment un problème. Tu ne peux pas dire que euh, tout va bien dans, dans ta vie. Mais par contre, quand le PIB augmente suffisamment pour te permettre d'avoir ça, et bah, très vite, on atteint des niveaux qui sont assez élevés. On n'a pas. On n'a pas besoin de continuer comme ça d'avoir. Je suppose que si on animait cette fresque, tous les pays ont tendance à grimper globalement, sauf peut-être la guerre, euh, à, à grimper le long de cette courbe et à suivre ouais. ce, ce, ce chemin. Ouais. D'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ensuite, en tendance. Il y a euh, la même chose, mais avec euh, l'espérance de vie. Donc là, tu vois que bah, c'est un peu le même genre de relation qu'on retrouve, c'est-à-dire que au-delà d'un certain seuil de PIB par habitant ça améliore plus l'espérance de vie, de continuer de s'enrichir. Tu vois. Alors c'est deux indicateurs comme ça, mais euh, ça te montre que euh, l'augmentation du PIB, c'est pas l'alpha et l'oméga euh, du bien-être, euh, du bonheur. Et on le sait. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est OK, mais du coup, euh, si on n'a plus le PIB comme guide suprême de ce qu'on fait, euh, comment ça marche Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place alors là, on peut penser par exemple euh, à euh, une liste de besoins humains qui a été établie par un économiste qui s'appelle Manfred Maxniff euh, qui dit à chaque fois qu'on met en place une activité, une production de quelque chose, bien ou service, il faudrait se demander si ça permet de remplir l'un des... Euh, le, enfin, Les le neuf critères euh, voilà, qui sont affichés un à, des neuf à besoins gauche. Ben. Suivants. Donc subsistance... Euh, c'est l'idée de pouvoir se loger, se nourrir. Protection, donc là, c'est euh, l'idée d'avoir euh, une sécurité sociale, un système euh, qui va te permettre d'être dans une, de dans une bonnes conditions physiques et mentales, euh, avoir de l'affection, avoir accès à de l'affection. La compréhension, c'est la compréhension du monde, être capable de réfléchir, d'avoir. le sens de l'humour. Ouais, c'est. Sans... Sens de l'humour, l'idée de. Des, 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 les amitiés, je regarde, de, de, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, et d'avoir de l'intimité, de la, de, la, de la. Alors là, t'es dans understanding, là euh, Non, dans, dans affection. Ah oui, affection, c'était le, le truc d'avant. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais sur compréhension, là. Ah oui, d'accord. Le, le fait de, de pouvoir comprendre le monde qui t'entoure, donc euh, avoir accès à une éducation qui te permet ensuite de réfléchir à ce qui t'entoure, de le comprendre, de le théoriser, etc. Ensuite, à la participation. Euh, voilà tu peux coopérer pouvoir coopérer avec, avec des gens avoir une, une voix qui est entendue participer à la décision loisiveté, donc du temps pour se, re, pour se reposer jouer euh, euh, voilà faire des speedruns bah, je sais pas les, les choses de tous les jours les choses de tous les jours euh, création d'accord ça je pense que assez, ça s'explique assez bien identité donc le fait de à la fois savoir qui on est et puis être capable il y a la religion aussi si. Ouais, donc je pense qu'il met euh, euh, la, même la méditation à un moment donné. Euh, et puis il y a la liberté, donc le, le pouvoir choisir. Euh, ok, donc ça ce serait. Alors évidemment, ça, ça ne te donne pas hein, qu'est-ce qu'il faut faire demain. Ça te dit. C'est un genre d'équation du bonheur pas un... Je ne pense pas que ce soit une équation du bonheur. Je pense vraiment qu'il faut le voir comme, bah, tu vois, quand on, se... quand on réfléchit à créer quelque chose de nouveau qu'on va vendre par exemple sur un marché ou qu'on veut mettre en place une organisation, peu importe, on se demande si ça répond à un des neuf besoins et ah. si ça en élimine pas un, d'accord Parce que si si tu si tu vas en, en, en développer un pour en supprimer d'autres, oui, oui. ça marche pas. Le but c'est de les avoir tous. Et si c'est pas le cas, bah juste on le fait pas. D'accord, ça permet de décider des projets que l'on mène. Voilà, donc au lieu de se dire, ah oh là là, j'ai une super idée, ça va rapporter un max de thunes, tu te dis, attends, attends, attends. J'ai une super que... idée, ça va, voilà. ça va augmenter le… le... Est-ce que ça remplit l'un des neuf critères Tu vois, je ouais. crée Facebook, est-ce que ça remplit l'un et je mets de la pub partout, ciblé, machin, avec… Est-ce que ça va bien remplir l'un des neuf critères Si ce n'est pas le cas, euh, on arrête, quoi. D'accord. Alors évidemment, ça, ça se... un... ouais, c'est un changement de. C'est un changement de, de paradigme. Ouais, de... Alors est... ça suppose ça suppose qu'il y ait plein de choses en place pour que quelqu'un puisse dire ok bon bah j'arrête l'entreprise. Du coup il y a plein de gens qui se retrouvent et. C'est pas grave, ils peuvent continuer à vivre. Il y a un système qui oui, permet de. Parce que dans, dedans, il y a la sécurité sociale voilà. qui aurait comme mission de garantir que ouais. si jamais ou, on ou, détruit plein d'emplois, il faut quand même que Ou n'importe quel autre système qui permet de, de, de oui. maintenir ça. Mais, oui, bien sûr. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un, un objectif qui soit différent. Après, il faut réfléchir à la manière dont on va organiser les choses pour que ça, ça fonctionne. Et je ne dis pas que c'est facile de faire ça, évidemment. Mmh, c'est penser un monde nouveau. Non, mais donc ça permet d'avoir un genre de. de... De, 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 de phare quoi, de de, ouais, de, ou de, de chemin, tu vois, de montrer, de dire bah voilà, si on va par là, on sait que ça devrait plutôt être intéressant bon, et qualitatif. Bon, en tout cas, c'est une idée. Alors, ouais, bien sûr. Après, un c'est bien d'avoir un... c'est de réfléchir à ce que c'est qu'un travail humain. Alors là, je me base sur les nombreuses conférences et livres de Alain Supiot que je vous recommande, euh, qui reprend un truc euh, qui est la la définition de ce qu'est un travail humain par l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. Et euh, la définition qu'il donne, donc l'idée encore, c'est de dire avant de mettre en place une activité et de faire bosser des gens, on va se demander si le travail qu'on leur fait faire, c'est un travail humain. Et si c'est pas le cas, alors dans ce cas, il faut changer l'organisation du travail, de l'entreprise, pour que ça le devienne. D'accord Et là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un travail humain Un travail humain. Un travail humain c'est quelque chose qui est dans ma tête avant d'être dans le monde. Et quand c'est dans le monde, je, je réalise que c'est dans le monde. Alors, c'est mieux avec un exemple. Donc, je veux ranger ma chambre. J'imagine comment je vais ranger ma chambre. Et ensuite, je le fais. Donc, c'est dans ma tête d'abord. Et après, je la, je la range et je vois ce qui se passe. Et quand je vois ce qui se passe, je peux me dire, ah ouais, en fait, ça, ça irait mieux là-bas, ça, ça irait mieux là-bas. Et je peux changer, d'accord Donc, il y a une interaction comme ça entre ce qui est dans ma tête, le monde réel, et de nouveau ce qui et est dans on ma fait tête. Des du coup, on se dit, bah ouais, ça a l'air d'être à peu près tout. Bah non, si tu regardes, par exemple, euh, donc euh, le travail à la chaîne, bah tu, con tu, tu considères que l'humain est une machine, tu lui fais faire un mouvement répétitif, bah c'est du déni de penser. Il ne peut pas penser sans travail, il peut pas réfléchir à une façon différente de le faire, il peut pas se positionner différemment, il peut pas. Tu vois, C'est tu l'obliges à faire un truc, et tu l'empêches de penser. Bah du coup, ça, c'est pas un travail humain. Une autre. Et probablement qui se développe beaucoup plus dans nos sociétés à l'heure actuelle, c'est être coupé de la réalité. Donc ça, c'est les bullshit jobs de David Graeber. C'est l'idée que, en fait, je travaille uniquement avec des concepts, uniquement avec des représentations conceptualisées du monde, et tout mon travail, c'est ça. Et je ne vois absolument pas l'impact sur la réalité, voire même le fruit de ton travail. Voire même, ça n'a pas vraiment de. Donc tu prends, tu prends l'exemple du trader dans sa salle des marchés. Euh, on travaille sur des euh, feuilles Excel, sur des trucs Bloomberg, on a des écrans partout, euh, on bosse sur des prix, qu'est-ce que c'est que des prix C'est juste un concept, d'accord de, de valeur euh, comme ça, déterminée, mais euh, c'est totalement humain, un prix, ça a pas, tu ne peux pas le voir dans la réalité. On bosse sur des entreprises, qu'est-ce que c'est que ça C'est aussi un concept, des espèces d'organisations humaines, ils se mettent tous comme ça, mais euh, on bosse sur des, 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 des bilans comptables, des... tout ça c'est que du concept, c'est une espèce de représentation chiffrée du monde qui n'est pas réel et on achète, on vend, on fait bouger les prix et on voit absolument pas concrètement ce que ça fait ça tu vois Et donc ça aussi c'est un, un travail inhumain. On, 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 y, enfin tu vois ça n'a pas d'impact sur le monde, on le voit pas. Et à tout, tout le toute la thèse de Graeber, c'est de dire que il y a beaucoup de boulot comme ça où les gens te disent en fait mon boulot sert à rien. Voilà, ça sert à rien et ils le font juste pour survivre est en fait, est pour ranger, de, quoi. On, on a mis des, des couches de complexité de, 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 de concepts dans le monde et du coup on a besoin d'un mec qui articule tel concept avec tel autre mais ça a aucun lien avec la réalité et finalement on pourrait juste se débarrasser des concepts j'aurais rien à faire et j'aurais plus de temps pour faire autre chose quoi. donc voilà c'est on, on pourrait aussi réfléchir à est-ce que on fait des boulots qui sont réellement humains et si c'est pas le cas est-ce qu'on peut pas juste les supprimer quoi pour ensuite essayer de faire autre chose. Alors, ça pose évidemment une question qui est, bah oui, mais ça va faire plein de gens au chômage. Alors, s'ils sont au chômage, qu'est-ce qui se passe Alors, on va en parler. Et c'est la question qu'on pose maintenant, c'est est-ce que la société est dépendante de la croissance On a la pression, en tout cas, depuis, euh, <laughs> ouais. depuis quelques... Allez, quasiment un siècle, je dirais. Euh, en fait, c'est. À la fin de la Première Guerre mondiale, quoi. Le, le système qu'on organise est, est, est plus ou moins cohérent. Donc, effectivement, euh, si tu supprimes un élément aussi essentiel que la croissance, il y a des éléments qui vont plus fonctionner. Mais du coup, ça veut dire que probablement, tu as besoin de redéfinir des tas de choses. Tu as besoin de redéfinir la manière dont fonctionnent tes institutions. Tu as besoin de redéfinir comment fonctionne ta comptabilité, etc. pour que tout soit cohérent à nouveau si tu changes d'objectif. Mais on, on, on va essayer de, de comprendre où sont les blocages, là, justement donc la première chose, c'est de dire, ah oui, mais la décroissance, c'est l'appauvrissement. donc, vous organisez avec de la décroissance, avec, avec un pib qui est plus faible d'année en année, euh, vous organisez en fait l'appauvrissement de l'humanité. alors, le truc, c'est que le pib, c'est quoi? c'est la somme des revenus. c'est ce que... il y, y a trois manières de calculer le pib. c'est soit tu fais la somme des revenus de la population, soit tu fais la, la somme des dépenses de consommation de la population et d'investissement, soit tu fais la somme de la valeur ajoutée. bon, alors, peu importe les deux derniers, on va rester sur les revenus. Je gagne 2000 euros par mois, d'accord Et le mois d'après, je gagne 1500 euros. Bah, c'est une baisse du PIB. Mais est-ce que je m'appauvris A priori, non. Tu t'enrichis moins vite. Voilà, je m'enrichis moins vite. Avant, je gagnais 2000 euros, donc je m'enrichissais à la vitesse de 2000 euros par mois et maintenant, je ne m'enrichis plus qu'à la vitesse de 1500 euros. On ne te demande pas 1000, de etc. payer 1500 euros pour aller travailler. Non, c'est ça. Donc, ce n'est pas que je m'appauvris, c'est que je m'enrichis moins vite. D'un autre côté, ça, c'est une vision un petit peu, euh, tu vois, donc baisse du PIB égale baisse de la vitesse d'enrichissement. Mais d'un autre côté, c'est une vision un peu simpliste parce que, en vrai, qu'est-ce qu'il y a dans le PIB bah, Il y a toute une partie qui correspond à une production qu'il faut renouveler. Donc là, tu peux penser à la nourriture, par exemple. Est-ce que produire de la nourriture, c'est s'enrichir Ben bah non, produire de la nourriture, c'est juste survivre, tu vois. Tu en as besoin pour survivre. Donc, c'est mal exprimé. Le PIB n'est pas que l'enrichissement. Le PIB, c'est aussi plein de choses qu'il faut produire tous les ans, euh, notamment la nourriture, mais, euh, ou les services de transport, les services de soins, les... etc. On a aussi la maintenance de l'existant. Donc typiquement, euh, ok, on a construit une maison, mais enfin derrière, il faut la maintenir la maison, sinon elle tombe en ruine. Donc tu as aussi toute une partie de ton flux de PIB qui sert à maintenir l'existant et ça c'est pareil tu en as besoin tu ne peux pas t'en passer à moins de se dire OK cette usine là j'en veux plus parce que c'est une usine à charbon donc je la laisse tomber mais sinon il te faut il faut maintenir l'existant ensuite tu as tout ce qui est l'investissement donc c'est les nouvelles machines les nouvelles usines et là pour le coup on peut se poser la question est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que c'est vraiment utile est-ce que ça répond aux neuf les besoins de tout de, à l'heure voilà est-ce que c'est du travail humain et ensuite on a tout le reste et là aussi, tout le reste, euh, ça peut faire de la consommation. Et eh ben, ça peut faire beaucoup. Et on peut aussi se poser la question est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est nécessaire euh, Ok. Alors, un autre truc, c'est que la décroissance cause le chômage. Ah, le retour du, du, du schéma. Voilà, le retour du schéma. Alors, là ici, c'est un truc qui est assez intuitif et facile, je pense. Si on baisse la production, et eh ben, on baisse la consommation et l'investissement. D'accord. Donc, il y, y a moins de machines. Pour faire grossir la taille de l'usine et il y a moins de produits à vendre à la population puisque l'usine a produit moins. Mais donc du coup, puisque l'usine produit moins, elle a besoin de moins de travailleurs à embaucher et donc forcément, eh ben, on va se retrouver à avoir plus de gens exclus. Donc on a une hausse du chômage. Alors, on a moins de travailleurs et plus de gens qui sont exclus. Alors. Évidemment, aussi, et c'est le but, on se retrouve à avoir moins besoin d'énergie, moins besoin de matières premières, moins de pollution. Donc là, on décroît, on de, mais voilà. euh, ça crée du chômage. Voilà. Donc on décroît, c'est bon pour l'environnement quelque part. Et c'est ce qu'on va constater probablement quand on va avoir tous les chiffres de ce qui s'est passé pendant toute cette période de Covid. De Covid, ouais. Ça euh, a créé ça, en fait. Ça, 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 ça a créé de fait cette situation. Ça a créé ça, exactement. Donc comment on se sort d'un truc pareil Eh ben, tu augmentes tes redistributions. Donc à un moment donné, tu es obligé de, de, de dire. Euh, je produis moins dans l'usine, d'accord, et, et, et du coup il y a plus de gens qui se retrouvent sans boulot. Et ben, il se trouve que le salaire de ceux qui travaillent il va baisser, donc ils pourront consommer moins, et, à, et on va utiliser ces baisses là pour redistribuer à ceux qui, du coup, n'ont plus de taf, mais qui doivent quand même avoir accès à, aux ressources qui ont été produites, à, aux richesses qui ont été produites par l'usine. Donc là, c'est une idée de dire, en fait, tu es obligé d'en passer avec la, la, la décroissance, tu es obligé d'en passer par une réduction importante des inégalités, des écarts de rémunération, euh, enfin en tout cas d'accès à la monnaie, euh, entre les plus pauvres et les plus riches. Parce que tu produis moins et il faut que tout le monde ait ce dont il a besoin. Donc clairement, tu vas... Les yachts, c'est fini. Euh, quatre appartements, c'est fini. Euh, tu vois, six Porsche Cayenne, c'est fini. Euh, ouais, Qu'est-ce qu'on va devenir ouais, voilà. C'est quoi le projet de vie dans tout ça alors Ça va être difficile. Mais donc, clairement, tu as besoin de réduire l'écart. C'est pour ça que, avec l'idée de décroissance, on a une idée forte de euh, c'est et social et environnemental. Les deux vont, vont de pair. Mmh. Ensuite, on a aussi la réduction de la durée du travail. Donc une solution, ça peut être de dire, bah, finalement, j'ai besoin de moins de monde dans l'usine. Bon, bah, je les fais travailler deux fois moins longtemps. Et puis comme ça, tout ça tout le tous le monde ceux a du qui travail. sont exclus, ils ont du boulot. Alors là, le oui. truc, c'est pareil, tu vas dire, ah bah oui, mais si on est à temps partiel, notre revenu, il est divisé par, par deux. Eh bah ben non. Là encore, tu réduis les écarts entre les riches et les pauvres, ce qui permet de payer quelqu'un au SMIC à temps partiel suffisamment pour qu'il ait accès à tout. Et du coup, à l'inverse, celui qui avant était au dessus, bah maintenant, il est beaucoup moins au dessus il est quand même au-dessus, mais il est beaucoup moins au-dessus qu'avant. Donc il peut aussi moins consommer. Ensuite, on a euh, l'idée que de toute manière, dans le mécanisme de la croissance, il y a un problème qui va augmenter le chômage. En vrai, la croissance économique produit du chômage. Alors ça, c'est un truc, où on te dit, il faut faire de la croissance, sinon on ne va pas résoudre le problème du chômage. Mais en vrai, faire de la croissance, ça augmente le chômage. Alors vas-y, vas justifie-toi, bonne chance. Comment ça marche C'est une idée de productivité du travail. Euh, le, le, on n'arrête pas de parler de la productivité. Il faut être plus productif, plus productif. Mais c'est quoi la productivité C'est le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le nombre d'heures travaillées. D'accord Donc c'est euh, combien une heure de travail fabrique de non, chiffre d'affaires ou de ventes pour l'entreprise. Donc qu'est-ce que c'est que les heures de travail Enfin, la productivité, c'est le prix du produit multiplié par la quantité divisé par le nombre d'heures qu'il a fallu pour le produire. Et donc du coup, comment tu fais pour augmenter cette productivité bah, Tu peux augmenter le prix. Sauf que, attention, si tu augmentes le prix sans augmenter la qualité, c'est de l'inflation, donc on l'enlève. d'accord Dans le PIB, quand on calcule le PIB, on enlève toujours l'inflation. Donc il faut que ce soit une augmentation de qualité. Là, ça te montre aussi qu'il y a une limite dans la mesure économique, parce que comment tu fais la différence entre une hausse de prix sur un objet et une hausse de qualité eh ben, bon courage, c'est impossible. Le donc, PIB c'est pas faire la différence. Ouais. Fait. Bah non, personne peut, donc c'est totalement soit c'est tout le temps des tomates. Et là tu es sûr que la hausse de prix c'est une inflation À moins que ça devienne des tomates bio et là une tomate bio ça vaut combien en plus avant qu'on appelle ça de l'inflation Eh ben aucune idée et donc si on... c'est y a quelqu'un qui pose ça qui c'est un peu arbitraire, et, puis, et voilà. il dit voilà, la, la règle c'est ça quoi. Tu dis Ah putain, l'iPhone 12 il vaut 100 balles de plus que l'iPhone 11. Est-ce que c'est de l'inflation Est-ce que c'est de la qualité Est-ce que c'est un peu des deux bah, Tu vas dire par défaut, c'est de la qualité. Voilà. Et puis... On va quand même pas retirer du PIB, il ne faut pas déconner. Voilà. Donc, bref, j'en reviens à mon schéma. Euh, l'autre moyen, c'est d'augmenter les quantités produites. Ça, hein ce n'est pas trop vraiment ce qu'on souhaite maintenant. Bah, voilà. Euh, et ensuite, l'autre moyen, c'est de diminuer les heures travaillées. Donc, diminuer les heures travaillées, c'est la méthode principale utilisée. Cette méthode, en fait, c'est quoi Là, j'ai perdu un. Voilà, c'est quoi bah, C'est la mécanisation de la production. C'est-à-dire que tu passes de cette situation-là à cette situation-là. C'est plus fais... de machines, moins d'humains. Voilà. Plus de machines, moins d'humains, et donc chômage. Et au final, tu aboutis à ce genre de truc qui te dit, bah, en fait, pour avoir une baisse du chômage à droite, il faut que le PIB augmente plus vite que la hausse de la productivité et la hausse de la population. Donc croissance. Donc croissance. Donc croissance obligatoire. Et donc pareil, pour résoudre ce paradoxe-là, bah soit t'en passes par euh, une réduction euh, des heures de travail, mais par personne. C'est-à-dire tu dis c'est fini les 35 heures par semaine, c'est maintenant c'est 20 heures par semaine. tu vois. Et comme ça tu es obligé d'employer plus de gens. Mais toujours pour t'en sortir de ça, tu vas être obligé de, de réduire tes inégalités, de dire maintenant le gap peut être plus et Mais parce que tu ne peux pas baisser pauvres, le salaire des pauvres, c'est pas l'idée, c'est de prendre bah non, sinon aux riches... ils ont plus accès sinon en fait tu, tu rebrides euh, ton économie et tu rebloques tout le système voilà. tu peux pas être en dessous d'un certain montant c'est quelque en fait. part tu divises les, le nombre d'heures travaillées de tout le monde simplement le salaire de ceux qui sont en bas, ils ont beau avoir moins de temps de travail, ils même. sont payés toujours pareil. Par et contre, c'est ceux qui sont dessus. Qu par contre, tous ceux qui sont, ils sont dessus, eux, ils sont divisés par deux en revenus tu vois. Alors évidemment, après, tu, tu vas organiser ça de manière graduelle, et le but, c'est d'aller chercher dans les 1%, les 0,1%, les ceux qui sont vraiment plus hauts, parce que à ah, Bernard, quoi. Tes écarts de, de, tu de pas revenus. Pas tes plafonds, éventuellement. Mais... C'est ça, tes écarts de revenus. Quand tu regardes dans le top 1% des revenus, en vrai, tu as des écarts absolument énormes entre ceux qui sont au, au début des, euh, des, des 1% et ceux qui sont tout à la fin, et c'est complètement exponentiel. Mmh. Donc c'est là où tu veux réduire euh, l'écart, et pas forcément euh, euh, pour, pour les gens qui... Bah en fait, ouais, on, a, on, en a par, on en a parlé avant, on se demandait combien ça ramènerait d'argent de... De, de, de limiter, de plafonner les salaires à un, à un montant maximal, genre de 4-5 000 euros par mois, en disant bah voilà, c'est le salaire maximal. Combien on récupère en faisant ça de tout le reste des gens qui sont au-dessus de ces budgets-là, donc qui sont vraiment les très riches en fait. Et hein. quelque part, c'est pas c'est pas juste les, les salaires en fait. Là, ce qu'il faut caper, clairement, les, les plus riches, eux, ils ont des aussi dans leur dans le pouvoir d'achat. Non non. Ah oui, dans leur capital. C'est le cap, les revenus du capital qu'il faut qu'il faut aller chercher, voire même les niveaux de l'héritage. C'est-à-dire que, que l'héritage pour oui, les plus parce que riches... Oui, faut, faut taper dans les rentiers aussi. Il faut, 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 faudrait presque aller jusqu'à dire c'est pas possible de transmettre à ses enfants plus que X millions d'euros. Tout ce qui est au-dessus, c'est redistribué à la population. Donc, tu vois. Il y a euh, un genre de, de, de richesse maximale. Et quand tu dépasses ce, ce stade de richesse maximale qui hum. prend en compte donc, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu gagnes en travaillant, plus. Ou les revenus de ton, ou capital, les revenus de ton capital. Il te faut un plafond. Voilà, tu as un plafond. On te donne un petit diplôme. Tu as gagné voilà. le capitalisme. <laughs> tu as atteint oh, le ça. niveau maximal. T es, t es, t es, euh, tu tu t'es niveau 60. Félicitations. Tu ne peux plus upgrader tes items. Désolé. Euh, ouais, voilà, T'as fini le jeu. as fini le jeu. As fini le jeu ouais. Mais félicitations, c'est cool. Mais mais maintenant, tu contre, peux quoi, regarder bah, tous les gens qui sont voilà, sous, sous toi et essayer de les aider. Essayer de les aider et tu vas les donner de l'or à ceux qui débutent. Pourquoi pas. Pour aller. Moi, je trouve ça très joli. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors après, je. de de. D'imager hein, ton propos pour le l'ancrer un petit peu. Je, je vulgarise pas aussi bien que Gilles, mais, hein, part... mais j'essaie d'appréhender de, 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 ce que ça, ça engendre en fait. Mais quelque part, ça, ça va dans le sens de l'idée de dire, on vit sur une planète finie, donc à un moment donné, oui, il y a un niveau maximum. Pour, oui, pour tout le monde, y en fait. planète, Il y a une seule planète, donc de il, toute façon, il y, a une il y aura une limite pour tous. Et, et oui. en plus, cette limite, on peut la faire varier dans le temps. Oui, bien Parce sûr. Parce qu'on si on peut dire, si on est plus nombreux, es... bah, la limite maximale risque de baisser. Voilà. Si, euh, si, on si on stabilise les notre population, et tout, si on améliore notre technologie, on si... peut augmenter. ton... Voilà, voilà c'est ça. On peut ouais. le réguler au fur et à mesure de, de notre de notre niveau maximal de de, de de survie en fait sur la planète, quoi. Ouais. En disant, bah, voilà, là, on est notre niveau maximal. C'est celui-là actuellement pour que tous les humains vivent à peu près dans de bonnes conditions. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça en vrai assez formidable. Mais euh... alors, c'est mais... difficile à définir après. Quand oui, voilà, parce qu'on ne sait pas exactement plus, ce qu'il faut faire. Mais, euh, mais, mais ça C'est toujours pareil. C'est le phare. Comme tu as raison, ouais, c'est voilà. le phare. C'est l'idée. Euh, et c'est pas économiquement non viable, quoi Non, il n'y a, a pas de raison que ce soit économiquement non viable. Alors, il y a peut-être euh, dans le système actuel, avec les normes actuelles, avec le fonctionnement actuel des institutions, c'est peut-être pas viable. Mais encore ah. une fois, tout ces... bah au pire, il faut les changer. Voilà, c'est des ces règles humaines. C'est voilà, transformable. Donc, ensuite, il y a. Il euh, y, y a presque de l'espoir envie... dans ce live, hein, profitez-en. Il y, y a un truc que j'ai envie d'aborder c'est le coup de. Ah, mais oui, mais on ne peut pas faire la décroissance, sinon on n'arrivera jamais à rembourser la dette. Et Parce notamment que ça, c'est une les... question récurrente. Hein. Notamment les intérêts de la dette. Alors, ça, c'est un truc euh, qu'il faut euh, en partie débunker. Euh, alors, l'idée, c'est ça c'est euh, je me fais prêter 100, donc je dois rembourser 100 plus 5 d'intérêts. Donc du coup je dois emprunter 105, et mais après je dois rembourser 105 plus 5,25. 5%, 25, 5 de 105%. Mais donc du coup, je dois emprunter 110,25, donc je dois rembourser 110,25 plus 5,5 d'intérêt. Mais du coup, je dois emprunter 115, etc. Et ça part en exponentiel. Et tu dis, ah oh, bah ben voilà, on est obligé de faire la croissance ad vitam aeternam. Sinon, on ne pourra jamais rembourser la dette. Alors déjà, là, il y a un problème dans le raisonnement. Je pense que tu, tu, tu l'avais vu quand bah, j'étais. Il suffit d'avoir fait un crédit dans sa vie pour savoir que ça ne marche pas comme ça, en fait. Alors, déjà, et puis, euh, le, donc, Parce que les intérêts, ça ne se rembourse pas du tout voilà, C'est déjà plus proche voilà. de ça L'erreur dans le raisonnement, c'est bah oui, mais euh, en fait, euh, si je dois rembourser 100, on m'a prêté 100, je dois rembourser 100, il me manque 5, il me manque les intérêts. Donc, j'emprunte les intérêts, mais derrière, euh, je dois rembourser les intérêts plus les intérêts des intérêts, 0,25, etc. etc. Et en fait, ça converge vers 0 très vite. Donc, premier point. Mais même ça, en fait. Euh, c'est pas réaliste parce que, euh, ben parce que ça marche pas ça marche pas comme ça non plus. Quand on raisonne, quand on se dit quand je, je me fais prêter 100, et je dois rembourser 105, euh, c'est faux parce que je mélange des flux avec des stocks. Un prêt c'est une création de monnaie. Alors un prêt bancaire c'est une création de monnaie, d'accord Donc je crée un stock et un remboursement c'est une destruction de stock. Je détruis la monnaie, je détruis les 100. Le 5 de paiement des intérêts c'est une circulation de monétaire. Et là, vrai, il y a un échange vraiment entre ce que vous appelez des agents voilà, dans le système économique. Donc on peut le voir à, avec un exemple. Donc là, on est toujours dans l'idée euh, prêter 100, rembourser 100 plus payer 5. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas dire euh, je rembourse les intérêts. Tu ne rembourses pas les intérêts, tu rembourses le, prêt. le principal. Et tu, paies des les, tu payes des ça, intérêts. Ça, c'est le coût vrai. de ton argent. Un truc que j'ai dû dire dans une vieille vidéo, euh, on rembourse les intérêts. Grosse bêtise. Grosse erreur. Euh, les intérêts, c'est ce, ce qui te permet de faire tourner les banques. Voilà, c'est ce qui paye ton banquier. Donc là, on prend l'exemple de j'ai un banquier euh, à gauche avec sa moustache et son chapeau. J'ai euh, Homer et j'ai un artisan qui fabrique des cannes à pêche. Donc, premier truc, Homer a envie de pêcher. Donc, il prend un crédit et on lui prête 100. Alors, les 100, ils sont créés. Ils sont fabriqués, ils n'existaient pas avant. Donc Homer a 100, il les donne à l'artisan et en échange, il a une canne à pêche. Avec cette canne à pêche, il va pêcher des poissons qu'il va vendre à monsieur l'artisan. Donc, tac, on se retrouve dans cette situation-là, puis poisson consommé, on pêche un nouveau poisson, tac, on le vend à nouveau, etc. etc. Et on se retrouve avec Homer qui récupère les 100 balles de l'économie. Okay il a toujours une canne à pêche. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il va payer les intérêts. Donc, il va payer son banquier. Tac, il lui donne cinq. Okay, mais du coup, les intérêts sont remboursés. Les intérêts sont payés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le banquier avec les 5 bah, Il va euh, consommer du poisson. Tac. Les 100 sont de nouveau de retour chez Homer. Et ensuite, avec les 100, le poisson consommé, et avec les 100, Homer peut rembourser son prêt. Et donc voilà, maintenant, on n'a plus d'argent dans l'économie et on a bien remboursé le prêt et payé les intérêts. Donc. Euh voilà, il ne faut pas confondre un flux avec euh, des histoires de stock. C'est pas la même chose. Si on fait la somme de toutes les transactions qui ont eu lieu dans mon petit exemple là, on se Il que mettre en, en plein écran pour Il faut voit mettre bien. en plein écran. On a l'achat de la canne à pêche, 100. On a l'artisan qui mange du poisson, 100 euros ont été échangés. On a Homer qui paie les intérêts, 5 ont été échangés. Et on a le banquier qui mange du poisson, 5 ont été échangés. Si on fait la somme des flux, ça fait 205. On a fait 205 de flux avec 100 de monnaie. Voilà. Donc. Voilà, ne pas confondre euh, les flux avec le stock. La, la quantité d'eau te donne pas euh, la, la vitesse la, du courant. Te donne pas euh, la, la quantité d'eau qui va passer à un endroit parce qu'il y a du courant. C'est toujours la même mmh. quantité d'eau qui tourne, tu vois. Voilà. Donc il euh, n'y euh, a pas nécessairement un, 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 comment, une, un problème entre euh, les histoires de décroissance et les histoires de remboursement de dettes. Alors par contre, par contre, par contre. Euh, C'est clair que euh, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas quand même une, euh, un problème avec cette histoire de décroissance, c'est-à-dire que si on garde le système comptable tel qu'il est, avec les obligations de faire des bénéfices, euh, etc., euh, on se demande si quand on fait de la décroissance, on ne va pas tomber dans une boucle de la mort infernale où on va se, on va se taper une décroissance euh, euh, non contrôlée parce que les entreprises vont tomber comme des mouches, faire faillite les unes après les autres. Et en fait, il y a des modèles qui sont créés. On essaye de comprendre ce qui pourrait se passer, mais ça reste très, très difficile à dire. Parce que tu es obligé de simplifier les modèles et en simplifiant, tu perds le degré de finesse qui te permettrait justement d'être sûr qu'il que, qu y a un problème ou qu'il n'y en a pas. Euh, mais quelque part, il faut garder à l'esprit que le système comptable, on a la main dessus. S'il faut le changer, on le change. Le système de création monétaire, on a la main dessus. S'il faut plus d'injections monétaires de la banque centrale ou je ne sais pas quoi, eh ben, on peut le changer aussi, tu vois. Voilà, je pense que c'est... Parce que dans tout ça, on ne détruit pas les systèmes de banque centrale, les banques, la finance, les marchés financiers. Ils peuvent survivre à ça bah, C'est ça, ça la grande question. Euh, les marchés et... financiers seraient plus en danger que les banques et euh... les banques centrales, je suppose Alors, euh, oui, sûrement. Mais Un en marché... fait, enfin... quelque part, la réponse, c'est que euh, c'est très compliqué. C'est pas facile de savoir et quelque part euh, euh, c'est vraiment pas facile de savoir. <laughs> Je te et, crois. Et, et quelque part en fait l'idée c'est de se dire euh, on, on s'en fout dans le sens où de toute façon c'est pas ça l'objectif donc allons-y et euh, si jamais on se rend compte que ça marche pas au niveau des marchés financiers bah là on va se rendre compte du problème et quand on se rend compte du problème il faudra essayer de le résoudre en, en faisant bouger les paramètres sur lesquels on a la main c'est-à-dire le fonctionnement des institutions, les règles comptables, la manière dont la monnaie est créée. Mais garder comme objectif que ce qu'on ne qu peut pas faire changer, c'est bah, les lois de la physique. Donc, on veut émettre moins de gaz à effet de serre. Et on essaye de garder nos neuf critères de bien-être pour, pour les êtres humains. Tu vois. Non, c'est bien. Mmh. Je trouve ça très clair. Bon, voilà. Bah ça conclut, euh, je pense, le, tout ce que je voulais raconter. Euh, Est-ce qu'on est à moins de 4h16 ouais, euh, On est pas <laughs> mal, on est pas mal. Il est, euh, ça va faire deux heures et quart, donc ça va. C'est pas mal. Ça va. On est dedans. Surtout, c'est que ça va nous permettre déjà de répondre bien sûr euh, au Stropole. et puis ça va nous permettre de prendre des questions euh, du chat parce que je pense okay. que ça doit bouillir euh, dans le chat euh, après euh, après cette, euh, cette démonstration. Alors je ne sais pas si. Dort. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et et surtout, euh, je trouve que c'est. Pourquoi les lives du Vortex sont longs C'est parce qu'on essaye d'expliquer les choses le, le, dans le détail pour pouvoir en discuter. Parce que le problème, souvent, est, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu la, le cas d'être invité sur un plateau télé, mais faire ça en cinq minutes, non. tu ne peux pas, en fait. Tu vois, c'est inenvisageable de résumer ça. Ou alors, tu vas avoir un débat d'experts. Les deux experts savent de quoi ils parlent. Tu vois. Si, euh, vous, si tu parles taxe carbone avec, avec quelqu'un, bon bah vous avez les mêmes. Euh, Sauf que vous allez vous battre sur des trucs qui ne servent à rien et que le grand public ne va pas du tout comprendre et ça va se jouer que sur qui était le plus convaincant euh, sur le ça, plateau, qui euh, a le mieux contrôlé qui... ses émotions, voilà, c'est mieux... ça. Et en fait, on est tout sauf dans la compréhension du problème et purement dans l'émotion. Dans, dans et c'est ça que cherche aussi d'ailleurs la télé, le divertissement. Bah oui, fait du, c fait des... euh, vous êtes moins nombreux de à nous maths. regarder que, 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 que plein de choses, mais euh, j'espère quand même que euh, ça, ça peut avoir un jour son impact et que. Que, euh, on puisse aussi euh, partager euh, des, de nouvelles idées. Ça prend un petit peu de temps de, 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 les, euh, de les vulgariser, de vous les partager. Mais je ne doute pas que ça vous a fait euh, réagir euh, dans le chat, que, que vous êtes intéressé par le sujet. Et euh, de toute façon, qu'on veuille ou non, euh, ben il va falloir ralentir. Et ce que, je, qu on, ça, on va le subir ou on, on va le, le, le contrôler. Mais la réduction des gaz à effet de serre. Euh, et, la, et, la, et la sauvegarde de notre environnement sera de toute façon nécessaire parce que là, les contraintes de la physique euh, vont arriver quoi. Qu'on le veuille ou non, euh, ça, ça va être euh, compliqué. Après, on peut, on peut, moi, je mise sur les extraterrestres perso, mais euh, ça, ah ouais. <laughs> ça, ce serait cool. Hein. Ouais, ils arrivent, ils font. Ils arrivent non mais c'est bon. Les gars. Écoutez, on prend la main, vous inquiétez. Pas, vous n'avez ah, pas de moteur à énergie euh, énergie négative, mais c'est ça votre problème donc, de depuis façon, le vous début. passez tous dans la porte là. On voilà, emmène sur bon. notre planète. Ouais, est Elle est dix fois plus ah. grosse, c'est ah. la même gravité, <laughs> c'est l'été tout le temps. Enfin, génial. trop bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec ou, des ressources ou, infinies, la décroissance, hein, les On années. vous amène des astéroïdes et tout c'est gratos. Euh, Est-ce qu'on ne prendrait pas, en attendant que vous puissiez poser vos questions, donc toujours point d'exclamation, question Vous mettez votre question, elles arrivent dans notre système et notre système nous permettra de les afficher ici. Est-ce qu'on prendrait pas la réponse d'Ustropol? quand même sur qu'est-ce que le bonheur parce que c'était une question importante et à montré, 67% hein. c'est être épanoui euh, à 2 c'est être entouré d'amis 12% ouais, une PS5. p5 donc une p5 ça peut remplacer les amis bah, je suis déçu alors la croissance verte PS, 5 verte. 5 verte. Et en tout cas, c'est quand on est riche. Ah, euh, en arrive en dernier. Okay. Et ça me faisait penser, on, en a, on a évoqué en préparant l'émission, c'est toujours cette idée d'argent de, 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 maximal. C'est aussi qu'en fait, à un certain montant, on atteint un niveau de bonheur maximal, on n'est pas obligé de gagner des milliards d'euros pour être heureux. Euh, le niveau de bonheur et de, 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 de niveau de vie est suffisant autour de 4-5 000 euros apparemment. Ça se stabilise quand on fait des, des études sociologiques en disant est-ce que vous êtes heureux On s'aperçoit, en tout cas est-ce que l'argent rend heureux Alors ça rend heureux très vite à un point, et au-dessus d'un certain point, ce n'est pas lui qui va faire varier votre niveau de bonheur. Donc en tout cas, effectivement... Être riche, mais jusqu'à un certain point, ça vous rend heureux et après, ça ne sert plus à grand chose. Donc, on peut te, peut-être t'enlever ce, ce surplus qui fait que tu as effectivement euh, une quinzaine de villas dans le monde et euh, des yachts et des voitures qui privent, hélas, euh, beaucoup d'autres d'un moyen de survie en fin de compte. Hein. Est-ce que euh, on est prêt pour les questions du côté du, de la régie -ce que déjà ce genre en tête ah, pardon, Thomas de Racilly euh, non, 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 vraiment pas hein. Vraiment pas du tout as, En même temps t'avais quel âge tu t avais une vingtaine d'années je suppose Quand tu faisais tes études donc tu, Je veux dire c'est ben, difficile d'avoir ouais, ce genre ça. de... Non, il y a, y a, des, y a des, des gens que je rencontre Qui sont jeunes et qui ont déjà, euh, qui ont déjà Une conscience de toutes ces choses Et c'est vraiment impressionnant, moi ça a mis du temps à se développer C'est venu quand, euh, quand je travaillais Donc quand je travaillais En, en salle des marchés et c'est là où euh, En fait, quelque part c'est là où J'ai eu envie d'apprendre, j'avais pas envie d'apprendre pas tellement envie d'apprendre quand j'étais étudiant, plus envie de faire la fête, tout ça. Et c'est que quand je suis arrivé à, à maturité, quoi, que j'ai, que je me suis renseigné, j'ai eu envie ça, de, voilà. Donc clairement pas, non. Ok. Merci Thomas pour, pour ta question. Question suivante. Euh, de N-Mug, comment sortir de cette culture néolibre, convaincre ceux qui en profitent et dirigent, expropriation des moyens de production, convaincre la BCE d'aller dans l'intérêt des citoyens et non des sociétés. Ça fait beaucoup de questions. Euh, alors, je pense... Si tu veux que... faire dans l'or, est-ce qu'on peut sortir de la culture néolibérale Cette histoire de culture néolibérale, euh, en fait, je crois que c'est en en parlant, parce qu'à mon sens... Elle n'est pas, euh, pas conscientisée. Est, on on s'en rend pas compte qu'on est dedans. C'est tellement naturel elle est et dans habituel. le lutte du monde. Quoi. Voilà, c'est ça. C est, c est, elle est tellement habituelle et naturelle qu'on se dit bah oui, évidemment, faut payer pour avoir accès à la nourriture, faut payer pour son loyer, faut payer pour tout. Et c'est normal et on ne se demande même pas parce qu'on n'a pas conscience que ça pourrait être différent. Et donc, je pense que la, la le meilleur moyen d'en sortir, c'est simplement de l'expliquer, de, le, de montrer qu'elle est là et que les gens se disent ah ouais, mais en fait, non, je suis pas d'accord avec ça. Et, et donc, déjà dès que c'est conscientisé, je pense qu'on a fait un, 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 un premier pas important. Convaincre ceux qui en profitent et dirigent euh, bah Alors là, euh, je pense que c'est. Parce que là, on fait face, on est deux sur un, un petit plateau télé dans une maison en Bretagne. Euh, il va falloir aller à Bruxelles taper sur ouais. des lobbyistes vachement plus véloces et riches que nous. Ouais, donc euh, c'est un peu ça aussi le, le, le problème, c'est que c'est forcément un mouvement qui prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, alors que du temps on n'a pas beaucoup. Donc, euh, mais je vois pas d'autres. Euh... Alors, il y a, y a des. Il y en a, a... quelques-uns qui, qui écoutent ce genre de propos oui, dans oui, les institutions, a, ils ne sont pas histoires... complètement hermétiques. Euh... Oui, puis alors il y a des histoires aussi de. Les euh, politiques plus, sont pas hermétiques à ce plus genre Plus ça, de ça se diffuse hein. dans la population, plus les gens sont contre ce discours, plus les gens reconnaissent que ce que c'est que le néolibéralisme et ce que c'est qu'un discours néolibéral. Et que ça les met de, ça les met de mauvais poil d'entendre ça. Moins on va entendre ce genre de discours, parce que les politiques veulent plaire, etc. Ils veulent se faire élire. Donc je dirais que on répond de la même manière, quoi, en, en diffusant au maximum. Expropriation des moyens de production, tu y crois euh, Alors expropriation des moyens de production, c'est quelque part... Encore une fois, je pense que euh, le néolibéralisme, même si évidemment le. Parce que on est vraiment dans le schéma inverse. Hein, je te coupe deux secondes, mais pour expliquer qu'on est vraiment dans l'opposé de l'expropriation. On a fait l'inverse. On a démonté le système public pour le privatiser. Ouais. Donc, on a fait exactement l'inverse pour l'instant. Donc, euh, alors, après, c'est l'idée de. Euh, Est-ce qu'on on sort de, de ce système de euh, j'ai le marteau, je plante le clou Et euh, la réalisation, elle n'appartient pas à moi, qui ai fait le travail elle appartient à celui qui est propriétaire du marteau. Donc, est-ce qu'on en passe par. Bah, on change ça. Et maintenant, celui qui fait le boulot, c'est lui qui est propriétaire de ce qu'il a fabriqué. Euh, est-ce qu'on dit aussi que finalement, celui qui travaille dans l'usine, il est propriétaire de l'usine et que ça ne peut pas être quelqu'un qui n'y pr... travaille pas dans, qui est propriétaire, dans le modèle que tu as que... présenté de, de décroissance, un genre, ça rentrait dans la catégorie euh, débat démocratique autour de ça. On sait que c'est ça que l'on souhaite. Si on doit en passer par l'expropriation des moyens de production. Bah, ça ça fait partie des choses qu'il faut discuter. Oui, quoi. Ça, ça peut être des trucs, tu vois, de dire à un moment donné, tu, tu nationalises certains, certaines entreprises parce que tu en as besoin pour ton projet industriel et tout. Je, je vois pas, enfin, tu vois, on est allé dans un truc on, a, on a privatisé. Je vois pas pourquoi on reviendrait oui, oui, un en arrière après. Oui, oui, euh, sortir carrément de, du capitalisme, c'est-à-dire il n'y a plus jamais de propriété privée des moyens de production. Euh... J'en sais rien. Euh... Et convaincre la, v... la BCE d'aller dans les intérêts des citoyens et non des sociétés, est-ce que ce n'est pas déjà un peu en cours C'est juste qu'elle est imprégnée d'idéologie, de, 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 BC... en fait. Ouais, c'est pas pareil. son intérêt, elle la... La, la s'en fout, la BCE, la BCE, des gens la... ou des sociétés, en fait. la BCE non est persuadée que le marché, euh, c'est aller dans le sens des, des gens. Euh, gens. C'est ça le problème. Voilà. C'est qu'elle pense faire, elle pense euh... faire ce, que les ce qui est le plus juste pour les citoyens. C'est ça, c'est toute l'idéologie. Il faut voir que dans l'idéologie néolibérale, il y a toute une justification des revenus. Et on te dit que euh, c'est une histoire de productivité. Euh, si le PDG est payé un million de fois plus que le SMICAR, bah, c'est parce qu'il est un million de fois plus productif. Ce qui n'a aucun sens. De... Ce qui n'est pas. Ce, ce qui n'est même pas, pas vrai d'un point de vue. Non, euh... ce, ce qui n'est pas absolument pas mesurable déjà. C'est pas possible de mesurer la productivité de deux travaux qui ne sont qui pas sont les mêmes. Complètement opposés. Ouais. Voilà. Soit on plante tous les deux des clous et on peut regarder celui qui les plante le plus vite ou les mieux. Mais si et là, tu on payais, peut faire, euh, euh, voilà. tu Soit moi je fais des vidéos sur YouTube et toi tu plantes des clous. Et comment tu vas savoir qui est le plus productif entre les deux ben, on va mesurer notre PIB. C'est voilà. combien tout, sur ton il faut, il faut passer par le prix de ce que tu produis. Mais le prix, c'est une construction sociale. Donc c'est pas une mesure physique ou c'est pas une mesure. Mmh, euh, tu vois. Tout à fait. Mais en tout cas, une, voilà intéressant. On va essayer de, de répondre à un maximum de questions. Euh, prochaine question. De Erwan Guillaumarches. Que pense-tu de la nouvelle stratégie de la BCE annoncée cette semaine Alors, tu es peut-être ah, pas prêt. malin. À... Si, j'ai lu. Si, 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 si Je si, l'ai lu dans le train, quand ouais, même. Ouais, ouais. Ah, la vache. Je, je me disais qu'on allait me poser cette question. Il y a des bons. <laughs> hein. Alors, moi, j'ai qui qui pas. Euh, pas euh, alors, que je me rappelle, c'est pas. C'est un peu business as usual. Euh, je crois que ce qu'ils ont dit, c'est un truc du genre, euh, oui, euh, on va faire plus de stress tests, euh, on va essayer de mettre plus de. Est-ce que tu veux mettre euh... un peu le contexte en fait parce Ah que là, oui, la oui. Chose... Alors, la, la BCE a mené, euh, euh, comment ils appellent ça déjà une, une, ils ont lancé une espèce d'étude. Euh, oh, je sais, j'ai plus le terme. Une enquête auprès de la société civile pour savoir comment, euh, ce que les gens en pensaient, ce que les universitaires en pensaient, ce que les lobbies ah, sympa. pensaient. Il faut toujours savoir ce que les lobbies il, pensent. Il faut savoir que quand, quand la BCE lance ce genre de truc, elle dit Ok, je m'adresse à la société civile, dites-moi ce que vous pensez de ma politique. <laughs> et là, à toutes les banques qui arrivent et qui disent ah, Je sais ce qu'ils pensent, les gens voilà. Et donc, du coup, euh, c'est. <laughs> c'est ça, je tu peux désolé, être sûr. Mais... Nous, nous, on, on, pas on a, du a fait tout... un straw poll sur un live, nous, et on n'est pas du tout ce que pensent les gens, ils veulent du fromage. Ouais non c'est ça ouais donc les les banques ça, veulent, ça a autant de fiabilité euh... hein du coup, du coup, alors elle s'adresse à t as, t as des ONG qui vont suivre ça, tu as euh, des politiques qui vont suivre ça, mais tu peux être sûr que tu as aussi les lobbies qui suivent ça et qui répondent et qui donnent leur avis. Tu as aussi des universitaires qui vont suivre ça. Donc là, elle avait annoncé, donc, euh, elle avait collecté les avis un peu de la société civile. Et là, elle a annoncé, elle a fait OK, bon, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. Voilà ce que, je, ce que je vais faire, comment je vais changer le truc. Donc, grosso modo, comment elle change le truc Avant, elle se disait l'inflation, il ne faut pas que ce soit au-dessus de 2% d'accord euh, donc j'essaye de, de le ramener à 2% en mode euh, je vais constamment combattre l'inflation pour la faire baisser sauf que là l'inflation elle est à quasiment à zéro depuis des années' elle est pas, elle est et donc maintenant la BCE a dit ah bah je vais combattre à la fois l'inflation quand elle est trop haute et quand elle est trop basse Chose qu'elle faisait déjà depuis... Enfin, a, Merci, la BCE. Voilà. Heureusement que vous êtes là pour répondre à ces Donc questions. Ça, c'est pas, pas ouf. Après, elle a dit, euh, je vais essayer d'intégrer plus l'environnement dans, dans mes modèles macroéconomiques pour essayer de tenir compte des risques du changement climatique et tout. Bon, tout ça, c'est un peu de la... C'est un peu ça de la... du greenwashing encore. Ah non, d'accord, c'est pire. Tu vois, c'est une idée de wow, comment euh, la, les marchés financiers vont réagir si je mets une taxe carbone de temps. Est-ce que ça va provoquer la... la c'est quoi, c'est de, de... Peu... De, euh... de la modélisation, mais un peu... C'est de la modélisation, c'est de la modélisation, mais c'est tellement difficile et il y a tellement mille façons de modéliser que c'est bon, voilà. Mais c'est toujours la même chose, quoi. La BCE se dit, ok, il faut que j'agisse, mais... Je sais pas ce qui va se passer quand je vais faire un truc et donc du coup je fais rien parce que j'ai trop peur de, de foutre le bordel partout et puis j'ai pas de mandat politique et puis moi on m'a dit qu'il fallait que je m'occupe d'inflation donc bon le climat <laughs> je sais pas donc voilà et puis euh, sinon elle a annoncé euh, bah, je me souviens plus des autres trucs euh, ce qu'elle a dit elle a dit qu'elle euh, allait qu plus de transparence probablement donc elle va nous dire maintenant jusque là elle nous dit pas combien elle achète de trucs verts et de trucs carbonés même la BCE dans son quantitatif elle nous dit pas. En fait, il y a une histoire de neutralité, c'est-à-dire que la BCE te dit j'achète des milliards de trucs. Je te dis combien de milliards j'achète d'obligations d'État, d'obligations d'entreprise, mais je te dis pas quelles obligations d'entreprise j'achète exactement parce que je veux pas Ça se quand ça de ministre à agent de la BCE Non non non, la BCE est indépendante, elle fait son elle achète ses trucs mais après elle te dit pas exactement ce qu'elle achète. Elle te donne pas le détail. Ah oui, oui, alors effectivement, elle, elle passe elle par elle les marchés. À elle achète à quelqu'un. Oui, mais elle, elle, elle achète à plein de monde et oui, personne ne voilà, sait au global ce qu'elle achète. tu vois. Okay. Chacun voit un petit bout. As mmh, des, des, personne des n'a la donnée complète, quoi. Voilà. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'elle achète. Et euh, du coup, elle le dit pas au marché parce qu'elle se dit Ah, si je le dis au marché, ils vont essayer d'acheter de, de, à l'avance ce que je veux acheter pour le prix, ah là là. Machin, de ça. Ah là là. Oui, c'est pour ne pas donner côté, des, 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 des cartes aux gens. Voilà, elle ne veut, veut pas se faire frontronner, on appelle ça. Elle ah, d'accord. Euh, dans, dans, dans le jargon. Il ne faut pas qu'on anticipe son move. Oui, c'est ça. Et du coup, elle. Alors. Désolé, hein, je fais beaucoup d'allégories avec le jeu. Hein, mais, non, non, mais as, images, as... de métaphores. Con conclusion, euh, on ne sait pas ce qu'elle euh, <laughs> qu achète. Alors là, elle dit bah, je vais essayer quand même d'être plus transparent et je vais essayer de vous dire au moins la partie qui est vert dans ce que j'achète. Parce que taxonomie verte. Mais encore une fois, elle ne va pas te dire ce qui est carboné parce que pas de taxonomie carbonée. Donc euh, voilà, c'est OK, c'est déjà ça, mais enfin ça ne change pas grand-chose. Et puis, euh, je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre, je ne me souviens plus maintenant. Mais enfin, c'est pas. Euh... Ça va pas tout changer. quoi. C'est pas ouf. Par rapport à tout ce qu'on avait dit qu'elle pourrait faire, euh, je crois qu'il y a à peu près rien dans tout ce que j'ai listé. Qu ça fait un peu convention citoyenne euh, sur le climat où euh, il y avait plein d'idées. Ouais. Parce qu'on on, on vous, voilà, vous a consulté. Mais c'est pas mais... grave, on va rien faire. Mais vos idées sont pas terribles. Voilà. Désolé, ça rentre <laughs> pas dans tirant. notre. <laughs> ça ne fit pas le néolibéralisme. Désolé. À <laughs> les prochaines questions. Une question de Christophe Gilles qui nous dit euh, crois-tu vraiment que le modèle de décroissance est réellement applicable à un niveau mondial Bah ouais, moi je vois pas pourquoi il le serait pas. Après, euh, c est, c est, tu veux pas supprimer les états non quel, plus À quel niveau, enfin, applicable, euh, ça veut dire quoi euh, moi, je pense qu'il est applicable et que euh, on, peut tout à fait, euh, on peut tout à fait, avoir une société euh, organisée là-dessus en se demandant vraiment ce dont on a besoin, en répartissant mieux, etc. Je pense que oui, ça c'est possible. Après, euh, comment on passe de la, de maintenant à euh, une fois que c'est possible Oui, ça effectivement, c'est c'est compliqué. J'ai absolument aucune idée de euh, comment on pourrait réussir à faire un truc euh, pareil, quelles vont être les étapes. Et je, je, oui, ça, je, je suis pas capable de me l'imaginer. Non, c'est clair. Mais c'est pas pour ça que euh, ça n'arrivera pas. Quoi. Le monde est ultra complexe. Euh... Oui, je ne suis pas capable de dire comment non ça va évoluer. Euh, tu exactement. fais peut-être ton, peut ton, de... ton, ton, ton Norman Friedman. Ah oui, oui tu gardes tu, tes tu, idées. Tu gardes tes euh, idées jusqu'au moment euh, à, où, euh, où, où on va vraiment se dire de toute façon on va décroître. Voilà. Et là, tac, ton... tu fais attendez les gars, ton Moi, mon... regardez, paf, ouais. j'ai le gros dossier. Ouais. Euh, si vous voulez appliquer ça, en théorie, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Et là, on pourra se rappeler de Reagan et de Thatcher. <laughs> tu et et question suivante. No bon. <laughs> Terrible phrase. Ouais. D'Orélien B. Euh, tu as étudié les monnaies locales complémentaires. Un avis. D'ailleurs, on, on en a une ici. Euh, J'ai pas pas trop étudier les monnaies locales complémentaires. Je sais même, même pas ce que ça veut dire complémentaire. Complémentaire. Bah, je pense que c'est les monnaies locales en fait. Tu sais, c'est de l'argent que tu ne peux dépenser Donc, que euh, dans ta commune ouais. et dans les commerces euh, pour faire de. Alors, moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir euh, des monnaies locales. Je pense aussi que ça, malheureusement, je crois que c'est pas possible. En fait, tout l'intérêt d'avoir une monnaie locale, c'est notamment de pouvoir avoir un contrôle sur la quantité de monnaie. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas possible en France. Je crois que tu es obligé d'avoir un euro de monnaie locale qui correspond à enfin, un euro ligne. réel. Voilà, un euro ouais, réel. Ouais. Et il faut mettre des euros réels de côté pour pouvoir obligé. mettre des monnaies ouais, locales fait, en circulation. Ça. Alors, ça, ça te permet de, de faire en sorte que tes euros restent dans ta commune et dans ton. Voilà. Mais quelque part, si tu voulais vraiment. Ça pouvoir... empêche l'épargner aussi. Hein. Ouais. Bah, euh... Tu peux pas. Tu, parce qu'en en fait, ils ont une date de validité. C'est comme un ticket restaurant. D'accord. tickets restaurant, c'est de l'argent. Ça, ça c'est pas si mal du coup, parce que ça t'empêche de, ça t'empêche de mettre de côté, donc ça. ça te force à ça faire te force circuler, à faire tourner l'économie euh, locale. C'est ces pas bête. Des... Un autre truc qui serait vraiment bien, ce serait de permettre une, une forme de création monétaire pour pour pouvoir développer des, tu vois, pour pouvoir développer des choses localement quoi. Et, voilà. et tu vois, avoir des projets de long terme, etc. Parce qu'en plus, si, si tu peux pas l'épargner, si tu peux pas. Tu ne vas peut-être pas pouvoir euh, mettre de côté une cagnotte jusqu'à ce que tu es suffisamment pour développer un super projet que tu avais en tête. Non, oui, euh, tu peux pas. Mmh. Ou pour alors tout, tu voudrais que euh, l'on puisse s'endetter avec un genre de monnaie locale. Voilà, ouais, avec une forme de, de création monétaire. Je pense que ce ne serait pas... La BCE, le régional. Ouais, mais non, mais <rit> eh, quelque part, les, les banques, encore une fois, une banque privée, ça crée de la monnaie. Tu as un, un économiste qui te dit, euh, en fait, rendre la monnaie complètement publique, ce serait une connerie. Parce que les États... Ils sont tellement centralisateurs que euh, ils sont tellement, tu vois, depuis mmh. Paris que du coup, ils ne verraient pas les besoins locaux dans des et quelque part les banques les banques euh, locales. locales tu vois vraiment la banque du coin de la rue là ah bah ici on a eh bah le des banquier Mutuelles de Bretagne bon, le est banquier, un truc monstrueux parce que en fait c'est gigantesque et c'est comme les autres banques mais mais quelque part les petites agences le banquier de l'agence oui, il, la il, il achète sa baguette au même endroit que toi il est complètement au courant que la piscine euh, il y a vraiment un truc à refaire il sait que ça oui, il envoie sûr. ses enfants dans la même école et du coup il est complètement au courant de ce qu'il a besoin de développer etc et c'est pas faire, débile hein. d'avoir une forme de création monétaire qui soit à cet échelon-là, tu vois. Oui, Le fait. problème de pas mal de banques aussi, c'est que la banque qui crée la monnaie, les agences comme ça, elles sont contrôlées par euh, encore une fois les agences de Paris, qui s'intéressent beaucoup plus euh, au marchés financiers machin, qui vont du coup faire freiner toutes les petites agences et les business. Et puis c'est pas dans leur pouvoir. Hein. Sûr. Enfin, Donc maintenant, je sais que, bon, si tu côtoies des banquiers. Euh, ils s'intéressent à tes projets, mais c'est aussi des commerciaux plus que véritablement oui, voilà. des financeurs. On leur, on leur donne des objectifs de rentabilité. Ouais, il faut qu'ils soient toujours. Ils plus ont une des pression fricains, énorme. En tu fait tu temps. Temps. Donc euh, alors, là, euh, mais mais fondamentalement, euh, c'est pas forcément débile d'avoir un truc qui soit euh, pas public euh, avec la création monétaire. Ce qui, là où il y a peut-être un problème, c'est le fait de la rendre uniquement privée. Et d'avoir rien qui soit public. Mais mais avoir tout public, c'est pas forcément super aussi. Les politiques, ça peut exploiter à fond le pouvoir que tu as. Comme si non jamais. Ils n'oseraient pas. Ils n'oseraient pas. Ils ont été élus. Désolé. Question suivante. C'est intéressant. Une question de Le Trappiste. Il dit quelle différence entre décroissance et récession. Aucune. Ah ouais. Enfin, si, bah si. Ah. Alors, la, la décroissance, elle est. C'est joli. En la, fait, c'est la... la version verte de la récession. La décroissance, normalement, tu la contrôles. C'est-à-dire que tu choisis ce que tu veux moins. Et alors que la récession, la récession. Tu, tu la subis. Elle est pas homogène. Les gens perdent leur taf. Ils passent à zéro en revenus. Ils sont vraiment dans la merde. Alors que d'autres perdent pas leur. Voilà. Alors que la décroissance, tu vas essayer de la contrôler pour que, certes, on produit moins, mais ça ne diminue pas la qualité de vie, même, voir ça augmente la qualité de vie de ta population. Question suivante. De Magic Crazy. Bonsoir. Est-ce que le RBI ou les limites d'écart de salaire comme dans certains pays euh, scandinaves sont des utopies ou des moyens viables pour arriver à une forme de décroissance Donc on ne t'a pas entendu, tu n'avais pas le micro. C'est revenu de base, c'est ça pour les RBI Revenu de base et le I Je ne sais euh, pas, je dirais que c'est revenu de base. Hein. C'est soit de, 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 soit de la notion de la, du salaire à vie, soit du revenu de base, je suppose. Ouais. Je ne pense pas. Du coup, International euh, peut-être Ouais. Alors, euh, oui, oui, bah, en fait, on l'a dit, euh, à partir du moment où tu... En fait, à partir du moment où ton objectif... Euh, C'est revenu de base inconditionnel. Inconditionnel, ah, inconditionnel ok, voilà, très, très bien. bien, merci, merci, euh, merci le Namek. Donc, du coup, à, à partir du moment où tu dis, euh, en fait, à partir du moment où tu dis l'usine va produire moins, tu vas être obligé de t'assurer que tout le monde puisse obtenir une part du gâteau. Et donc du coup, il y aura une part maximale. Parce que s'il n'y a pas de, ma de part maximale, euh, il y en a plein qui n'auront rien. Donc oui, ça passe par un, un, un salaire maximum, ou en tout cas un écart de salaire maximum entre le plus bas et le plus haut. Ça, je pense que c'est sûr. Et est-ce qu'il faut un revenu de base euh, inconditionnel euh, bah, Si on si ne on divise pas par deux tu vois, la, la durée du travail pour que tout le monde puisse avoir accès à un, à un emploi, euh, oui, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être une idée. Ok. Euh, question suivante. Une question de expert. Envisagez-vous d'analyser d'autres systèmes que le capitalisme, communisme, anarchisme, etc. Euh, alors, euh, oui, pourquoi pas. Moi, j'essaye en fait d'analyser de, de, ce, que, ce que je vois en fait, ce que tu vois, ce qui est autour de nous. C'est pas de... vraiment l'anarchisme et le communisme qui règnent pour l'instant. Euh... Voilà. Donc, euh, mais après, euh, essayer de comprendre comment fonctionnait, euh, par exemple, le, le régime soviétique. Le régime là. soviétique, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que tu mais, penses alors je, Parce que ça, c'est quelque chose peut-être de concret que tu connais. La Chine, par exemple. est que tu est, pour toi, c'est plus du communisme Ah bah non, oui, c'est pas ouais. de. Ah non, je bah ne pense, voilà, pense pas, pas qu'on puisse dire. Que... Mais après, euh, c'est difficile de, parce que tu comprends, c'est encore une fois, c'est la différence entre euh, une doctrine politique, euh, le fonctionnement d'un système. Euh, et de ces institutions, et euh, par exemple une théorie économique. Pour moi, c'est vraiment trois choses différentes. Si tu regardes comment marche la France, par exemple, c'est pas le néolibéralisme tel qu'il est pensé dans la doctrine néolibérale, mmh. pas complètement. Tu oui, vois. parce qu'on a une histoire qui ne nous, voilà, parce qui nous que que permet euh, pas d'y être absolument. Donc, donc voilà, donc c'est pas complètement le néolibéralisme, c'est la France, voilà, avec ses institutions, le fonctionnement de ses institutions, etc. Et après, t'as, euh, en plus de ça, un truc qui s'appelle la théorie économique, qui est celle de se représenter. Euh, une, une économie euh, capitaliste et qu'il le fait avec des équations, des simplifications, des hypothèses, des machins. Et du coup, c'est encore pas la même chose que ni la doctrine politique, ni le fonctionnement réel de la France ou de n'importe quel autre pays. Et donc, c'est trois trucs différents. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communisme-anarchisme Est-ce qu'on entend par là la doctrine politique Par exemple, le communisme tel que le pensait, je sais pas moi, Marx. Marx ouais. euh, Est-ce qu'on entend par ça le système en place euh, en Chine, par exemple, mmh. ou euh, dans en le régime soviétique. En Corée du Nord, quoi. Est... Ou est-ce qu'on entend par là euh, la, 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 la pensée euh, communiste ou marxiste, donc les modèles qui ont été réalisés, par exemple, vraiment, est-ce qu'il y a une théorie économique avec des équations, et des trucs comme ça C'est trois choses différentes. Euh, les trois peuvent être, peuvent être analysés. Oui, c'est super. Les intéressant. trois peuvent mener à la croissance ou à la décroissance. Hein. Je ne euh... je, je connais pas assez bien pour là, je, j bah En fait, c'est comment tu les implémentes qui va compter bien plus que l'idéologie euh, probablement qui est derrière. Quoi. Puis, il y en a sûrement qui sont plus ajustables, qui vont mieux tolérer le fait d'aller dans un sens ou dans un autre. Mais, euh, mais dans l'idée de ce qu'on essayait de je pense que ce que tu as essayé de défendre ce soir, c'est que c'était un peu en dehors justement de, de l'idéologie, parce que peu importe l'idéologie, va, si on veut réussir une décroissance, il faudra y passer par là. C'est un peu décorrélé d'une idéologie de euh, euh, dire euh, économique, d'une idéologie euh, sociale. Alors ouais, mais tu vois, quelque part, moi je pense vraiment que le néolibéralisme n'est pas, est pas adapté. adapté à la, à la, à la décroissance. Oui, doctrine... de... parce que son fondement, c'est la croissance. Et le... donc, forcément... son, fond... son fondement, c'est le mécanisme de marché, euh, et ne surtout pas euh, interdire la propriété privée, donc ne surtout pas chercher à redistribuer, ne ser... surtout pas chercher à limiter les salaires, ne surtout pas. Mmh. et donc du coup, on a besoin de ça. Euh, oui. Probablement pour réussir. Ah, si on n'arrive pas à faire la croissance verte, on a besoin de ça pour euh, réussir la décroissance. Donc tu vas être obligé de sortir du, de cette doctrine politique qui est le néolibéralisme. Moi, je connais pas suffisamment le fonctionnement pas... du, du communisme ben, est théorique. Ou du, Donc est-ce que c'est adapté euh, je... Réponse plus tard. <laughs> euh, question suivante. Une question de Jean-Baptiste Legros. Euh, As-tu vu la vidéo de Cyrus North sur le directeur de la Banque de France Si oui, qu'as-tu pensé des réponses apportées quant à la question de l'annulation de la dette Alors bon, j'ai pas trop regardé. J'avoue que j'ai arrêté assez vite parce que ça m'a. Je connais euh, voilà, François Villeroi de Gallo, qui est le, donc le, le président de la Banque de France, enfin le directeur, ouais, le, le gouverneur je crois qu'on dit sais pas. Et donc oui, effectivement, lui, il est opposé à l'annulation de la dette. Euh, et son argument, bah, c'est toujours un peu le même, c'est de dire il euh, y a toujours quelqu'un qui paye. Euh, ça va déstabiliser les marchés ou alors euh, la, les investisseurs n'auront plus confiance euh, en la France. Euh, des trucs comme ça qui sont des. C'est ce qu'on entend depuis 40. Bah, ouais. c'est des, des, voilà, c'est des éléments de langage. C'est pas donc il euh, y a toujours quelqu'un qui paye. Bah non. Voilà, la banque centrale, elle fabrique la monnaie. Tu... Ça ne fait pas faillite une banque centrale, ça peut pas faire faillite. Une faillite, c'est soit tu n'as pas l'argent pour payer, donc jamais une banque peut faire faillite parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer, tu vois, elle fabrique la monnaie, même les banques privées, quoi, quelque part. Euh, sauf s'il si s'agit de payer une banque centrale, parce que oui, les banques privées peuvent pas fabriquer la monnaie centrale. Ok, bon, c'est compliqué, mais euh, l'idée le, 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 même de la faillite telle qu'on peut la penser pour la banque centrale, c'est l'idée de dire la banque centrale ne pourra pas rendre ce qu'on lui a prêté. Mais on ne prête rien à la banque centrale. La, la banque centrale n'emprunte à personne. Les banques empruntent, donc oui, elles peuvent faire faillite. Nous, on emprunte des choses, donc oui, on peut faire faillite. La banque centrale, elle emprunte pas. Elle fabrique tout. Elle fa... tout ce dont elle a besoin pour régler une facture, elle le fabrique. Il n'y a aucun autre agent économique qui peut faire ça. Donc tous les agents économiques sont soumis à la faillite, sauf la Banque Centrale et sauf l'État aussi. Mais ça, parce que l'État. On, on parle a... de faillite de l'État. Toi, tu dis non, que les... Non, 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 un État. Alors... Non, non, je ne te dis pas de, que c'est le cas. Un je État, te dis on un en état parle. peut faire défaut sur On va dire la Grèce a fait faillite, tu vois, voilà. euh, en 2009. Un, un, un État peut faire défaut sur sa dette. C'est-à-dire, un État peut dire vous savez quoi euh, Non, je ne rembourse pas. Voilà. Et il ne fait et pas fait... faillite pour autant Alors si, il fait défaut sur sa dette. mais il fait pas Effectivement, il fait défaut sur sa dette, mais il fait pas faillite. Euh, la faillite, c'est quelque chose qui t'emmène vers euh, bah, voilà la, la, la cessation d'activité. quoi, L'entreprise s'arrête de fonctionner. Il faut, faut trouver un repreneur. Si on trouve pas de repreneur, bah, on, on vend l'entreprise en petits morceaux et on essaie de rembourser les créanciers. Donc l'État n'a pas d'actionnaire, il n'a pas de propriétaire. Donc il peut faire défaut sur sa dette, ne pas rembourser ce qu'il doit. Mais on va pas vendre l'État en petits morceaux pour... Enfin, il n'y a pas d'actionnaire, quoi. c'est pas un truc privé. Donc, si c'est pas un truc privé, euh, euh, voilà. C'est juste l'État dit, bah, non, désolé, les créanciers, je ne vous rembourse pas. Voilà. Et une banque centrale, c'est encore mieux que ça. C'est que non seulement il n'y a pas d'actionnaire, enfin, pas au sens d'une entreprise privée, et en plus de ça, ils ont la planche à billets. Donc, ils fabriquent autant de monnaie qu'ils veulent. Donc, ils peuvent... Enfin, ils On empruntent Créer jamais, de la monnaie, quoi. ça ne fait pas d'inflation, donc ce n'est pas si grave. Alors, ça ne fait pas d'inflation. Il y a une partie de l'inflation qui est peut-être euh, monétaire. Est pas, disons que la, le, le prisme d'analyse de l'inflation ne passe pas que par la quantité de monnaie. Mais effectivement, tu peux créer de l'inflation avec de l'émission monétaire. Mais simplement, euh, il faut, il faut, ça dépend d'un certain contexte. quoi C'est un peu comme dire ⁇ Ah oui, un hamburger, ça rend obèse ben ⁇ Bah non, quand le mec il n'a pas mangé depuis 5 jours, un hamburger, ça ne va pas le rendre obèse. Tu vois, ça, ça dépend d'un contexte. Donc ta création monétaire, c'est pareil. Oui, dans une économie qui est déjà remplie à gaver de monnaie et qui n'a pas de, de, de capacité de production, oui, ça va peut-être provoquer de l'inflation. Mais sinon, non. Donc voilà, ça dépend d'un contexte. On a beaucoup parlé euh, de bouffe ce soir, monsieur. Ouais. Des burgers, des kebabs et des pizzas. Et, si mais, vous n'avez pas faim en regardant, je ne comprends pas. Et, et, ouais, et après l'histoire de dire, je sais pas, les marchés auront plus confiance ou des trucs comme ça. Non, c'est juste pas vrai, quoi. T as, as l'exemple de la faillite de la Russie en 98. La Russie fait faillite. Ils disent bon voilà, j'ai de la dette, je rembourse pas. C'est de la dette en dollars. Et puis je sais plus quoi. Six mois plus tard, les investisseurs continuent de prêter à la Russie. S'il n'y a pas d'autre endroit où prêter, parce que bah voilà, ils se disent oui, allez, c'était un, coup comme ça, ça arrive une fois, ça arrive c'est pas grave. C'est logique. On va vous faire sauter deux loyers. C'est pour ça que tu as un taux d'intérêt, tu vois quelque part quand tu prêtes avec un taux d'intérêt, parce qu'il y a un risque financier de pas se faire rembourser. Donc oui, une fois de temps en temps, tu ne fais pas rembourser, bah voilà. Et puis en plus là, c'est la banque centrale que tu rembourses pas, donc ça n'a aucun impact sur les marchés. Donc il n'y a aucune raison. Que les marchés, ça n'a vraiment aucun autour. impact sur les marchés de non. pas rembourser une banque centrale. Mais non, pas du tout, parce que la banque centrale ça, fait pas partie des marchés. Tu vois, non, mais l'argent qu'elle a... Qu a envoyé, c'est pas grave qu'il soit pas détruit. Non, c'est ça que je dis. Bah, hein. tu vois, elle, la banque centrale elle a, elle a mis 4000 milliards dans les coûts. Il y a eu zéro inflation, et puis, et, 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 ouais. non, mais surtout euh, elle, elle reprend jamais cet argent, elle arrête pas d'en ajouter plus. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'inflation. J'espère qu'on a répondu à ta question, Jean-Baptiste. Inflation après, c'est compliqué. L Inflation sur les marchés financiers, oui. Voilà. Je m'arrête. Voilà. Vous irez voir d'autres vidéos, c'est fait spécialement sur l'inflation. Ou a une super vidéo sur l'annulation de la dette. Euh, prochaine question. Une question de Maxime Maigret. Est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller pour découvrir, comprendre et approfondir l'économie et la finance La chaîne Eureka est vraiment voilà, pas mal. Mon livre. Acheter mon livre. Acheter mon livre. <laughs> je l'ai pas. Tu l'as même pas amené. Je peux. Ah je peux non, même je pas faire, pas, Michel. Je l'ai pas amené. Tu vas ouais. faire du rickert là. Euh, J'avais le chien. Euh, il ouais, est parti. Mais j'aurais pu montrer le livre. Des bouquins. Euh, bah, si, y en a plein. Mais comme ça, c'est difficile. Je les ai pas toujours en tête. Ou des économistes euh, à lire. il Y en a ouais. quelques uns, des médiatiques en ce moment, qui marchent pas trop mal. Bah, Gaël Giraud, c'est Gaël Effectivement, voilà, on gros. le croise de plus en plus. Ouais. Euh... te passe le bonjour si jamais tu nous regardes un jour. Euh, quoi euh... Il a dit que tu étais inénarrable. Moi, ça, ça ah me oui, marque. Il a dit que j'étais inénarrable. L'inénarrable. <laughs> euh... euh... de Réca. Euh, Quoi, quoi, quoi euh, j ai, j ai, Là, j'en ai pas comme ça qui me viennent. Euh... Au pire, tu sais quoi Moi, je vous propose un truc. Si vous êtes resté jusque-là, on fera un petit commentaire épinglé. Ah oui, Et avec euh, des bouquins. Tu viendras avec des bouquins on vous le mettra en commentaire. Euh... Okay. Voilà, on vous fera une petite, euh, petite liste, on se fera ça un peu plus tard, mais quand le, le, le live sortira euh, en replay, vous aurez, euh, okay. on essaiera de vous fournir Sinon, des Sinon, Dans, 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 les, dans les, les, les sources de mes vidéos, je mets euh, des, des bouquins, je mets des références, des trucs comme ça, donc il y, y a moyen de fouiner, de trouver des trucs. Je, là, là, tu vois, par, ah bah si j'y pense, euh, comment euh, David Kayla. Euh, c est, c est, je trouve que c'est très bien, c est, c est, ça se lit vachement bien et tout. Euh, donc euh, ouais, ça c'est bien. Il y a des trucs comme Steve Keen. Alors Steve Keen c'est beaucoup plus technique et puis c'est critiquable sur certains aspects, mais enfin quand même c'est vachement intéressant. Si vous voulez suivre un mec comme Blair Fix euh, sur Twitter ou aller lire son blog, euh, c'est toujours très intéressant ce qu'il poste. Euh, voilà, c'est euh, Timothée parik qui parle de décroissance. Euh, ça aussi, plutôt sur Twitter, bah, il a aussi une thèse. Enfin, il a écrit une thèse et bientôt je pense un bouquin. Euh, voilà, c'est ce auquel je pense là. Très bien. On fera quand même la petite description, on prendra, on prendra cinq minutes pour vous faire ça un moment. Rappelez-le-nous si jamais on l'a pas fait. Euh, question suivante. Une question de Mathieu Edel, Quid des cryptos et du Bitcoin qui sont en train de bouleverser la manière dont on s'approprie la monnaie. Oh, on avait triste. dit qu'on n'en parlerait pas, mais euh, ah les cryptos, ah les cryptos. Ok, donc euh, moi, crypto détruisent pas, le euh, monde. Voilà, suis suis pas très crypto, hein. Alors, pour moi, les cryptos, c'est s'interroger sur la monnaie euh, du mauvais côté. De... C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que on s'en fout un peu. De s'il y a une blockchain, pas une blockchain, euh, je sais pas quoi. La question c'est qu'est-ce que ça. La, la question c'est comment on crée la monnaie, comment on la distribue, comment on s'en sert comme d'un outil politique pour faire advenir euh, les changements qu'on veut. J'ai pas l'impression que les cryptos répondent euh, à ça. Euh, l'image que j'ai, c'est on s'en fout de la couleur du billet. C'est qu'une technologie. Pour fabriquer, ouais. ça, ça, c'est pas la question ouais. en fait. Ouais, ouais, c'est alors... une technologie d'un portefeuille. Ça change la façon dont le portefeuille s'ouvre et se ferme. Ça change la façon dont le portefeuille peut échanger des choses éventuellement, mais ça n'est pas une économie en fait. Puis ça se... Par contre, il y a une bulle spéculative. Ça, c'est autre chose. Déjà, déjà, voilà, c'est une histoire pas lié de dire que quoi. les, les crypto-monnaies sont. Mais euh... Je suis pas certain qu'on ait besoin d'une blockchain et de toute la technologie nécessaire pour 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 avoir une monnaie qui soit une monnaie écologique ou qui nous permette de faire la transition écologique. Donc je alors surtout que le Bitcoin c'est très probablement oui, en plus pas du Bitcoin, tout ça... du tout du tout écologique. Oui voilà ça consomme énormément d'énergie donc il euh, euh... y a d'autres crypto-monnaies qui moins. Moi le tout le, le truc moins. de Bitcoin je le vois comme un, vraiment une bulle spéculative avec des gens qui je sais pas quoi euh, qui essaient de gagner des sous quoi euh, un peu bêtement et Bon, c'est est tout. Est-ce ouais. Est que tu veux nous donner tes conseils pour Binance Pour <laughs> truc de finance binaire. Ah ouais ouais non. Être... Je... <rire> Désolé. <rire> question suivante. <laughs> une question de Julie qui nous dit y a-t-il de nombreux économistes qui partagent ton discours Une majorité. Bah oui, une majorité. Une majorité, hein. c'est pour non. ça qu'heureusement que tout ce qu'on a dit est appliqué. Non, je pense pas. Ouais, ouais. Alors, euh, des, des économistes qui partagent mon discours, bah oui, parce qu'en fait, moi, j'invente pas tout ça. Hein. C'est, euh, je fais un peu des, des, des résumés de tout ce que je lis. Euh, donc, il euh, y a tout un courant de pensée qui s'appelle, euh, enfin, qui, qui étudie notamment la décroissance, euh, tout un courant de pensée qui étudie, euh, qu'on appelle les, les post-keynésiens, qui essayent de faire des modèles de l'économie en partant de la monnaie. D'accord, en partant d'un système monétaire, en partant de c'est une espèce de réflexion financière sur le fonctionnement de l'économie. C'est exactement moi mon, mon approche, mais parce que, parce que je viens de la finance en fait. Donc naturellement, je suis allé voir ces gars-là parce qu'en gros, quand, quand étudies l'économie qui est dominante, qui est majoritaire, donc typiquement de euh, Monsieur Villeroy de Gallo euh, avec l'interview de Cyrus. Lui, c'est un mec, c'est un néoclassique euh, euh, et un néolibéral. C'est des gars qui euh, réfléchissent pas du tout de la même manière euh, au fonctionnement de l'économie. Ils partent du principe qu'il y a une courbe de l'offre et de la demande, ils partent que, du principe qu'il y a des courbes d'utilité. Il y a des axiomes des deux personnes sont, euh, sont, des, sont des individus qui ont déjà toutes leurs idées dans la tête, ils savent à l'avance ce qu'ils vont consommer dans le futur, ils ont des fonctions, ils maximisent des fonctions d'utilité, enfin, du coup, c'est vraiment une vision très 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 théorique des, des, des enfin, très conceptualisée. Euh, des choses et conceptualiser pour que les mathématiques s'appliquent bien dans l'analyse. Alors que moi j'arrive et je dis bah voilà, je vois 1000 dollars, je veux voir où ils vont, ah, ça rebondit là, ça vient là, puis je fais un petit schéma, puis j'essaie de comprendre comment ça tourne comme ça. Les économistes euh, du courant de pensée dominant font pas du tout ça. Attends, mais ils font quoi alors bah, que, je veux dire ça me paraissait être le travail d'un économiste de regarder non, ce que non, fait non, les sous. Non, ça c'est ça c'est vraiment tu t'intéresses au fonctionnement des institutions et ensuite tu regardes comment elles sont connectées et après particulièrement Plutôt que d'analyser quelle institution a le pouvoir sur une autre, par exemple, ou ce genre de choses, tu t'interroges à comment la monnaie circule entre ces institutions. Et donc tu crées des, des, des circuits, quoi. Enfin, moi, c'est un peu ce que je fais. Et il euh, y a tout un courant de pensée en économie qui fait ça. Mais le courant de pensée dominant, euh, c'est un truc. Qui en fait, c'est presque une branche des mathématiques. C'est-à-dire, ils se disent comment est-ce que je peux mathématiser l'économie. Et en fait, plutôt que de trouver un modèle qui, mathématique qui représente bien l'économie, ils se font une représentation de l'économie qui permet d'utiliser les mathématiques. Coller à la théorie, en fait. Voilà. Enfin, en fait, c'est. OK, je vois l'économie, c'est trop complexe, je vais la simplifier mais là, je vais la simplifier d'une manière où je peux utiliser des maths. Et après tu dis "Bah attends, c'est tellement simplifié que ça a plus rien à voir." Oui, mais au moins je peux faire <laughs> Moi j'ai des maths. De maths. Voilà. Au moins j'ai des maths. Au moins je peux te faire plein de maths et je tombe et sur les maths, un équilibre. Et maths, c'est sérieux, si et vous ça permet de. Résoudre. Tu vois, c'est un peu tu, tu prends une équation à je sais pas quoi 12000 inconnus, tu dis Non, je peux pas résoudre l'équation, donc je vais réduire ça à une équation à une inconnue comme ça je peux résoudre l'équation." Bah oui, mais ça a rien à voir avec la réalité puisqu'en vrai il y a mille inconnus. Bah oui, mais là au moins je peux résoudre l'équation. Ok, mais quel sens ça a Je sais pas. Okay. Donc, une majorité, non. La majorité, est quand même. Tu as une idée du pourcentage Est-ce que, est -ce, que est ce genre d'idée euh, se propage chez les économistes Oui, que, euh... oui, oui, parce que euh, tu as, euh, as notamment un courant de pensée qui s'appelle euh, les... les économistes atterrés Non, oui. Alors, non, deux, non, non, c'est. Euh, mince euh, la nouvelle monetary, new monetary theory voilà c'est ça la nouvelle, nouvelle théorie monétaire voilà new monetary theory ouais. MMT voilà c'est ça NMT ouais. et euh, euh, moderne monetary theory voilà c'est ça c'est MMT et donc ces gars-là ils sont de, visiblement de plus en plus influents et eux clairement ils ont une approche très monétaire des choses financières euh, qui cadre pas avec euh, pff, ouais Milton Friedman était aussi un mec qui s'intéressait à la monnaie mais Bref, c'est compliqué, mais non. <laughs> je suis pas une majorité. C'est pas la majorité. On pas... n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais ouais, c'est l'important. Je pense que c'est dans si, si dans ce cercle professionnel déjà ça évolue. Euh, c'est qu'il y a une genre de prise de conscience déjà, parce que c'est eux qui vont influencer les politiques, qui vont influencer le plus grand public aussi. Ouais, c'est tu sais, On reprend l'idée de Milton Friedman, tu gardes tes idées au chaud comme ça, voilà. et à un moment donné, voilà. qu'il y a un genre de crise, bam, tu les mets en avant. <laughs> ça. Et tu essayes de, de gagner le, 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 le discours politique. Et voilà. Très bien, bah, écoutez, on va faire ça. Euh, question suivante. Une question de Gaiji, ta présentation euh, recommandait une politique industrielle, un contrôle du crédit, une décroissance fort planifiée. Pourquoi n'as-tu pas peur que les politiques en fassent n'importe quoi euh, Oui, effectivement, je suis... enfin. Euh, pourquoi j'ai pas peur que les politiques en fassent n'importe quoi euh, bah C'est sûr que euh, si c'est une politique industrielle qui va pas dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui va pas dans le sens. Euh, oui, moi j'ai l'impression en fait que quelque part. Euh, euh, le, le Mais ouais, c'est peut-être peut 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 trop, trop naïf de ma part. J'ai l'impression que le contrôle. Euh, sur les politiques est plus simple que le contrôle sur le marché. J'ai l'impression que le marché, a plus, plus, surtout dans, dans la situation actuelle, a, est plus oppressant que euh, ce que les politiques sont capables de faire. Et donc, quelque part, euh, le marché va t'emmener vraiment exactement là où il a envie de t'emmener, alors que quelque part, on a quand même encore un, un peu de contrôle sur ce qu'un politique peut faire. Euh, voilà, donc, euh, mais effectivement, oui, euh, les histoires de politique industrielle et tout. Euh... Il faut que ce soit contrôlé par la démocratie. Moi, je ne suis pas du tout... Je pense aussi qu'il faut... Tu quand, serais quand pour je parle... une, en parallèle peut-être pour une réforme des institutions ah bah voilà, euh, politiques. En fait, mais quand tu parles des institutions, c'est euh, l'entreprise, mais c'est aussi euh, l'État, c'est aussi la manière dont on vote, c'est aussi la manière dont on décide des lois, euh, les histoires de, de, de présidents qui euh, nomment le Premier ministre, etc. Enfin, tu vois, on est dans un régime très présidentiel. Le fait de passer euh, dans un régime qui soit beaucoup plus démocratique, ça, ça me paraît aussi... Euh, logique et évident pour réussir à faire cette décroissance qui va bien dans le sens des réductions de gaz à effet de serre et aussi dans le sens de du mieux pour la population quoi mais il faut bien qu'on mette notre espoir dans une chose et on sait juste que ce sera pas dans le modèle néolibéral. Il y, y a aussi un truc, c'est que euh, oui, je parlais de politique industrielle, mais j'ai jamais dit que les entreprises allaient devoir rien faire non plus. Tu vois, le but c'est de mettre tout le monde dans la bataille. Donc, euh, et l'idée c'est qu'effectivement, je pense que le politique a euh, un rôle de, de pour pour orienter vraiment, pour orienter les choses, euh, pour, pour donner la trajectoire, parce que il est très gros, il est très fort, et donc du coup, il peut il peut il peut il peut, il peut orienter plus facilement que euh, plein de PME qui devraient s'assembler pour euh, tout aller dans le même sens et ça viendrait comme non, ça. Oui, il faut le rabâcher, c'est ça qu'il faut faire, même si ils n'ont pas le pouvoir au bout d'un moment. Ouais. Ok. Euh, question suivante. Euh, je ne sais pas où t'en es de ta fatigue, ça va faire 3 heures. Moi, je ne te force pas plus loin. Le, 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 C'est rempli, la, la case est remplie. Euh, mais si tu veux qu'on continue de répondre aux questions des gens, euh, moi, il n'y a pas de... Comme, euh, comme euh, pas, je ne sais pas... Je me tourne aussi vers les équipes techniques. Un... Euh... On va faire un sondage. On va faire un sondage. D'accord, on fait un sondage vers les équipes techniques. On va reprendre une dernière question et, euh, et on coupera là. La... Okay. Le live, ça fait trois heures. Ça ouais. va, on ne vous a pas... C'est pas du vol. <laughs> Question de pierrot. Que penses-tu des politiques d'austérité pour résorber la dette ça... C'est la pire idée du monde. C'est la pire idée du monde. On ne veut... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'austérité pour résorber la dette, ça n'a aucun sens. En fait, ça part d'un. Un, de... Encore une fois, c'est vraiment. Mais vraiment une... une. bêtise. Donc, c'est quoi l'idée C'est de se dire, euh, ok, en fait, il a pas. L'économie va mal l'économie va mal. Pourquoi l'économie va mal Parce que l'État prend trop de place dans le marché. Voilà. Donc si je retire l'État du marché, je lui fais faire le moins de, de l'austérité, je coupe dans les dépenses publiques, je, je vire des gens dans, le, dans les services publics, etc., et bien bah, du coup tout le monde va se dire, ah ouf, on respire, il y a moins d'État. Et donc on va dépenser et on va investir et la croissance va revenir et, et, et voilà, et du coup l'État va pouvoir rembourser sa dette et ça va être merveilleux. Non, c'est complètement bête de penser ça. Quand il y a une crise économique, de genre les subprimes, il euh, bah, y a juste une crise économique. Plus personne dépense son argent. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Le privé arrête de dépenser, donc le privé arrête de gagner de l'argent. Parce que, tu vois, c'est les uns dans le privé qui dépensent, et bah, les autres dans le privé qui gagnent. Donc quand les uns arrêtent de dépenser, les autres arrêtent de gagner. Donc voilà. Et une autre partie des revenus des gens, c'est l'État qui dépense. Alors là, non seulement le privé arrête de dépenser, donc tu as les revenus des gens qui baissent. Et en plus de ça, tu dis à l'État, bah toi aussi. Tu n'as qu'à arrêter de dépenser. Bah, les revenus baissent encore plus. Tout le monde est encore Tous plus démoralisé. Et, et, et du coup, tu as encore plus de, de, de marasme économique. Ça n'a aucun sens. Tu ne résorberas jamais ta dette comme ça. Alors, comment on en arrive dans le schéma néolibéral à utiliser cette politique-là Alors, le, le, la justification, il euh, bah, y en a plusieurs. Euh, la première, c'est. Euh, euh, en fait, dans, dans l'ordre néolibéral, on n'arrive jamais à avoir besoin de résorber la dette de l'État parce que l'État est toujours à l'équilibre budgétaire. Fait pas de déficit public. S'il fait pas de déficit public, il a jamais besoin de s'endetter. Toutes les taxes permettent de payer la dépense publique. Tu jamais besoin de dette. Donc la doctrine néolibérale ne s'intéresse pas à la quantité de dette de l'État. C'est même pas théorisé, ça devrait être zéro, la dette de l'État. Okay. S'il y en a une, on fait Ça quoi Ça fait pas de déficit. Ok. Maintenant, il y a la théorie économique qui va servir à un ordre néolibéral. Parce que l'ordre néolibéral, après, c'est de dire, euh, euh, l'État n'a pas de dette. Mais si l'État devait faire un peu de dette, euh, effectivement, il faudrait qu'il la rembourse le plus vite possible. Parce que on ne veut pas d'un État qui intervienne dans le marché. Or, quand un État investit, ah bah oui. tu vois, il fait du ah. déficit. S'il fait du déficit, <laughs> il génère des bénéfices ailleurs dans l'économie. Donc, C'est triché quelqu'un, quelque chose. Mais l'État ne devrait pas faire partie du marché, il devrait aider personne. Donc surtout pas de déficit. Donc comment on fait pour résorber la dette ben Là, tu avais des économistes qui vont théoriser des trucs à base d'équations où ils vont te dire, eh bien, on suppose que l'individu rationnel, quand l'État fait du déficit, eh bien, l'individu rationnel se dit, ah, l'État devra rembourser sa dette avec de l'excédent budgétaire dans le futur. Cet excédent budgétaire viendra nécessairement d'une hausse de l'impôt. Cette hausse de l'impôt... Euh, euh, sera prise sur mon revenu. Donc, je vais épargner aujourd'hui pour avoir des sous de côté le jour où l'État augmentera ses impôts et du coup, il piochera dans cette cagnotte. Mais du coup, parce que l'État dépense aujourd'hui, alors les gens épargnent aujourd'hui aussi et donc consomment moins. Et donc, euh, ça fout le bordel. Et donc, il faut surtout arrêter de faire du déficit public, donc de l'austérité. Comme ça, les gens vont arrêter d'épargner, mettre l'argent dans l'économie, faire tourner le système. Mais ça, ça du marche coup, pas du tout comme ça. Mais non, mais ça a aucun sens. Ça marche quand dans tu un... crées de l'instabilité. Ça, ça marche tu, si tu, tu pars du principe que les gens se comportent d'une manière qui se comportent pas. Mais voilà, tu fais une hypothèse irréaliste et puis tu peux démontrer ce que tu veux. Donc euh, oui, non, l'austérité pour résorber la dette, je pense, c'est je sais pas, c'est nul quoi. Eh bien. Sur ces belles paroles, Alors, je pense qu'on va, on va en rester là. Merci vraiment euh, beaucoup, Gilles, de nous avoir accordé eh bien, merci autant avoir de temps parce que je sais que la que classe été... d'être dans le vortex. Ouais, ça t'a plu. <rire> <rire> mais vraiment, merci d'avoir passé autant de temps à préparer cette émission parce que je sais que ça a été, euh, ça a été compliqué. On a, on a commencé à l'évoquer il y a plusieurs mois hein, ce, ce live et euh, la question, on l'a affinée, on l'a modifiée, on a, on a pas mal préparé tout ça. Euh, aussi pour vous le rendre le plus, euh, le plus compréhensible, et vraiment on sait que c'est un domaine, mais je pense que nous, en tant que citoyens, on va devoir s'emparer de, de ces questions-là, et c'est une question difficile parce qu'elle est à la fois très technique, mais en même temps, on va vraiment devoir comprendre le système dans lequel on vit pour pouvoir le modifier, parce qu'on ne va pas avoir le choix. Donc euh, je pense que le travail que tu fais sur ta chaîne est vraiment hyper important de ce point de vue-là, comme le travail d'autres vulgarisateurs sur, euh, sur Internet. Donc vraiment que tu aies pris du temps pour le consacrer au vortex, j'en suis vraiment euh, très très content. Euh, vous pouvez bien sûr aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne de Gilles. Mais bon, c'est toi qui as plus d'abonnés que nous, donc euh, en théorie, on devrait plutôt dire aux abonnés de Gilles, abonnez-vous à la chaîne du vortex, venez voir les vidéos. Euh, voilà, euh, on va remercier bien sûr la technique, la technique le prospère à la réal, euh, voilà formidable, le Namek à la modération. Au Quiz Ben qui nous a aidé à l'installation, aux lumières, tout ça. Si tout ça est joli, c'est grâce à. Ben. Et les autres modos du Discord aussi qui m'ont aidé. Ah, il y a les modos du Discord qui sont là, bien sûr. Remerciement au Discord du Vortex. Remerciement aussi à la musique de la grande table que vous avez pu écouter pendant les pauses et un petit peu pendant, pendant le live. Et puis, bien sûr, tout cet argent public qui coule sur nous de la part d'Arte un bisou euh, aux gens d'Arte si vous nous regardez euh, merci à vous vous permettez à tout ça euh, d'exister aussi euh, à Orange qui est aussi un de nos soutiens en particulier pour les lives donc merci beaucoup à eux. alors c'est pas Orange tu vois c'est le Orange Grand Ouest c'est le Orange local c'est le Orange qui d'habitude donne des sous pour la course locale tu vois ou pour la la, 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 la la tombola des commerces tu vois et ben, c'est ce Orange là qui soutient le Vortex c'est pas bien, le Grand Orange national c'est mieux Ouais, c'est C'est plus. Bah, ça m'a surpris que c'est eux qui ça. sont. C'est le, voilà, le orange du terroir qui est venu nous voir. Et bah, je suis très content qu'il qu nous ait aidé aussi dans, dans la production des épisodes et des lives du, de, de cette saison. Il vous reste uniquement deux épisodes du Vortex euh, de la saison d'été. On a fini mercredi la hiérarchie des sciences. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Un épisode de Valentine vraiment très drôle et euh, hyper cool qui vous parle d'un sujet sérieux dans les sciences. Euh, et euh, prochain épisode. Euh, c'est l'épisode de Marie Wild. Voilà. Préparez-vous. Euh, ça va parler écologie. Euh, voilà. Donc vraiment, merci à tous d'avoir regardé ce live du Vortex. On se retrouve très bientôt, euh, je l'espère, pour un nouveau live. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et euh, profitez des vacances en ce bel été qui s'annonce. Allez, à bientôt.